Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur ce nouveau live des moulins du dev et avant tout, avant tout et bien évidemment, bonne année Mais bien sûr, bonne année La santé en premier, ça c'est le truc de vieux con mais qui est tellement vrai et puis après le reste, bah, ça suit les projets, la réussite, le bonheur, l'amour, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, oh, je... Tout de suite après, je suis obligé d'enchaîner sur une multitude d'excuses hein, pour la semaine dernière. Je suis désolé, il y a eu plein de choses qui se sont, euh, sont cumulées, qui m'ont... Un, empêcher de faire le live de, du premier vendredi, euh, enfin de vendredi 30 je crois, hein, c'était ça, 30 décembre. Euh, J'avais prévu de faire un live et puis euh, ce vendredi-là, j'ai des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps qui sont passés à la maison. Et voilà quoi, c'était l'occasion, on rigolait bien, on passait du temps ensemble et du coup bah, j'ai dit bah tant pis, on va décaler le live, on va se faire ça le samedi tranquillement pour finir l'année quand même avec un petit live et tout et puis le samedi, bah le samedi, le samedi, il est arrivé autre chose qui m'a malheureusement conduit à vous oublier, littéralement, et, euh, et voilà, donc oui, je comprends, Ganon, je comprends, euh, c'est intolérable, c'est inacceptable, et, euh, et c'est pour ça que nous allons démarrer 2023 sur de bonnes bases pour attaquer gentiment. Mais avant ça, il me faut quand même saluer Agenor, qui a pris ses dolly ce qui est strictement interdit maintenant, interdiction d'acheter du Doliprane en pharmacie, hein, priorité aux hôpitaux. Euh, bonjour à Ganon, bonjour à Xen, Xen que... Euh, Xen est sûr que je l'oublie, que je ne pense plus à lui, etc., sauf que je pense à lui chaque jour, chaque matin où je me lève, chaque soir où je me couche, je me dis eh « merde, j'ai encore pas vu avec Xen ». Bonsoir Yod, bonsoir Uopi160 salut allez haut oh, bonsoir à toi euh, j'espère en tout cas voilà que vous allez bien que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année que vous avez pu en profiter en famille entre amis bref voilà, quoi, j'espère je, voilà, que tout ça s'est bien passé, que vous attaquez l'année bille en tête, roi, quinquée, en au taquet, prêt à tout défoncer. Et puis, euh, et puis voilà, parce qu'après tout, bah, 2023 n'a pas de raison d'être une plus mauvaise année qu'une autre. Donc euh, donc voilà, po soyons positifs, avançons, voyons ce que le vent nous porte. Et puis nous ferons, euh, nous ferons ainsi. Monsieur Anna, Anna Exèque, bonsoir à toi. Que vois-je, que vois-je du rust? Et oui, 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 alors ça, ça va être la... La grosse nouveauté de l'année, puisque vous savez, depuis quelque temps, on parlait de refaire un live sur Rust. Rust est un langage qui m'intéresse, que j'ai envie de creuser un petit peu. Euh, sauf que, voilà, je ne trouvais pas jusqu'à aujourd'hui de projet qui me semblait vraiment intéressant, pertinent à réaliser avec Rust. Euh, bon, voilà, il y a eu deux, trois petits trucs qui étaient proposés. Souvent, on parlait de faire des algos, des choses comme ça, de les implémenter en Rust n'est pas forcément le truc qui m'intéresse et surtout je trouve que c'est pas forcément le contexte qui te permet vraiment de découvrir, enfin de pousser le langage. On va pas dire jusqu'à ses retranchements parce que le projet qu'on va réaliser ne, ne devrait pas le pousser jusqu'à ses retranchements. Mais en tout cas, qui va pas forcément favoriser le fait d'aller chercher un peu à droite, à gauche et essayer de creuser un peu plus que ce qu'on pourrait faire de manière, on va dire, standard sur un algorithme. Donc voilà, donc je voulais un projet, un projet un petit peu copieux et en même temps un peu fun, un petit peu waouh wow, tant qu'à faire sur le, sur le résultat obtenu. Et je pense avoir trouvé la petite perle, le, le petit truc qui à la fois devrait me faire euh, euh, kiffer <laughs> sur le, le résultat qui va être obtenu, en tout cas l'objectif à atteindre. Qui va me permettre justement de travailler un petit peu Rust. Et puis, bien évidemment, ce que j'espère, qui vous va vous plaire aussi, va vous intéresser, puisque le projet qu'on va manipuler touche à un registre qu'on n'a jamais réellement abordé sur la chaîne, même si on l'a des fois effleuré un petit peu. Je repense à certaines choses qu'on avait pu faire en web. Bref, voilà. Donc, euh... alors, le... c'est pas tant que le langage est horrible à Génor, euh, c'est vrai que la syntaxe change de manière assez assez forte par rapport au langage moderne qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ça fait plusieurs décennies qu'on a des langages qui ont une syntaxe qui reste toujours plus ou moins équivalente. Si tu fais du C, du C++, du C sharp, du Java, du PHP, du JavaScript, du TypeScript, bon, même si chacun, bien évidemment, ont leurs subtilités, vont avoir euh, certaines choses qui vont être, qui vont leur être propres, etc. On, on va retrouver une syntaxe globalement qui va être plus ou moins la même. Euh, et, et voilà. Mais euh, là, Rust, il faut admettre qu'il casse les codes euh, sur, sur beaucoup de choses, en apportant en même temps de nouvelles fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes. Je pense notamment à la partie match, mais il y en a plein d'autres. Et, euh, et c'est là où, en fait, c'est compliqué de se mettre dedans quand on a l'habitude d'une autre syntaxe. Il y a plein de langages, c'est très facile de passer de l'un à l'autre parce que la syntaxe est très proche. Rust, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Parce que, justement, euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Euh, S'il y a du Rust, j'en suis. Salut, chaton de carte. Bonsoir à toi. Content. Mais je sais que vous étiez, vous étiez nombreux à attendre qu'on fasse un live sur Rust. Et là, ce n'est pas un live sur Rust qu'on va faire, mais ça va être une série. Une grosse série. Alors... Vraisemblablement la série, on l'interrompra de temps en temps pour aborder d'autres choses, histoire de pas faire toujours du rust et puis continuer à voir d'autres choses et essayer de brasser un peu large. Mais, euh, mais effectivement, euh, ça va être un gros morceau pour les prochains mois à venir sur la chaîne, je pense. En tout cas, que ça va être assez, assez, euh, assez long. Euh, alors une alarme pour ne pas oublier le live. Alors en fait le live, bon vendredi clairement je ne l'ai pas oublié. J'ai d'ailleurs je vous ai prévenu peu De temps en avance, mais je me suis dit voilà, ça tiendra pas donc on va. On, je vais quand même envoyer un petit, un petit post sur Discord parce que voilà, les, les copains sont toujours là, on, on est en plein dedans et tout. Et puis j'ai pas envie de les jeter, les mettre à la porte. Voilà, c'est en plus, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu, au moins six mois que je avais pas vu. C'est vraiment les mes potes de chez potes que je connais depuis le collège. C'est vous dire si ça fait longtemps euh, qu'on se, qu se connaît, et on est toujours ce petit groupe, toujours, toujours ensemble et c'est vraiment cool après toutes ces années. Euh, et, euh, et du coup là je pouvais pas. Le samedi, je vais être très honnête avec vous. Samedi matin, j'ai regardé la vidéo de Create sur la dernière version, la dernière version de Create qui fonctionne notamment avec la version 1.19 de Minecraft. Bah oui, toujours Minecraft, toujours celui-là. Et euh, avec ma femme, on s'est regardé, on s'est dit, bon, euh, ça faisait un moment aussi que ça c'était sur la table. Est-ce qu'on s'achète ce serveur ou pas pour pouvoir faire tourner l'instance de manière propre, qu'on n'ait pas de lac, qu'on puisse faire ce qu'on veut et que ça tourne bien. Et euh, vous savez, il y a quelques temps, j'avais été contacté par une entreprise euh, qui voulait que je, entre guillemets, me, me, pas me sponsoriser, mais qui voulait qu'on parle d'eux euh, à travers justement, et en échange, ils offraient un, une réduction euh, à la communauté, c'est-à-dire que vous pourriez disposer d'une réduction, réduction pour euh, utiliser leur service. C'est un hébergeur. Euh, et en fait, euh, je me suis dit avant d'aller jusque-là, il y a deux choses que je veux faire. La première, c'est que je veux tester le service, voir si effectivement c'est quelque chose qui est, qui est correct, qui tourne bien, etc. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'on les interviewe sur la chaîne, qu'ils se présentent, qu'ils nous parlent d'eux. Et seulement à ce moment-là, une fois que vous les connaîtrez euh, réellement, et qu'en plus de ça, moi je pourrais avoir un avis un, un objectif. Euh, sur ce qu'ils euh, qui font et euh, eh bien dire ok let's go on envoie une euh, pourquoi pas une, une sponsor sur la chaîne et puis comme ça vous bénéficiez d'un tarif pour, euh, préférentiel pour utiliser leur service je préfère faire les choses dans ce sens là plutôt que de de, de, de m'associer entre guillemets avec des personnes dont je ne connais pas réellement qui n'ont pas de raison d'être malhonnêtes mais dont je ne connais pas réellement la qualité de service je préfère faire les choses dans ce sens là et là pour le coup c'est l'occasion donc samedi, en fait, j'ai loué un, un service, un serveur chez eux spécialisé Minecraft pour héberger notre petit monde avec ma femme. Et euh, je dois dire que euh, ça tourne excellemment, très bien, euh, avec Create, avec des machines, avec plein de choses. Et je suis très, très content. Euh, donc, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais craint, on en reparlera. Et il faut absolument que je contacte à nouveau cette, cette boîte pour qu'on fasse un truc. J'aimerais bien dans le mois de janvier s'ils si sont disponibles. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, euh, et puis, vraiment, je trouve que pour le coup, la qualité de service est vraiment intéressante et vraiment bonne. Euh, gros mot de pack. Alors, non, c'est plat. pas pris un gros mot de pack, tu vois, comme Create Above and Beyond. J'ai juste pris Create tout seul. Euh, parce que le mode pack euh, Above and Beyond est extrêmement sympathique. Hein. Mais je trouve qu'à un moment, c'est trop. Il y, a, il y a trop de trucs à faire dans tous les sens, etc. Quand à un moment, finalement, tout ce que tu as envie de faire, c'est juste faire des machines. Alors, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais, c'était faire des machines et faire du build. Pas forcément me faire chier à, à aller faire des crafts de fous, des, des trucs à recombiner 700 000 fois, etc. Au bout d'un moment, je trouvais ça plus gonflant qu'autre chose. Et, euh, et en fait, QA tout seul... Me convient pour le moment, en tout cas, assez bien. Peut-être qu'après, on rajoutera des choses, on rajoutera des couches, mais, euh, mais bon, voilà ça. Euh, alors, ensuite, qu'est-ce que. Oui, j'ai oui jamais fait de C ou dérivé, donc c'est la découverte totale, parfait. Physics, bonsoir à toi, bonne année. Ah, mon langage, ça voilà, il y en a qui sont contents qu'on va... qu'on fasse du Rust, j'en suis sûr. Il y a une gestion de la mémoire manuelle à la C, C. Euh, je crois que. Euh, alors je, je, Pour le coup, je vais pas m'avancer. Je ne connais pas Rust. On, on va repartir de là, malgré le fait qu'on ait, euh, ait fait deux lives dessus, euh, clairement pour moi je repars de zéro aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui je n'ai pas eu à utiliser Rust sur des projets euh, pro, ni même des projets perso, parce que justement je ne trouvais pas de projet perso à faire dessus. Euh, donc clairement la dernière fois qu'on a fait du Rust c'était il y a au moins six mois, et, et voilà, donc je, je vais encore repartir de, de zéro pour, pour moi, euh, sachant qu'on avait fait un live où voilà, on avait découvert vraiment le langage, sa syntaxe, etc. Le deuxième live, euh, si vous ne vous rappelez pas, vous pourrez aller voir sur YouTube, il euh, y, y a la rediff <laughs> exceptionnellement, euh, où en fait on avait fait une petite application pour générer des fichiers MIDI, euh, donc vous savez, des petits fichiers audio que vous pouvez utiliser dans certaines applications donc pour, pour créer du son, entre guillemets. Et donc là, ce soir, on va attaquer un tout nouveau projet et qui, là, devrait, comme justement, ça va perdurer dans le temps, va me permettre justement de mettre les mains dans le cambouis, de comprendre davantage, d'apprendre ce langage avec vous au passage. Euh, il y a moyen de faire des projets Mix Rust TypeScript avec Tori. Alors, ça, ça pourrait être extrêmement intéressant. Euh, vous comprendrez après pourquoi. Euh, plutôt comme... Ouais, C'est ce bien ce qui me semblait également euh, ce que dit Chaton de Carte. C'est-à-dire qu'au niveau de, de Rust, euh, la, la, la mémoire est gérée vraiment par le système et tu as des. Euh, euh, on, va, on va dire. Des, pas des observateurs, mais il y a un principe d'owner, de propriétaire sur une variable ou sur une référence. Et à partir du moment où ce propriétaire est... sort du scope, eh bien, toutes les variables qui lui sont associées sont, sont balayées de la mémoire. Donc, en fait, c'est plutôt une espèce de garbage collector, mais plus optimisé de ce que je... Ah, bah, bah, de... Voilà, je, vais... je m'avance sur des trucs. En tout cas, ça a l'air bien foutu. Voilà, on va y aller comme ça. Pour le moment, je, je, je n'ai pas la, la prétention et je ne veux pas sortir des, euh, des insanités ou des choses comme ça sorties d'un chapeau sans, sans, sans réel... Euh... Euh, sans réel appui euh, technique dessus, donc voilà. Je laisse cette partie-là aux experts. Euh, Silence des agneaux. Bonsoir à toi. Salut Crocol, Bonsoir également. Euh, donc, 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 ce soir, évidemment, vous avez envie de savoir, je pense, un petit peu, ce sur quoi va bah, porter ce projet. Eh bien, eh bien, est-ce que j'avais autre chose à vous dire avant Oui, oui, quand même, un truc avant. Cette année, je prends une résolution. Oui, je sais. C'est le début d'année, on prend toujours des résolutions qu'on ne tient jamais, mais cette année, en tout cas, je vais essayer de m'accrocher à celle-ci. La résolution pour 2023, c'est de publier systématiquement les rediffusions dans le week-end qui suit le live. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est on fait le live. À la fin du live, directement, je balance le téléchargement pour récupérer la vidéo. Et le lendemain, je la publie telle qu'elle sur YouTube. Que je ne me fais pas chier à faire de montage. Je supprime pas la trop qui dure 5 minutes. Je supprime pas la fin qui dure 2 minutes. Je coupe rien dedans, à moins de me souvenir que j'ai vraiment dit une grosse connerie et que j'ai pas envie que ce soit sur YouTube. <laughs> Mais l'idée, c'est vraiment que on fasse les rediffusions et qu'on s'y tienne. Et je sais que certains d'entre vous vraiment le, le ça, ça leur manque. Donc voilà, donc ce, ça va se mettre, en, ça va se faire. Voilà, à partir de ce soir, tous les week-ends, la rediffusion en direct. Voilà, comme ça, on sera bon. Euh, je suis amené à personnaliser un projet open source Cpp avec Qt et personnellement contribuer potentiellement contribuer, mais c'est atroce, vous êtes des mazos. Mais non, tu parles quoi Du C ⁇ par rapport au C ⁇ bonsoir à toi Takazak, au passage. Euh, le projet s'est automatisé, le plot. Alors non, parce qu'en soi, le plot, tout ça, c'est vraiment facile tant que tu touches pas au montage. Moi, c'est vrai que je m'embêtais cette année, en tout cas en 2022, je me suis embêté à, à vouloir couper les morceaux qui servaient à rien, etc., pour avoir quelque chose sur un format entre guillemets plus YouTube, même si on passait seulement de 4h à 2h30 de vidéo, ce qui n'est pas du tout un format YouTube. Donc je me dis finalement, bah, pff, si les gens ça les emmerde, ils squeeze ils avancent, clac clac clac, ou ils avancent en x4 euh, si, si nécessaire, et puis voilà. Euh, salut Tux est-ce que tu conseilles une formation full stack JS merde pour quelqu'un qui veut faire une reconversion Oh alors euh, non, je, alors comme ça moi j'en connais pas de, de formation, euh, je pense qu'il en existe. M simplement, méfie-toi. Euh, avant de prendre une formation, il y, y a souvent des choses, j'ai entendu euh, des gens qui avaient fait des formations en six mois sur, sur justement du full stack ou des choses comme ça. Où il y a des formations Open Classroom aussi qui existent. J'ai été mentor Open Classroom pendant quelques mois. J'ai pas du tout apprécié le, le système de fonctionnement. Euh, J'avais pas le droit de dire de mal à Open Classroom tant que j'étais mentor. Maintenant que je le suis plus, euh, je, vais, euh, je vais, je vais, je vais, bah, je vais pas envie de dire du mal spécialement, mais simplement dire ce qui ne m'a pas plu du tout sur ce système-là c'est qu'en fait euh, quand vous êtes mentor d'un jeune ou d'un moins jeune d'ailleurs hein, parce que j'avais deux étudiants vraiment aux opposés quelqu'un qui était en reconversion mais qui était qui devait avoir je dirais je sais pas 25, 25 balais à peu près entre 20 et 25 balais et puis une autre personne qui elle était en reconversion aussi mais qui avait euh, euh, je dirais une soixantaine d'années donc vraiment on fait, le, on fait le on fait le grand écart et euh, l'un était en, faisait sa formation via Pôle emploi, l'autre faisait sa formation en auto-financement, euh, auto c'est-à-dire qu'il payait lui-même sa formation. Et ce que je trouvais vraiment abominable, c'est que la personne qui est par, par Pôle emploi, donc tu dois lui accorder un rendez-vous par semaine de 30 minutes. D'accord Un rendez-vous par semaine de 30 minutes. La personne, elle a six mois pour faire sa formation full stack. Et puis euh, l'étudiant, enfin la personne, le jeune qui était en, en auto-formation, lui, il fallait que je lui fasse des réunions de 15 minutes par semaine. Qu'est-ce que vous voulez dire à une personne en 15 minutes sur des gens qui découvrent des technologies, qui découvrent le monde du développement C'est juste impossible. Donc au final, qu'est-ce qui se passait bah, Moi je déclarais effectivement une réunion d'un quart d'heure ou une réunion de 30 minutes, mais en général, je passais une heure ou une heure et demie avec la personne. Donc si tu veux en termes de en termes de rémunération, c'est à chier. <laughs> euh, en tout cas, si tu veux le faire bien, c'est à chier. Euh, si tu veux le faire, effectivement, que tu suis les règles, tu dis bon bah mon gars, ça fait un quart d'heure, c'est fini. Euh, bon bah... F... Ouais, c'est c'est peut-être bien pour tailler une pipe mais pas pour euh, pas pour ce genre de, de choses. Je, donc donc voilà, donc du coup, j'ai assez rapidement arrêté, j'ai accompagné mes étudiants jusqu'au bout et à partir de là, c'était euh, c'était bon quoi. Euh, donc voilà, donc après en, en formation, moi j'en connais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est renseigne-toi. En tout cas, essaye d'avoir des avis des personnes qui les ont fait parce qu'il y a des gens qui font des formations en trois mois, en six mois. et te disent, ouais, en trois mois on vous forme full stack, etc. Euh, renseigne-toi sur les compétences réelles qu'obtiennent ces gens à la fin parce que trois mois pour apprendre à développer, c'est quand même très court, surtout si tu pas de ce monde là euh, et si tu passes pas au moins 35 heures par semaine. quoi. Que, voilà, il faut, 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 faut en bouffer quoi. Il faut faire des choses, surtout si tu veux faire encore une fois les choses bien et que tu veux être employé derrière. Donc, euh, donc, voilà un petit peu mon conseil. Twitch n'a pas de système pour le faire auto. Je ne sais pas, Génor, euh, je n'ai pas regardé. Salut, Matrails, bonsoir à toi. Euh, T'inquiète, il n'y a pas de format. Ou alors, juste mettre les chapitres click up sur YouTube pour les moment. Oui, non, mais voilà, c'est ça. T'as raison, Génor. Ça, les chapitres, je pense que je le ferai. Euh, graphic art, bien sûr. Graphic art est une source d'information très bonne. Après, je ne sais pas. Est-ce que Graphic art, parce que je vois que tu mets le site, euh, Skilly, euh, ce qu'il Est-ce que Graphic art, euh, Donc, il y a les tutos, formation et oui, oui, il fait de la formation. Ben voilà, impeccable. Donc, voilà. Donc, effectivement. Alors, je pense que par contre, c'est formation avec un certain temps, 3h52, 5h39, etc. Donc, je pense que c'est une compilation, une succession de vidéos et peut-être d'exercices, de tutos euh, qu'il fournit. Euh, attention quand même. Je pense qu'avoir quelqu'un avec soi qui t'accompagne, c'est important. Alors après, je ne connais pas le système de formation de Graphicard derrière. Mais l'accompagnement, c'est toujours utile quand tu fais une formation. Les formations en autodidacte prennent toujours beaucoup plus de temps, sont beaucoup plus difficiles en termes de motivation parce que tu es tout seul à faire le truc. Alors que quand tu as quelqu'un qui est là, bah, tout de suite, ça te pose une contrainte parce que tu sais que demain, tu vois la personne. Et puis, il y a un accompagnement qui fait que souvent, c'est quand même un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, bah, motivant, intéressant. Et surtout, il y a plein de questions que tu vas te poser auxquelles on va pouvoir te répondre. En 20 minutes de live, on ne sait toujours pas le projet. Ah oui, non, mais ça c'est le teasing, Ganon Moi je tease, mais je ne spoile pas. Bah attends, bah évidemment, on fait monter un petit peu la sauce, et puis dans quelques instants, vous allez découvrir le projet. Un projet, mais. <laughs> oh là là, le taré, le taré. Oh, surtout quand je ne sais même pas encore exactement, le, le cahier des charges n'est clairement pas défini. Hein. Euh, salut Cool Freeze bonsoir à toi. Bonne année également. meilleurs vœu, plein de bonnes choses. Echo 427, bien, bonsoir à toi. Silence des agneaux. En six mois, je suis devenu médecin perso grâce à mon CPF. Attends. Alors, ok, ok. Alors, qui veut se faire soigner par silence des agneaux hein Des mentors avec 100 personnes à gérer. Alors, euh, moi, je crois que j'avais droit à... Je pouvais monter à 6, je crois, quand tu commences. 6 étudiants. Moi, j'ai dit non, j'en prends deux. Au début, il voulait m'en coller cinq ou six. J'ai dit non, 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 moi, j'en prends que deux. Parce que déjà, je veux savoir combien de temps ça me prend, effectivement. Et puis, voir exactement comment ça fonctionne et tout. Quand tu commences à prendre effectivement 12, 15, 15 personnes, là, effectivement, mais tu fais du travail à la chaîne. Encore une fois, c'est pas du qualitatif. Et moi, je ne trouve, euh, euh, trouve pas ça intéressant. Euh, ouais, donc, il hein, faut surtout un passif de logique. Oui, c'est vrai. Euh, regarde les cursus, hein, il a récemment refait la formation JSSQL qui sur les compétences pour un dev quel que soit le domaine du dev. Ouais, ça c'est clair. Euh, bonne année Moriarty. Euh, alors le chat a passé... Le chat a passé les fêtes ou il a fini en plat Bah écoute, à mon grand regret, il a passé les fêtes, quoi, mais, euh, mais euh, je je c est, c est, c est, ce n'est que... Voilà, hein, ce n'est que sauter pour euh, moins bien reculer. Euh... <laughs> Bon, allez, euh, on attaque et cette fois-ci, je vous dévoile le projet. Pour ça, je vais passer directement sur le mode desktop, histoire que vous voyez qu'effectivement, ça va se passer avec VS Code. Bon bah, jusque-là, pas de grosse surprise, hein. bah oui, on va faire du dev. Euh, mais je voulais qu'au niveau de l'outil, on puisse utiliser un outil que tout le monde puisse avoir sans avoir à payer ou quoi que ce soit. Euh, et donc voilà, donc, VS Code, vraisemblablement, j'ai fait un petit test, ça a l'air de très bien marcher. Il y avait un autre outil que j'avais en tête, mais pour le moment, bon, on va, on va essayer de faire sans et on va essayer de se limiter à ça. Ça vous donne pas beaucoup d'informations. Méde... Ah oui, la médecine obéopathie c'est trois jours de formation, source non fiable. <laughs> Alors, oui, effectivement, trois jours de formation, ou je crois que même c'était deux jours de formation dans le sketch de Jérémy Ferrari. Euh... Bon, après, voilà, je, je, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Euh, parlons de santé, bientôt la chandeleur. Ah, bien, parlons de sauter. Euh, ah, oui, les crêpes, bah oui, effectivement, effectivement. Euh, Est-ce que tu veux que je fasse le chat en crêpe Je ne sais pas si ce serait très bon. Ma femme est de ce bien sûr, une grimace ne semble pas encore acquiescer la proposition. Ça va venir parce que là en ce moment, ça fait plusieurs nuits que le chat nous réveille à 4h, 5h, 6h du matin avec des miaulements intempestifs en venant dans la chambre puis après on se en culé. Euh, et, euh, et donc là on sent quand même que ça monte un petit peu, tu vois, ça voilà. Donc la dernière fois que c'est enfin, la première fois que c'est arrivé, ma femme dans son sommeil inconscient a dit jambon. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et je pense que, en laissant le temps agir, peut-être que ma femme prendra le couteau avant moi. <laughs> Première semaine de février, la chandeleur, le 2-2, la chandeleur. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ce fameux projet, alors, j'attaque. Est-ce que vous connaissez on va, on va ouvrir un navigateur Internet. Je vais ouvrir un navigateur internet. Vous voyez mon, oui, vous voyez mon bureau quand même. Je, je regarde ça. Et si je vous dis, euh, si je vous dis, si je vous dis, oh, je ne vous dis pas. Je vous montre. Je vais y aller comme ça. Je vais simplement vous montrer. Euh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'arrive, hein. j'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà. Je vais simplement vous montrer ça. Voilà. Salut Sagittarius. Crêpes pour moi avec Nutella et confiture. Ah, alors là, pour les, les, les crêpes, en fait, à la maison, ma femme m'impose qu'il y ait une première partie crêpe salée avec du jambon, du fromage et des œufs. Et ensuite, moi, j'impose qu'il y ait une partie sucrée avec du Nutella, de la confiture ou du sucre. Voilà. Bon, et vous aurez reconnu peut-être peut-être pas les piliers de la création, euh, photo entre guillemets, images capturées par le télescope spatial James Webb. Euh, « C'est beau, il y a Genor, c est, c est, je ne sais plus si je t'ai salué ou si je te resalue, euh, si c'était déjà fait. Euh, » Je ne vois pas le rapport avec euh, « L'Investissement des Agneaux ». Effectivement, comme ça, il y en a pas, c'est le pilier de la création. Est-ce que Rust est un pilier de la création Je ne le pense pas. Euh, mais peut-être qu'il sera en tout cas un pilier euh, dans le monde du développement à venir. Je pense même que ce sera le, ce sera le cas. Euh, ces images, en fait, ne sont pas les images qui ont été directement vus par le, le, le télescope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur en fait à proprement parler sur les images que prend le télescope, puisqu'en fait c'est de l'infrarouge. La plupart des, des clichés qui sont ben, même pas la plupart, des clichés qui sont pris sont des clichés en infrarouge. Donc ce qu'on va plutôt obtenir en général, c'est plutôt des images en niveau de gris qui vont correspondre à l'intensité du, du rayonnement infrarouge qui va être mesuré. Euh, si je dis pas de bêtises, ce serait plutôt ça, en tout cas, qu'on obtiendrait. Ou alors, en tout, en tout cas, sur un spectre, euh, on, on aurait plutôt voilà, des bandes de fréquences qui seraient représentées par une information, possiblement au niveau de grippe, je ne sais pas exactement dans le détail. Et ensuite, il y a des gens qui retraitent les images pour, en fonction du spectre, donner une couleur orange, une couleur bleue sur les, les spectres qui sont plus actifs, plus violents, et rouge sur les choses qui sont plus... Euh, euh, plus passifs en termes d'énergie, avec notamment les infrarouges. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo d'Astronogeek sur le sujet où il explique un petit peu justement ce qu'on voit à travers les images qui sont prises par le télescope euh, James Webb et qui est extrêmement intéressante pour mieux comprendre en fait pourquoi ce télescope a été mis en place, pourquoi est-ce qu'on utilise les infrarouges euh, pour regarder ce qui se passe dans le, dans le ciel euh, plutôt que de la lumière visible, etc. Euh, et du coup, on a Louis, bonsoir Louis <laughs> et Merci, merci beaucoup c'est 23 e mois d'abonnement, merci infiniment. Bientôt les deux ans euh, pour le meilleur et pour le pire, surtout, bien évidemment <laughs> Ah là là là, euh, c'est les chevaliers de Zodiac, mon fond d'écran. C'est vrai, Yot, c'est ton fond d'écran, celui-là. Euh, on va faire du big data, on pose des questions. Le Rust est indigeste, personnellement, je le dilue avec du TypeScript grâce à Tori. Ça reste un peu lourd sur l'estomac, mais ça évite les remontées à <laughs> euh, Qu'est-ce que c'est que cette chose Une chat de GPT Et non, c'est pas du GPT, c'est vraiment l'image qui a été prise hein, par le, le télescope James Webb. Euh, donc si je reviens, voilà, l'image de base, c'est ça. Euh, en tout cas, en format carré, enfin l'image de base, l'image qui est fournie par, euh, par les instituts du James Webb. Euh, juste, on décale le spectre. Exactement, on dit Ganon. En fait, le, le décalage de spectre a son importance. Hein, le fait de mesurer dans les infrarouges, c'est important parce que comme c'est une longueur d'onde euh, à faible énergie, entre c'est-à-dire qu'en fait c'est une onde d'onde avec une très grande amplitude. Et comme elle va avoir une très grande amplitude, euh, elle, va moins être, va, elle va rencontrer moins d'obstacles, elle va avoir plus de facilité à traverser notamment les nuages de gaz, ce genre de choses. Et donc on va pouvoir avec les infrarouges voir à travers les objets euh, dans, le, dans le ciel. Et donc on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur des nébuleuses, voire derrière les nébuleuses. Qui nous qui nous masque justement ce qui se passe, ce qui se passe plus loin, donc c'est pour ça qu'ils utilisent les, les infrarouges des pommes légèrement caramélisées au beurre et au grand marnier pour les crêpes. Ah, oui, c'est vrai que ça, ça peut être pas mal, effectivement. Euh, D'ailleurs, est-ce que ton chat s'appelle GPT? Non, c'est Michel, Michel MD Ah, le chasse, ah, non, le chat, non, le chat, oh le chat, tu sais, c'est une femelle, elle s'appelle d'un doux nom, Vega, franchement, Vega pour moi, ça rime avec. Je... Ma femme est en face, pareil, deuxième grimace de la soirée. Je vous dis pas ce que je vais bouffer ce soir, mais quelque chose me dit que ça va être épicé. Bon <laughs> 23 e mois 2023, coïncidence, <laughs> je ne crois pas, euh, le chat a pété, oh non, oh non, oh non, 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 pas de ça chez nous, pour le moment, à ce niveau-là, les odeurs, ça va, il n'y a pas eu trop de soucis euh, là-dessus, plus de soucis avec le chien des beaux-parents qu'avec le chat, pour le coup, le but, recoder la caméra du télescope, non, tu vas refaire l'aspirateur en rust, alors l'aspirateur, on, on en reparlera, <laughs> j'ai pété, c'était épicé, <laughs> Voilà, oh là, ça y on est parti. Salut du court. Bonsoir, bonsoir. Excellente année à toi également. Plein de bonnes choses. Bien évidemment la santé, comme toujours. Remarque de vieux con, mais c'est comme ça. Euh... Non. Alors, ce qu'on va faire, je vous explique un petit peu. Toutes les données, notamment qui sont issues du télescope James Webb, sont des données euh, d'ordre public. Euh, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les données raw, euh, les données de base, d'origine, qui ont été prises par le télescope. Alors on ne les récupère pas forcément tout de suite au moment où elles ont été prises, parce que forcément les scientifiques qui ont observé une partie de l'espace dans un but précis bah, veulent se donner le temps d'analyser ces images, ces données, afin de pouvoir réaliser leur papier. Mais une fois que le papier est publié, euh, les données ensuite sont, euh, sont ouvertes et on peut y accéder directement. Du coup, je me suis dit, eh bien voilà, on a des gens qui font des choses absolument magnifiques à partir des données brutes de James Webb, à partir de ses fréquences, de, ces, de ces, du spectre, etc. Et si on faisait la même chose avec Rust C'est-à-dire, première chose, être capable d'ouvrir le fichier. Et on va voir que ça, ça va être un des gros défis dans euh, ce travail-là, euh, puisqu'on va voir que d'une part, les fichiers sont gigantesques, mais également dans un format absolument euh, qui, à mon avis, va être totalement savoureux. Euh, ensuite, il faudra, une fois qu'on a les données, qu'on qu soit capable donc de, de faire du traitement d'image pour essayer de faire des choses assez sympathiques. Et là, il y a tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir développer pour optimiser les traitements pour euh, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut gérer tout ça. Et euh, open le gros fichier de lnd.gpt. C'est <laughs> un peu ça, lui. Mais voilà, donc il va falloir qu'on réfléchisse à pas mal de choses pour que ça se fasse bien. Et euh, voir jusqu'à, justement, et c'est intéressant ce que disait tout à l'heure, euh, si je ne m'abuse, c'était euh, monsieur... Euh, non, ce pas monsieur sec il me semble pas, c'était si c'était Monsieur Nexec. Voilà, euh, le fait peut-être de s'associer après avec une interface TypeScript pour pouvoir paramétrer certaines choses, ça pourrait aussi être intéressant et donc confier à Rust uniquement le traitement de l'image pour avoir un maximum de performance là-dessus. Donc euh, voilà, alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, quand vous voulez récupérer les images de James Webb, on va aller sur le Mast Portal. Donc le MAST Portal, c'est le site du MAST hein, qui permet voilà, de, du Milkovski Archive for Space Telescope, où on retrouve pas uniquement les, les images de James Webb, hein, mais on retrouve également les images de tout un ensemble de, de, de stations d'observation qui sont présentes. Donc nous ensuite on va aller sur Advanced Search ici. Dans la mission on va chercher justement JWST hein, pour le James Webb Special Telescope. Euh, hop, on va valider ça. Et donc ici, vous voyez en haut, il y a le record found qui clignote et puis qui nous dit que bah voilà, aujourd'hui il y a déjà 127 000 enregistrements qui existent et qui sont à notre disposition. Alors 127 000, ça va faire beaucoup, sachant que nous on a une limite à 50 000 pour pouvoir faire des recherches précises dedans. Donc on va se rajouter un critère de recherche qui est ici en bas, qui s'appelle release date. Et euh, dans le release date, ici, on va se donner une date, alors un peu plus fine que ça. Notamment, on va aller en 2022, en juillet, et notamment le 14 juillet. On va se placer sur le coup des euh, je vais parler sur le coup des midi pour exemple. Et puis, on va aller ensuite en 2022, toujours pareil, le 14 juillet. Et cette fois-ci, on va s'arrêter du côté de 18 heures. Tout ça pour essayer de restreindre au maximum le nombre de, de records qui va nous être fourni. Et là, typiquement, on voit qu'on a déjà 1000 enregistrements qui sont fournis. Alors peut-être que si je recule un petit peu au niveau de l'heure et que je viens, alors, ou plutôt que j'avance, peut-être si je fais 19h, qu'est-ce qui se passe si je prends 19h Non, là ça ne change pas grand chose. Si je reviens à 10h du matin, est-ce que ça augmente un petit peu Non. J'ai l'impression que c'est plutôt dans ce cas-là qu'ils ont publié, parce que je crois que si on va à 5h du mat, ça explose. Ah non, bon, bon, c'est pas grave. On va rester là-dessus, on va faire une petite recherche. Et donc là, vous voyez qu'ils nous fournissent euh, ce genre de choses. Donc on a une vue astronomique du ciel. Et on a tout un ensemble de fichiers ici qui sont présents sur la gauche. Et donc si je zoome dans la vue, on voit qu'il y a des zones qui sont euh, entourées comme ça là, de, de cadres. Et donc quand je sélectionne un cadre, ça me donne une surface qui a été observée. Et ça me donne automatiquement les fichiers qui, ont été, euh, qui correspondent à cette observation-là. On voit typiquement donc, les instruments qui ont été utilisés, donc le NIRIS ici, sachant que souvent il y a MIRI aussi pour l'infrarouge, le, pour le, pour mais les, les deux de toute façon sont des caméras infrarouges. Et voilà, on des instruments qui sont différents. Euh, on va avoir donc, ben, qui est le, le télescope qui a, pris, euh, qui a fait l'observation. Et donc là, on voit qu'on a éventuellement plusieurs filtres. Donc là, par exemple, on a un filtre à 380. Alors je crois que c'est les, les fréquences hein, au niveau donc, de, de, la, de la fréquence d'infrarouge qui a été mesurée, donc 380, 430, 480. Et donc en fonction bah, du filtre et donc de la, la longueur d'onde qu'on va laisser passer au niveau de la lumière, et ben, on va avoir des choses qui vont nous permettre en tout cas, de voir des choses un peu différentes. Souvent davantage à travers, plus la, la fréquence diminue, si je ne dis pas de bêtises, euh, plus l'énergie est basse et plus justement on va pouvoir voir à travers euh, les objets. Bon. Ensuite on télécharge ces fichiers-là. Et on arrive avec, alors là on va s'ouvrir un petit dossier, on va aller dans le d points et je me suis fait un dossier JWST qui est là, voilà. Et donc là on arrive avec un fichier, voilà, qui fait 5Go. C'est de la petite image. <laughs> donc, le fichier de 5Go, il va falloir qu'on se le décortique, parce que bien évidemment c'est pas euh... ouais ouais 5 gigas c'est pas une blagounette tu hein, as la taille ici euh, donc c'est pas des, des c'est pas des petits fichiers et d'où l'intérêt de travailler après avec un langage compilé donc ça aurait pu être du rust du C++ du C euh, mais typiquement là moi ce que je voulais c'était justement utiliser rust donc euh, voilà alors bien évidemment il y a des choses qui sont bien plus grosses que 5 gigas on est d'accord Louis euh, mais voilà déjà 5 gigas ça commence un petit peu à causer et euh, on va voir qu'en fait le fichier il a une structure quand même bien à lui. Alors je sais pas ce que je peux utiliser. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ouvrir avec. Est-ce que notre pad plus plus va être capable de d'ouvrir juste le début sans partir en PLS. Euh, je pas notre pad là-dessus. Oui, dis donc. Il est peut-être pas dans les programmes, mais dans les programmes x86. Oui, le voilà. Notre pad plus plus. Imaginons. Tac. Bon, on va faire toujours. Qu'est-ce qui nous dit le loulou? Le loulou, il nous dit que, bah, euh, voilà, ils ont chie, bien évidemment, on s'en doutait un petit peu. Files too big to be opened ». Voilà, bon, bah, comme ça, au moins, ça règle le problème, on ne va pas l'ouvrir comme ça. Bref, comprenez en tout cas que la structure, elle n'est pas fifol fifole, et qu'il va falloir décortiquer tout ça. Heureusement, on a la possibilité d'avoir de la documentation. si je fais un JWST, bah, je me suis un petit peu renseigné quand même avant de, de vous sortir ça comme projet, hein. On prend le format FITS et donc Documentation. Déjà, on a un site qui est vraiment intéressant, le JWST Data Format, enfin, le Space Telescope Science euh, Instrument. Et donc, on a le User Documentation du JWST avec pas mal de choses sur, pour justement pouvoir interpréter euh, les documents, les fichiers qui sont, euh, qui sont réalisés par le, le télescope. On a aussi des, des informations sur les instruments voilà, infrarouges qui sont utilisés, le Near Infrared Camera, etc., euh, et donc, qui nous explique à chaque fois ben, un petit peu ce que ça fait, euh, euh, qu'est-ce que ça permet d'obtenir, et tout. Donc, il y a vraiment tout un tas de documentation qui est vraiment extrêmement sympathique et, euh, et qui sera euh, et qui, qui peut être vraiment intéressante si, en tout cas, ça vous intéresse. Et donc bonsoir Anaco, bonsoir Lifelong, Learner, ah mais trop bien, petit moulin du Dev qui fait du Rust, bah ben voilà, <laughs> bonne année à vous le deux. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait Anaco En fait, on est en train de parler du nouveau projet 2023. D'ailleurs, je vais en profiter pour changer un petit peu la description, parce que pour moi c'était Rust projet 2023. Et donc là, on fait faire Rust. Euh, bah, on va mettre JWST Image Processing, hein, ça va être ça un petit peu le le, voilà, hop, comme ça. <laughs> voilà, ça fera, de la, ça fera de la vue sur la chaîne, ça sera très bien. Et donc, l'idée, bah voilà tout a été dit hein, dans, dans, dans cette information. On va essayer de récupérer donc les images qui viennent du, stéle, du télescope, donc pas, pas les images, mais vraiment les données brutes du télescope, euh, qui sont transmises dans un fichier FITS. Et ensuite, euh, on va analyser ce fichier. Et l'objectif, ça va être de pouvoir refournir des images au format JPEG. Euh, mais des images jolies dont on va pouvoir choisir comment est-ce qu'on les colore, comment est-ce qu'on les construit, comment est-ce qu'on les fait. Voilà. Très clairement, ce n'est pas un projet qui sera fait ce soir. Salut Aoshi, bonsoir à toi. Et ça va être quelque chose qui va se faire vraiment sur la durée. Et moi, je me prévois facilement plusieurs mois là-dessus à la raison d'un live par semaine. Ça va être compliqué, je pense, d'avancer beaucoup plus vite. On va voir que le format fits est pas forcément un format a priori simple à prendre en, en main. Donc le Fit, c'est un peu flexible image transport system. Alors oui, l'interface est dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez On est sur de l'open source scientifique, hein, donc forcément les mecs, le, le CSS, ce n'est pas, pas leur truc, quoi. Euh, donc on est sur la documentation, et là on a le The Fit standard, donc un petit document PDF. Et Upworld qui nous lance à raid avec 9 personnes. Bonsoir Upworld, bonsoir les 9 qui t'accompagnent. Bonsoir à vous et bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Et bonne année à vous, bien évidemment. Euh, et donc, et donc, et donc. Euh, voilà, donc on a la documentation du, euh, du fichier. Donc il va falloir qu'on se paluche ça gentiment pour comprendre un petit peu comment c'est faire. J'ai commencé à regarder un petit peu. Il y a des entêtes il y a des zones de data, etc. Il y a que... 75 pages, effectivement, dont toute une partie aussi d'index, etc., euh, et de biblio, de référence, donc... Et globalement, le fichier en soi, il n'est pas si énorme que ça, euh, c est, c est, voilà, ça aurait fait 300 pages, bon, voilà, ça aurait été plus compliqué. Ah ben là, clairement, on est sur un fichier qui a été fait en latex, hein, on ne va, va pas se mentir, hein, euh, ça semble très clair... Le double call -off. Enfin, bon, après, tu me diras toutes les docs, euh, les docs un peu, un peu techniques et tous les data sheets, souvent c'est comme ça. Mais là, quand même, la police et les trois petits points, moi, ça me fait bien penser à du latex. Donc, tu sens le truc, effectivement, bien scientifique, euh, euh, à souhait. La, la science est parmi nous. <laughs> et alors, OGUI. Oh, alors, oui, alors, effectivement, il faudra qu'on voit un petit peu. Est-ce qu'on peut faire une interface graphique Ce serait rigolo. Salut, PDP Maker. Bonsoir à toi. Il serait rigolo, c'est de voir si on peut effectivement. Faire une interface graphique directement au sein de euh, l'application Rust, ou alors si on charge, si on laisse cette partie-là à une appli web qui ensuite dialoguerait avec Rust pour obtenir rapidement les informations affichées. Ça, la question reste ouverte. On verra ça dans le dans le futur. Euh, Chat GPT explique très bien le format. <laughs> Généralement, on livre la loupe avec la doc. Oui, alors regarde, hop. Regarde la belle loupe, voilà, c'est bon. Ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, finalement, on a tous les éléments qui nous permettent de, de travailler. Donc, on a les fichiers, on a la documentation sur le fichier, euh, qui va nous expliquer un petit peu comment c'est construit. Alors, ça ne veut pas dire que là, on est sur quelque chose d'open, hein, sur le format du fichier. Ça ne veut pas dire que ça va nous dire exactement ce qu'on a comme données. Mais en tout cas, déjà, ça va nous permettre d'extraire, de commencer à extraire les informations, et ensuite, certainement, de se référer. À la documentation euh, que j'ai perdue, donc JWST User Doc, à la documentation donc, qui est fournie par, euh, par ce site pour essayer bah, de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait. Pour... Alors, bien évidemment, il existe déjà des bibliothèques qui permettent euh, d'ouvrir et de manipuler euh, des fichiers FITS. Il y a aussi des applications qui permettent de jouer avec, etc. Vous comprenez que l'objectif, c'est avant tout d'apprendre le Rust. Et puis d'en profiter pour essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Par contre, effectivement, il n'y a pas de bibliothèque Rust qui permette de manipuler directement euh, les fichiers FITS, Donc, bah, voilà, on, va, on sera a priori les premiers à le faire si on y arrive. Et si personne ne le termine avant nous. <laughs> Salut, oh, Lifelong, merci pour le Prime, c'est gentil comme tout, merci beaucoup. Voilà, oh, l'année démarre en folie, là, c'est un truc de dingue. Bref, voilà un petit peu le, le projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble effectivement intéressant, que vous aurez envie de suivre, etc. Euh, en tout cas, j'espère. Je me suis dit que voilà, ça touche à l'astronomie. L'astronomie, souvent quand même, ça intéresse pas mal les gens, sans forcément rentrer dans les détails techniques. On est tous quand même plus ou moins euh, assez admiratifs devant les images que nous fournissent la NASA et Les autres agences spatiales, les télescopes et tout ça. Euh, en tout cas, moi, je trouve ces, ces images-là absolument splendides de voir un petit peu ce que peut receler l'univers dans, dans un petit peu sous toutes ses formes. Et donc, je me dis, voilà, si on peut essayer de mêler l'utile à l'agréable, et eh bien tant qu'à faire, tant mieux. Et je pense sincèrement que le projet sera assez badass pour nous durer à la fois un petit peu sur le temps, mais en même temps nous obliger à aller chercher un petit peu plus loin dans Rust que sur du fonctionnement standard, parce que forcément il va falloir qu'on fasse de l'optimisation. Encore une fois, vous avez vu, les fichiers sont très gros, donc on ne va pas pouvoir les manipuler comme ça bêtement. Il y aura forcément des, des choses à faire pour pouvoir les manipuler rapidement. Et surtout, imaginez bien que... L'objectif, c'est d'essayer de pouvoir faire du traitement en temps réel sur l'image. Donc, je modifie un curseur, je dis, tiens, à telle fréquence, je la veux plutôt dans telle couleur, ou je veux faire des nuances de telle à telle couleur, etc. Euh, il faut qu'on puisse voir en temps réel, si possible, le, la réaction. Donc, peut-être qu'on devra travailler sur des. Euh, euh, comment dire Soit des vues partielles, soit des, euh, des miniatures, entre guillemets, de l'image globale sur laquelle on va faire un pré-rendu donc avoir une preview avec voilà, le pré-rendu, ce que ça donne, etc. Et une fois que le gars est OK, tac, on génère vraiment l'image, et là, on prend toutes les datas, et ouf, on fait l'image en, en résolution maximale, euh, voir pourquoi pas derrière fournir une option qui permet de définir la résolution de sortie maximale qu'on veut obtenir. Voilà, donc plein de critères qui peuvent être sympas, et qui vont obliger bah, à se creuser un petit peu la tête pour qu'on ait des choses vraiment, vraiment efficaces. C'est un bon petit projet de fin d'année pour tes étudiants finalement. Ouais, techniquement, ça aurait pu être un projet effectivement pour les étudiants. Et bah, sauf que là, c'est Bibi qui va s'y euh, coller. En Rust, c'est un sacré challenge, non Et Bah, euh, oui, techniquement, on est d'accord, euh, PDP maker. <laughs> un parce que je connais pas le langage, euh, mais en même temps, je. De toute façon, c'était Rust ou C++. Bah, c'était un petit peu l'idée pour moi. Parce que sur des fichiers comme ça, très clairement, il va nous falloir de la perf et il nous faut un langage compilé. Donc, je voulais, euh, je voulais forcément passer par euh, l'un des deux, on va dire. Et eh ben, bon appétit, allez-y Non, non, je, je, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. De toute façon, t vu, on, on va démarrer tranquille, hein, donc pas d'inquiétude à avoir. Vas-y, switch sur C++ <laughs> Donc voilà, non, je, je, vraiment, je me tiens pour le moment, en tout cas, à Rust. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment aussi une manière de découvrir le langage. Euh, de de m'y mettre, euh, de mettre pas, pas pour de bon, mais vraiment de mettre les pieds dedans et surtout de faire ça sur la durée, pas simplement sur un, un live, euh, 4 heures, deux fois dans l'année. Euh, donc, euh, et, et vraiment de, de pouvoir euh, prétendre ensuite connaître davantage Rust. Aujourd'hui, très clairement, pour moi, je suis. Plus qu'un novice hein, en, en Rust, je ne connais pas Rust. Voilà, on, Je repars vraiment de zéro. Euh, pourquoi pas Python, nous dit Pyram Et bonsoir à toi au passage, parce que Python, c'est tout pourri en fait. Hein, Python pourri, ça marche, c'est voilà, même début. Euh, euh, et Pyram a fait OK, désabonnement. Je un cette chaîne avec présentée par ce trou du cul euh, interstellaire. Voilà! <laughs> non, en fait, si tu veux, Python est certainement un des langages interprétés les plus lents du monde, donc on ne va pas faire faire ça en Python. Éventuellement, on pourrait essayer de réfléchir à l'interface graphique en Python, mais je ne pense pas que j'irai euh, faire ça. Euh, pourquoi pas en Scratch, tant qu'à faire Ah, <laughs> oh, ça va troller Ah, oh, ça va troller Alors, le bouton One Sub <laughs> <laughs> Salut Charcou au passage. Euh, alors, oui, justement, COBOL COBOL Effectivement, alors COBOL, bon, c'est bien pour du transactionnel. Je ne suis pas sûr que pour le, le, le traitement d'image, ce soit excellent. Je sais pas, honnêtement, je, je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, 2022, on l'a commencé avec un langage très vieux, puisque le premier live de 2022, c'était sur COBOL. Et donc, euh, bah, un langage quand même qui a plus de 60 ans maintenant. Et 2023 va commencer sur un langage beaucoup plus récent, Alors même si Rust commence à avoir quelques années d'existence, hein, mais c'est vraiment ces dernières années que le langage est propulsé en avant. Et donc c'est euh, voilà, bien de, de regarder un petit peu les deux mondes. Et sincèrement, je pense que Rust a de véritables, euh, véritables points forts hein, en, par rapport à C ou, ou même à C ⁇ Alors, je dirais plus par rapport à C. Là, il y a encore des gens qui vont tomber dessus, mais pour moi, Rust... C'est plus un adversaire entre guillemets ou un remplaçant potentiel de C que de C. Bon après là-dessus, il va y avoir des débats ou autres, mais en tout cas, moi, j'ai plus cette vision-là aujourd'hui de ce que j'ai pu voir de Rust euh, qu'autre chose. Alors bien sûr, il y a plein d'autres langages. On parle de Go, on parle de Zig, etc. Pas de tentation sur le Go. Il faudra un jour, Matrel, effectivement, parce que je ne connais pas du tout le Go. Là, pour le coup, j'ai ai vraiment jamais... Pisser une ligne et même lu une ligne de documentation de Go, euh, on m'en a dit pourtant le plus grand bien. Donc euh, voilà. GTK pour le GUI. Alors GTK, si c'est un truc qui est avec, euh, qui est avec Python, c'est non. <laughs> non, honnêtement, je ne pense pas que je ferai de, de GUI avec, euh, avec Python. Ça, voilà. On cherchera d'autres solutions. Euh, pendant l'attente, je me disais, tiens, ça pourrait être aussi l'occasion de voir avec le, la nouvelle API WinUI de, de Windows. Mais ça veut dire qu'on limite le projet à Windows après au niveau de l'interface graphique et pour ceux qui sont sous Linux et je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, on va, on va éviter ce genre de choses. Ah non, GTK c'est une libre rust. Ok, autant pour moi. Salut Lumicode Bonsoir à toi. Bienvenue, bonne année, voilà. Hein. <laughs> donc, euh, alors je sais pas, tiens, on, je vais jeter un petit coup d'œil vite fait, comme ça, si je cherche donc Rust GTK. Euh, Unlocking the GNOME stack for Rust. Alors, par contre chose importante, il faut que GTK fonctionne également sous Windows et pas simplement sous Linux. Hein, voilà, J'ai ce, ce, euh, ce créneau-là qui dit que voilà, il faut que ça marche cross-platform. Euh, sinon, ça ne va, va pas être possible. Et là, je vois qu'on a du Linux, du macOS et du Windows. Donc du coup, je suis content. Je suis satisfait. Donc voilà, peut-être GTK, effectivement, qui nous servira à faire, euh, à faire ce genre de choses. Mais une interface web, ce serait cool. On l'a fait il y a... Dans je dirais quoi, peut-être six mois après le début de la chaîne, hein, donc en 2020 maintenant. Vous rendez... Non, 2020 deux... ouais, 2020 oh Rendez-vous compte, ça va être faire trois ans que la chaîne existe, c'est un truc de dingue. Euh, donc, en 2020, j'avais fait un live en C sur les fractales. On avait généré des fractales de Mandelbrot. Et à l'époque, en fait, ce que j'avais fait, c'est plutôt de faire les rendus euh, avec, par exemple, OpenCV. Euh, ce, que, ce que je faisais, c'est que je générais une image JPEG. Euh, et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on chargeait l'image dans une interface web. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, on pouvait avoir une interface web euh, avec notre navigateur, etc. On gérait les paramètres de la fractale qu'on voulait, le niveau de zoom, etc. Ensuite, on envoyait une requête sur le serveur qui produisait l'image. Donc, euh, typiquement, à ce moment-là, on avait pris, chez OVH, j'avais loué un, un serveur de, de vainqueur. Pour générer l'image, surtout qu'au niveau de C++, on avait mis en place euh, MPI, je crois, pour, euh, pour gérer automatiquement le, le multithreading en interne et donc faire du, du multithreading sur les calculs de la fractale, etc. Et, euh, et en fait, on obtenait un résultat quasiment en temps réel sur la fractale. Alors, pas sur des résolutions de fou, hein, mais ça allait très très vite et ça permet de zoomer comme ça permettait de zoomer dans la fractale à travers une interface web où la seule chose qu'on échangeait en fait c'était une image. Euh, J'envoyais des paramètres, je récupérais une JPEG, je l'affichais et on avançait comme ça. Euh, étant pur Rust, il me semble, plutôt que de rentrer dans des bindings. Euh, ok, bah écoutez, de toute façon, au moment où on sera au GUI, c'est qu'on aura déjà pas mal avancé. Bon, ça peut arriver assez vite en fait. Et... Euh, ah oui, je vois vivre les fractales. <laughs> voilà, donc ça c'était un autre truc qui était cool. C'était graphique aussi, c'était joli, on mettait de la couleur et tout ça. Et c'était assez, euh, assez sympa. Euh, il faut y avoir le binding... Alors j'aimerais ouais, éviter par contre, c'est vrai, le, de passer par cute, de préférence. Euh, non pas que je déteste cute, c'est pas ça. Mais j'ai pas envie de rajouter, je suis d'accord avec Chaton de cartes, des couches et des couches et des couches. On va essayer de rester sur l'application la plus... Euh, la plus réduite possible. On va ici, essayer d'éviter au maximum les dépendances si possible. Euh, J'aimerais bien revenir à des choses un petit peu plus essentielles, un petit peu plus élémentaires en termes de conception et éviter d'aller taper dans des, dans des packages à droite, à gauche. J'avoue que ça, ça me crée de l'urticaire, ces, ces aspects-là, notamment dans le web d'aujourd'hui qui me, qui me, qui me fatigue un petit peu. Bon, ok, tant que l'application ne dépasse pas 5 gigas, c'est bon! Alors normalement, l'application, elle ouais, ne perds rien, qu'elle va pas faire les 5 gigas. Non, 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 c'est clair que non. L'objectif, c'est que si on arrive à une application qui fait moins d'une centaine de kilooctets, ce sera très bien. Il hein. n'y a pas de raison, de toute façon, que ça fasse plus techniquement, à moins justement d'intégrer des dépendances assez lourdes, peut-être du GTK ou autre. Mais ça, on verra après. Euh, c'est facile à atteindre avec Ouais, Je pense quand même. Là, 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 monsieur Limica, je pense que vous exagérez un petit peu. Euh, je, je, je pense quand même que pour taper une application qui fait 5 gigas, c'est surtout que tu as des ressources dedans qui sont grosses. Euh, si par exemple tu fais de la 3D avec des textures très haute définition, des choses comme ça, effectivement, là les gigas s'envolent. Mais quand tu prends par exemple une application comme Diablo 4, euh, ou Diab c oui, c'est le 4 auquel tu as, as eu la bêta, toi. Ouais. Bon, effectivement, le jeu fait 120 gigas quand tu l'installes. Euh, mais il fait 120 gigas, pas parce qu'il y a 120 gigas de code. Il y a beaucoup de code, bien évidemment. Mais il y a surtout énormément de ressources en termes de, de texture et autres, et qui pèse un max. quoi. Donc euh, c'est donc surtout ça qui fait la taille du, du jeu. Il confond les numéros de Diablo. Bah oui, moi j'ai peu le droit à la bêta. Donc forcément, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdu. Voilà. Oui, oui, ma femme a participé à la bêta test de, de Diablo 4 il y, a, quoi, il y a un mois maintenant. Un mois, un mois et demi, c'était courant de novembre. 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 Ouais, c'est oui. ça. Imaginez jouer avec un UI en 2023. <laughs> Aoshi, il est, tu, viens, tu viens de faire sombrer Aoshi dans un coma euh, pour l'année. <laughs> ouais. ah, voilà, j'ai pas d'action chez Blizzard, j'ai pas d'action chez Microsoft. Euh, je participe pas au développement de Diablo 4, mais sans déconner de ce que j'ai pu en voir. <laughs> voilà, euh, cool. Cher j'ai vu aussi les tarifs qui prévoient. Euh, mais, mais ouais, on, on change vraiment de... Euh, comment dire C'est pas Diablo 2, c'est pas Diablo 3. Euh, je ne sais pas si ce sera aussi bon que Diablo 2, mais ce sera forcément... mais ce sera vraiment meilleur que Diablo 3. vraiment un, un nouveau gameplay. Qu'est-ce que as fait Tu t'es pris un... Le dans le vide, en fait. Mais quelle idée alors, ma, ma, ma chérie est sur Minecraft là, hein, pendant qu'on pendant qu papote, voilà, donc euh... <laughs> et vraisemblablement elle vient de se jeter dans le vide. Tu es décédé oui. Ah, bon, ça va bien alors, pourquoi tu stresses euh, oui. Salut Omega, -de, bonsoir à toi et bonne année bien évidemment, plein de bonnes choses, mes meilleurs voeux, une bonne santé, des projets de ouf, la réussite. Alors je ne sais pas si tu es déjà avec quelqu'un, mais si ce n'est pas le cas, de l'amour bien évidemment, et, euh, et, et tout plein de bonnes choses. Euh, bon, le mec qui... Le, 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 le streamer qui s'insinue comme ça, qui s'immisce dans la vie personnelle des gens, vite de se reposer avec un lit dans le Nether. <laughs> non, elle, elle, elle est pas noob à ce point. Hein. Elle est même pas noob du tout. Hein. Elle, a bien, elle a bien pris le pli, t'inquiète pas. Euh. Ça, ça ça va. Euh, ça, au début, elle était assez sceptique par rapport au jeu. On a commencé il y a quoi, il y a deux ans Toi ouais, c'est ça. Hein, à peu près il y a deux ans. Et puis, en fait, je lui ai montré une vidéo de Roi Louis qui est en train de construire son château sur Holycube, je pense. On devait être, euh, ouais, ça devait être Holycube 5, ça, ouais. me semble-t-il. Et, euh, et à partir de là, elle m'a regardé, elle m'a fait euh, « tu mets un serveur ?» <laughs> et, et là, et là, c'en était fini. Donc, euh, depuis, elle est ultra à la bourse sur ces extensions WoW qu'elle achète. Euh, en plus, elle les achète, tu sais, en édition Deluxe, pour les avoir un peu en avance, sauf qu'elle y joue six mois après, parce qu'elle a, elle a démarré une nouvelle partie sur Minecraft. <laughs> ah là 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 là. Euh... J'aime quand tu utilises mon statut devant mon nom. Et non, c'est pas celui-là. Je, je, je l'ai vu en vrai, notre Louis 1806. Et je confirme que ce n'est pas du tout la même tête que sur les Twitch de monsieur Roi Louis. Hein. <laughs> Démasqué, Louis. Euh, bon, allez, on va essayer d'attaquer un petit peu euh, et de commencer surtout à bah, faire une petite application Rust. Alors, Rust, j'ai regardé donc comment faire pour faire du Rust sur VS Code. C'est extrêmement simple. En fait, la première chose que vous devez faire, c'est installer Rust sur votre machine. Alors, si vous êtes sur Windows comme moi, bah, c'est un installeur qui s'exécute et puis c'est fini. Euh, si vous êtes sur Linux, c'est une commande curl à, ou curl, excusez-moi, ou cURL, cURL, euh, à analyser, enfin à lancer et puis euh, et voilà. Donc en gros, c'est effectivement Rustup qu'il faut qu'il faut installer et puis euh, Rust Analyzer et LLVM. Même pas besoin pour le coup. Bon, enfin ou en tout cas, il est peut-être installé par défaut avec Rustup. Mais moi, j'ai pas L LLVM à installer, donc euh, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment super bien. Euh, vous allez sur le site de RustUp, Up, hop, the Rust Tool Chain. Vous cliquez ici Rust si vous êtes sous Windows, ça télécharge le truc. Vous exécutez, hop, c'est parti. Ça vous met tout ce qu'il faut. Ensuite, sur VS Code, vous installez l'extension. Euh, alors, moi j'ai installé deux extensions. La première extension, effectivement, c'est le Rust Analyzer. Euh, qui va vous apporter la coloration syntaxique et tout un ensemble de choses. Donc voilà le standardizer qui est ici. Et ce que j'ai installé également, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure euh, le CCR. Est-ce que je peux virer ça euh, Le code LLDB euh, qui permet en fait d'avoir un debugger directement et donc de pouvoir faire du pas à pas euh, dans son code. Donc il y en a. Deux qui sont proposés notamment par Microsoft quand on regarde un petit peu comment utiliser Rust sur, euh, sur VS Code. Donc il y a Code LLDB et puis le debugger euh, euh, MSVC. Euh, bon, ils disent voilà, notre debugger à nous s'intègre moins bien que celui de Code LLDB, mais par contre, on fournit des informations un peu plus détaillées. C'est pour ça que je pense que Code LLDB va être très bien et va s'intégrer très bien dans le, dans le système. Ah, voilà donc, euh, on est d'accord avec le micode. Salut, Phil Massicot, bonsoir à toi. Donc, euh, je prononce sur le... <laughs> d'accord euh, Ok, ok, ok. Bon, donc voilà, donc là, moi, j'ai déjà mis toutes ces choses-là en place. Ça va très vite, hein. ça prend vraiment pas longtemps euh, à faire. Euh, une fois qu'on a ça, bah bien évidemment, on va se créer un petit dossier comme d'habitude. Hein, on va aller chez LMD euh, histoire de bien faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier dossier, puis on recréera un dossier dedans. Ça va être plus simple comme ça. Donc, je vais me faire un nouveau dossier. Je vais l'appeler LMD euh, JWST. Même si là ce soir, ça va surtout être du dégrossissement, du proof of concept, on va essayer différentes choses, on va voir ce qui se passe, notamment quand on essaye d'ouvrir ce foutu fichier gigantesque. Et ensuite, on ouvre un terminal, on utilise Cargo qui est un petit peu, peut-être me faire taper sur les doigts, mais qui va être peut-être le NPM de Rust ou le, ou le Gradle de Rust, je ne sais pas si la, la comparaison est, est bonne ou pas. Euh, si je ne m'abuse, je fais un cargo. Est-ce que je fais simplement un new et puis euh, LMD test Je ne sais plus si c'est new qu'il faut faire ou create ou quoi. Euh, je vais te taper. <laughs> D'accord. Bon. <laughs> <laughs> je vois Kanako est facilement euh, est facilement euh, comment dire, titillable hein Il y a des... tu m'avais déjà menacé de me frapper dans un précédent live anaco hein ça ne va pas du tout <laughs> Ah si je suis dans le folder je peux directement faire un cargo init Ok très bien très bien très bien Donc là en fait quand on fait ça quand vous faites un, un, un new euh, il vous génère donc automatiquement un dossier source dans lequel en fait on va avoir un hello world donc une, la fonction principale avec le print and end qui permet donc d'avoir le bon vieux euh, le bon vieux hello world euh, ensuite on a des choses alors on a le fameux cargo tout ml donc euh, bah si je suis désolé anaco ça ressemble quand même beaucoup à ce que fait semble-t-il avec le cargo tout ml to, voilà et le cargo lock j'ai l'impression qu'on est très proche d'un npm dans tout ça ah, voilà Donc, c'est équivalent à NPM. Alors, c'est peut-être par rapport à Gradle que tu as tiqué. Et là, dans ce cas-là, je comprendrai effectivement. Euh, bien, bien, bien. Donc, on est, on, est dans le, on est dans le vrai. Donc, vous obtenez votre fichier main.rs qui est ici. Euh, je ne sais pas si, sinon, il n'y a pas de lien particulier par rapport au fichier main.rs et tout. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, vous faites un cargo build qui va vous générer... Ah, ah c'est perdu... Notre oh, fin, je suis pas au bon endroit. Ah, bah oui, là il faut déjà que j'aille dans mon lmd test, pardon. Euh, donc test comme ceci. Là, ensuite, je fais mon cargo build qui va me compiler mon exécutable. Et à partir de là, euh, je crois que je peux même faire un cargo run. Voilà, et donc on voit notre hello world qui est ici directement. Alors on voit également au-dessus là, j'ai deux, deux petits marqueurs run et debug. Donc si je fais run tout court me lancer directement un terminal et donc il va exécuter notre, notre hello world dans la dans la console et puis si je fais debug et que je mets avant ça un point d'arrêt ici sur la gauche hein, donc si je fais debug il va lancer le debugger et cette fois ci donc je vais pouvoir m'arrêter sur ma ligne donc pareil donc j'ai le debug console avec des informations sur ce qui se passe au niveau de la, de la partie débugage et dans le terminal, on voit que pour le moment, je n'ai rien. Et donc, si j'avance d'un pas, tac, j'ai bien mon Hello World qui apparaît. Donc, voilà, on va être capable de faire de mettre des points d'arrêt, de débugger tout ça dans un environnement qui est Visual Studio Code. Pas besoin de VS Code. Au début, je pensais le faire avec Scylion. De chez JetBrains qui fonctionne aussi très bien pour faire du Rust. Euh, mais finalement, bah voilà, tout fonctionne très bien, a priori, en tout cas pour le moment, pour ce qu'on fait euh, avec ça. Je vois qu'également, on a des inspecteurs de variables qui sont en place avec des globales, les statiques, les locales, les registres, etc. Alors, registres, je ne sais pas vraiment ce qu'ils appellent register, mais euh, quoi qu'il y ait du RBX, RAX, oh, peut être intéressant à voir. Bref, on voit qu'on a quand même deux, trois petites choses. On peut certainement mettre des watchers pour. Euh, pour, pour regarder ce qui se passe sur certaines variables en particulier, ou peut-être pour faire de, de l'évaluation d'expression, je sais pas. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est les choses qu'on découvrira au fur et à mesure des besoins qu'on va, euh, qu va avoir. Et hein, des builds, des bugs de produits, donc ouais, euh, moi la comparaison se vaut. ouais je suis assez, euh, assez d'accord, ça se vaut bien avec, euh, avec NPM. Bon voilà, donc là tac, on va pouvoir arrêter l'exécution de ce petit programme. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et ben puis, voilà. Donc, en fait, on est prêt à travailler. Euh, on est prêt à avancer, à découvrir donc, euh, ce langage. Encore une fois, ne paniquez pas. Vous allez me boire plein des choses qui vont vous sembler horribles, euh, malsaines, hideuses. Euh, je compte sur vous pour me l'indiquer c'est à dire me dire non 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 hop, 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 là t'as pas, pas compris la logique la, la méthode de Rust on fait, on fait le minimum de variables possibles on travaille avec des immutables on fait du, du let de base mais on fait pas de let mute sauf, euh, sauf dans des cas vraiment précis machin et tout euh, tu gères pas bien tes honneurs euh, voilà donc on verra un petit peu euh, tout ça forcément je vais me prendre les pieds dans le tapis c'est inévitable euh, et puis et puis voilà, on va essayer de progresser ensemble. Salut Dylan, bonsoir à toi. On va essayer de progresser ensemble. Et puis il y a pas de raison, ça se passe mal. Voilà, 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 voilà. Donc 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 première chose que j'aimerais faire ce soir, c'est commencer par ouvrir ce fameux fichier. Euh, salut Zamp, merci pour le follow et bonsoir à toi. Euh, alors Zamp Zamp Zamp, parce qu'il s'agit qu d'une suite logicielle pour Linux à base d'Apache, de MySQL et de PHP. n'a euh, peut-être aucun rapport. Euh, T'as rejoint le club de Rust. Alors, attends, 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 pas encore, pas encore. Est-ce qu'il existe seulement des personnes qui ne débutent pas avec Rust Oui, parce que finalement, c'est tellement euh, let no panic equal true. <laughs> Exactement. Euh, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le langage est, même s'il a déjà quelques années, reste quelque chose d'assez récent. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent se mettre dessus parce que justement ça, ça, ça fourmille en ce moment, donc c'est intéressant, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui va, euh, qui, va qui, qui a un réel intérêt. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de regarder un peu ce langage et de t'y mettre. Tu n'as pas besoin de nous pour dire que tu codes mal, Rust va le faire pour nous. <laughs> ah, D'accord. Merci Anako. Merci. Alors moi je débute plus trop avec le Rust. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Après, il y, y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres. Et, euh, et voilà, donc en tout cas, je, je compte aussi sur, sur votre expérience pour, euh, pour ça. Et puis, on va, on va s'essayer à faire euh, pas mal de choses, j'espère, assez rigolotes. Bon, foutu truc, mais évidemment la doc. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une doc Rust toute simple Learn uh, Rust, donc forcément, on va arriver sur ce genre de choses. L'installation, apprendre, les tools. OK, alors si je vais dans Learn, Read the Book. Ah uh, oh, voilà, Rust m'a fatigué. Bon, bah, on va arrêter finalement. <laughs> the Standard Library. Oh hmm. Il y a une STD Ah mais bah, ils ont tout piqué sur C ⁇ quoi bien évidemment. Non mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C, c ⁇ est tellement parfait. Qu'est-ce que tu veux Ils ont été obligés de copier. Ah mais je, je suis vraiment, vraiment pas surpris de ce genre de choses. Vraiment, c'est... Oh, c'est presque débectant, mais bon, on accepte. <laughs> le Book, meilleur truc. Ah bah, J'imagine. Si tu prends les pieds dans le tapis, on ne va pas... On n'est pas là pour te soutenir. Mais j'espère au moins virtuellement. Quelle bande de copieurs de C. <laughs> bon, en tout cas, je sens que les trolls vont aller bon train. Euh, bon, je ne vais pas commencer par là. Je vais commencer par un truc tout bête. Je vais faire une recherche. Je vais faire Rust, open, file. Voilà. Je veux juste faire ça. Hop. Ah bah J'arrive sur la doc de STD. Apparemment, ils ont fait un STD FS. Donc en fait ils ont pompé à la fois C et Node.js. Bravo les gars. Non mais voilà, en tout cas c'est ça sens assez pertinent. Donc on a un file, on a un stdio de point de point prélude. Alors qu'est-ce que le prélude et pourquoi, je ne sais pas. Euh, clairement, vous ne me verrez pas faire ce genre de notation. À euh, quoique, si j'ai peut-être pas le choix. Ok. Ouais, non, ça, ça, j'aime pas. Euh, ouais, ça, ça j'avoue, c'est ça, j'ai horreur de ce de ce truc-là. dire une fonction en Rust, la dernière instruction, en fait, si tu précises rien, c'est ce que retourne la fonction. tu n'es pas obligé de mettre le mot-clé return. Je trouve ça dégueulassement à chier. Bon, après, c'est mon point de vue, mais ça, j'aime vraiment pas. Euh, il s'inspire des meilleurs. C'est vrai. C'est pas faux. Peut-être pas sur, euh, sur Node.js, mais euh, je ne qualifierais pas Node.js de meilleur. Mais, euh, mais bon, StD de Rust, super Std de C, par contre, vraiment, par contre, il a de meilleures implémentations. F Counter par exemple, etc. Salut Fabstock, tu vas souffrir. Ah mais je sais, je sais que je vais souffrir, forcément. Euh, seulement si tu mets pas de points virgule à la fin, parce que si tu mets, ça ne retourne rien. D'accord, très bien. Bah, de toute façon, on nous mettra des points virgule partout et on mettra un return quand on a envie de return quelque chose. Voilà, on est d'accord, Xen. Moi, je n'aime pas cette, et je vous l'ai déjà dit, hein, euh, je n'aime pas cette mouvance de l'anti-verbosité. La, de oh là là, ce langage, il est trop verbeux. Oh, il faut écrire function, alors que FN, voire F, voire rien, ce serait tellement plus simple. Euh, non, ça, je vous avoue, moi, ça me casse les coronesses. Parce que, en fait, autant c'est quelque chose, la verbosité, que je peux comprendre sur des langages euh, type des langages web. Qui sont pas compilés, où on envoie les sources telles quelles, et où ça peut vraiment représenter une grosse différence. Bien qu'aujourd'hui, on ait les minifieurs qui nous permettent de minifier directement les fichiers euh, qu'on va envoyer, donc finalement, le, le problème ne se pose à nouveau plus. Euh, mais, mais dans un langage compilé, qu'est-ce que tu en as à foutre d'écrire function, fn ou. Euh, ou, ou, ou peu importe quoi d'autre, ou def dans Python, pareil, je trouve très moche def, ouais, vraiment j'aime pas du tout. Euh, voilà, je, je trouve que autant écrire les choses, que ce soit lisible, que ce soit facile à lire et que ça, et que ça aille bien. Donc, euh, mais bon, voilà. Euh, ça return un unit type. Alors, ça y est, ça y est on est parti là. Euh, Rust veut dire rouillé en français, Veux, d'accord, oui, merci. Euh, C'est pas une connerie en plus, lol. Non, je sais, je sais que Creuse veut dire rouillé, d'ailleurs leur logo était une, 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 une roue dentée toute rouillée. Hein. Euh, ça, voilà. Si le C est si parfait, pourquoi a-t-on été obligé de créer de nouveaux langages bah, Parce que mon cher Pyram, euh, un langage est un outil, et qu'un outil est adapté à certains types de projets. Par exemple, le COBOL. Tu vois, le COBOL. Les gens crient, vomissent sur le COBOL de manière générale parce que c'est un langage qui a plus de 60 ans. Sauf que le COBOL... Je l'ai déjà dit et je le redis est un langage qui a été conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement précis, ce qui le rend extrêmement efficace pour ce à quoi il est destiné. Pour le reste, c'est pourri. Mais pour ce à quoi il est destiné, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement efficace. Et euh, eh bien j'aurais tendance à dire que les autres langages, c'est pareil. On ne peut pas avoir qu'un seul langage. Ça n'aurait pas de sens parce que on va avoir des besoins différents quand tu traites de la data. Tu Vas pas avoir besoin des mêmes choses que quand tu fais du traitement d'image euh, ou encore quand, quand tu fais du, euh, de la programmation sur GPI ou des choses comme ça. Donc la perfection, c'est pas d'avoir un outil qui fait tout parce que ça, c'est une, une usine à gaz et c'est chiant. Euh, la perfection, c'est l'outil qui est bien adapté à ce que tu veux faire. Après, effectivement, quand je dis que le C est parfait, bien évidemment que je troll, bien évidemment qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaite en C++, bien évidemment qu'il y a des choses au niveau de la syntaxe du C++ qui pourraient peut-être être un peu plus friendly et qui ont tendance à, à faire peur aux gens, euh, même si une fois que tu as compris le truc, du gros, bon, finalement, ça va, c'est pas si atroce que ça, mais, euh, mais, mais voilà. Par contre, il y a des langages qui n'avaient pas besoin d'être inventés. Enfin, on est d'accord que le Python, c'est une erreur. C est, c est, voilà, un langage qui n'a pas d'accolade est un langage qui n'a pas lieu d'exister. Là, je te, je te taquine juste un petit peu. Hein. <rire> <rire> euh, le truc, c'est que parfois, tu pas le choix de ne pas utiliser return. Ah, bah alors là, je demande à voir, mon cher Physics, un langage qui ne me laisse pas le choix. Moi, on va faire en sorte que ça le fera. Euh, Est-ce qu'il y a un langage parfait, Rust anti-verbeux Alors là, tu viens de m'apprendre un truc, c'est méga verbeux le langage. Bah, c'est parfait J'aime les langages qui sont clairs et qui sont compréhensibles. Mais euh, j'aime pas les trucs avec des flèches dans tous les sens où on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, J'avoue que des fois, j'ai un petit peu de mal avec ça. Bon, on verra encore une fois comment, euh, comment ça se fait. Euh, quand tu es dans une portée, l'éthique s'égale. Euh, je connais pas Rust, mais pas Dur de faire mieux que celle du C qui est dégueulasse, elle accuse le poids des années et la compatibilité descendante. Euh, et je suis un non, mais c'est clair que la syntaxe est un peu euh, un peu spéciale, notamment dès que tu commences à rentrer dans les templates, des choses comme ça. Bon, bah, la STL qui, euh, qui, 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 qui s'appuie hein, sur euh, majoritairement des templates, tu fais ouf 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 ouf, ouf. mais bon, alors ça, wow, 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 wow. Euh, ça, euh, oui, si oui, 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 bien évidemment. <laughs> Euh, au bas niveau et préfèrent faire du code au niveau pour leurs besoins. On est bien d'accord. Euh, le bas niveau est très difficile. Je ne sais pas si le bas niveau est très difficile. Le, ouais, est ce, ouais, ma, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Ça pardonne moins, effectivement. Mais après, euh, pff, je ne vois pas qu'il en y ait des difficultés spécifiques dans le bas niveau. T'es peut-être plus obligé de comprendre ce qui se passe, effectivement, dans ton PC, pour faire du bas niveau, mais bon. Euh, considéré mort à la naissance. <laughs> Arrêtez, les gars, vous trollez un peu trop là. <laughs> euh, oui, bah, le, le, le Python, oui, c'est un, 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 un serpent constricteur. Constrictor, constrictor, le constrictor euh, serp, euh, snake, je pense. Euh... Je partage totalement l'avis de Moulin. Chaque langage a ses forces et ses faiblesses. Et au dev, exactement. Et ça, c'est vachement important. En fait, il faut pas. Moi, souvent, des fois, j'ai des gens qui disent, ouais, euh, euh, quel est le langage que tu que, que tu euh, que tu préfères ou quel est le langage que tu recommandes. En fait, c'est pas à moi de recommander le langage. C'est le, le projet en général. Non, si tu veux de l'aide par voc, ça peut être mieux. Ah bah pourquoi pas? Ça, on verra. Effectivement, si j'ai des grosses, grosses difficultés, pourquoi pas faire un vocal sur Discord? À un coup, je, je retiens la proposition. Euh, salut Manfred, bonsoir à toi. Euh, au même titre que tu n'as pas un tournevis, un langage, c'est pareil. Même, je ne comprends toujours pas pourquoi plusieurs formes de vis, pour être honnête. Ah, alors, les formes de vis, il y a plusieurs choses. Il y a le côté. Tu ne veux pas que ton boîtier se fasse démonter par le premier planquin euh, clampin euh, qui va, qui, qui va l'utiliser, euh, dans le sens où, pas forcément que tu ne veux pas qu'il voit ce qu'il y a dedans, mais simplement pour le commun des mortels, ça peut être dangereux parce que le gars est suffisamment con pour démonter le boîtier alors qu'il est encore sous tension. Bah, voilà, genre de choses. Donc, du coup, tu vas limiter un petit peu les choses tu vas limiter aussi le fait que les gamins, euh, éventuellement, puissent ouvrir trop facilement des boîtiers. Donc, ça, ça peut justifier, tu vois, des vis un peu spéciales, comme par exemple les vis étoiles. Euh, tu vas avoir des vis, bien évidemment, comme le torx, qui vont avoir euh, une meilleure euh, gestion de la force euh, que du cruciforme. Euh, et en même temps, le cruciforme, d'ailleurs, je vous invite à regarder la, la vidéo de Syllabus sur les, sur les têtes de vis, justement. Il y a, une très, elle a fait une très très bonne vidéo il y a quelques mois de ça peut-être milieu 2022 je pense dans... peut-être même avant hein, même encore plus vieux que ça et c'est très intéressant parce que justement elle montre un petit peu toutes les têtes de vis leurs, leurs avantages leurs inconvénients bon clairement la tête plate enfin la, avec juste pour le tournevis plat bon bah ça c'était la, la facilité de fabrication le cruciforme lui il permet euh, de se positionner plus facilement dans la vis et en même temps de d'éviter de trop fortes contraintes, c'est-à-dire que la, la tête de la vis est faite de telle sorte que si tu forces trop, naturellement, ton tournevis cruciforme va sortir en fait de la gorge. Alors, ce qui est intéressant pour pas serrer trop fort, mais ce qui est inintéressant, quand notamment tu travailles avec une, une visseuse qui va venir... et qui va venir littéralement poncer ta tête de vis. Donc là, c'est plus chiant. Euh, je crois que les Québécois... Ils ont une forme de vis, je ne sais, je, je sais plus ce que c'est. C'est un carré, les Québécois. Euh, vice. De vis québécoise. Ouh là, là, je vais me fais engueuler s'il y a des Québécois et que j'écris mal Québécois. Oh, hop là, je change vite. J'ai pas écrit comme ça. Voilà, c'est la Robertson. Et effectivement, la Robertson, c'est un carré. Alors, quel est l intérêt l'intérêt C'est ce qu'explique s'il Labuse dans sa vidéo d'avoir un carré. Bah, c'est d'une part, pareil, tu peux forcer très très fort finalement dans, dans ton comment dans, dans ta vis euh, en, en appliquant du coup des grosses forces sans la déformer parce que notamment tu as plein de matière autour donc avant de bouffer la matière qui est autour il va se passer du temps alors qu'un cruciforme tu as moins de matière et donc c'est plus facile de d'émousser la, la partie pointue qui est, qui est au centre ce qui ne sera pas le cas avec une, une vis carrée c'est assez facile de se positionner dedans euh, de par la forme alors je sais pas entre la Robertson et puis euh, la hum, euh, pas l'étoile, mais la, la, c'est quoi C'est la Torx hein, qui est en, en hexagonale. Je sais pas si c'est la Torx. Je ne me souviens plus. Ah tiens, il y a peut-être des noms là. Non, ça c'est les, les têtes de vis en, en extrémité. Euh, bref, en tout cas, voilà. Y a, effectivement, il y a tout un tas de formes de vis, de têtes de vis qui existent. Et celle qui m'intéresse, c'est la tête à vis. Non, mais ça c'est pareil, c'est la forme. Euh, mais ce n'est pas le, le truc qui est dedans. Donc voilà, il y, y a effectivement euh, plusieurs choses. Je pense que la cruciforme, c'est la plus présente sur notre marché, mais c'est clairement pas la meilleure. Pour moi, la meilleure, c'est quand même la tête hexagonale. Euh, enfin, pas la tête, mais le, la prise hexagonale. C'est facile de rentrer dedans. Tu as, as une bonne résistance à la, à la force. Et, euh, et franchement, c'est... Voilà. Pour moi, c'est une des meilleures. Voilà. Comment parler de vis sur les moulins du dev Eh ben voilà, de cette façon-là. De toute façon, le seul vrai langage, c'est Windev. <laughs> C'en est un, encore une fois, c'est un outil. Tu vois, hier, j'ai fait des visites de stage, des visites de contrat pro. Bon, bah là, j'ai un étudiant qui fait du RPA. Euh, donc, en gros, c'est de l'automatisation de tâches avec des langages. On est vraiment sur du no-code avec vraiment des, des blocs que, que tu associes les uns aux autres pour, pour réaliser certaines opérations. Bon, ben bah voilà, ils disent très clairement, il y a certaines opérations pour lesquelles c'est vachement bien. Ça va tout seul, ça permet de gagner un temps de fou parce qu'on ne se pose pas la question à réinventer la roue et tout ça. Et puis par contre, il y a certains cas où on repart sur euh, le, R, le RPA qui lance un autre exécutable parce que là, on a besoin de rentrer davantage dans le détail, d'avoir plus de souplesse et de possibilité. Et après, hop, on repart sur le RPA une fois que cette tâche-là est terminée. Donc, ouais, WinDev, c'est un langage, encore une fois, c'est pas le seul vrai langage. C'est assez particulier, WinDev. Euh, mais voilà, euh, pas plus difficile, mais il faut être... Ah, ça, par contre, la rigueur, je suis d'accord, mais je trouve que ce n'est pas un problème pour moi, en tout cas, d'être rigoureux dans du code. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème de devoir l'être. Voilà. Euh, toi, tu as survécu au pointer L du C, c++. Oui, et puis assez facilement, en fait, parce qu'une fois que tu comprends ce qu'est un pointeur et ce qui se passe derrière, et que justement, tu fais preuve d'un minimum de rigueur pour, notamment, quand tu fais de l'allocation dynamique, euh, supprimer ce que tu crées, bon bah finalement si tu veux ça se passe plutôt bien. Euh, les seules choses éventuellement, euh, bon, après il faut admettre qu'assez rapidement avant même que ce soit intégré dans la STL, bon, je me souviens d'avoir implémenté déjà des pointeurs intelligents qui, euh, qui, qui étaient euh, bon, en fait des smart pointers euh, mais euh, fait maison quoi avant que ce soit directement intégré. Mais, euh, mais voilà quoi donc oui il, il y a quand même très, très facilement ce se euh, ce, ce, ce ce, protéger des problèmes de, des pointeurs. Le problème, c'est que l'on ne peut pas maîtriser beaucoup de langages. Alors, tu ne peux pas maîtriser de plusieurs langages, je pense, effectivement, simultanément. C'est... Il y a un moment, pourquoi bah, Tout simplement parce que le fait de repasser sur l'autre langage, ça veut dire que bah, tu oublies certaines choses. Et si tu en fais pas tous les jours, bah, quand tu reviens, euh, ne serait-ce que deux mois après sur le langage, tu ah merde, alors, attends, ça, ça se faisait comment déjà Ça va revenir, ça va revenir très vite. Mais tu vas forcément louper des choses. Et puis il faut voir quand même que mine de rien, ces dernières années, les langages ont tous beaucoup avancé. Tu prends C plus, plus ils ont intégré énormément de choses sur les dix dernières années. Euh, le Rust, bah, le Rust, c'est un langage qui est tout frais et qui connaît des, des nouvelles versions assez régulièrement. Tu prends le TypeScript, c'est pareil. Ils apportent des j'arrive pas à suivre euh, donc c'est très très compliqué. Donc être un maîtriser un langage maîtriser une technologie en informatique, je pense que c'est très compliqué de manière générale. Avoir un niveau d'expertise, oui, euh, être maîtriser la technologie. Je pense que c'est autre chose si ce n'est pas toi en plus qui a créé la techno. Ceux qui l'a créé, bon, on peut supposer qu'ils la maîtrisent. Ceux qui l'utilisent, euh, maîtriser, je ne sais pas. En tout cas, être expert, oui. Ça, c'est possible. Euh, merci, Manfred. Bonne année à toi, bien évidemment. Euh, c'est quoi mon tournevis préféré ben voilà, Je, je l'ai dit, hein, c'est vraiment la, la forme, la tête hexagonale. Alors, celle-là ou l'étoile L'étoile, il faut admettre, ça va bien. Euh, je crois que pour le plancher, c'est des vis à étoile que j'utilise pour le bois. Ouais. Et, et là, il faut admettre, la. Je pense que c'est là où tu as la, la meilleure répartition, en fait, la surface où, sur laquelle tu peux appliquer ta force. Et c'est certainement les vis, je pense, qui résistent le mieux. Le vis de procédure. Hein, 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 euh, ok, ok, ok. J'allais parler de Syllabus, justement. Et C'était il y a un an. Bah voilà, merci Monsieur Nagisek pour cette précision. Oui, le carré, on est comme ça. Mais, mais voilà, mais c'est très bien, je trouve, la vis carré euh, en forme de en forme qualité. <laughs> <laughs> euh, la tête plate garde l'avantage de pouvoir être utilisée dans des milieux sales, dans des milieux, dans des milieux sales, si de la crasse ça coince dans l'encoche. C'est vrai que typiquement, voilà, tu vois, dans le milieu industriel, ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant. Après, le problème de la forme euh, en ligne, comme ça, la tête plate, c'est qu'elle se déforme quand même très rapidement. C'est-à-dire que si tu dois forcer dessus, euh, très rapidement, tu as une déformation de la tête et c'est très facile à flinguer. La cruciforme, c'est pareil. Hein. Euh, la vis ça ne pas confondre avec le vis, bien évidemment. Pan, torx, étoile, six branches. Ouais, donc c'est celle-là, la torx. C'est celle-ci. Et le torx, c'est vraiment pas mal. Euh, tu as aussi des vis en forme de coupe. On les trouve dans un sport nommé le tennis. Ah, la coupe des vis. Oh là là. Ouais. À la cipan. <laughs> le goujon cipan. <six> <laughs> J'aime bien le sketch de là-dessous. Là, quand elle parle dessus, c'est des nains suceur de nain. Euh, mais les vis c'est comme les langages de programmation ça dépend ce que tu veux en faire on est bien d'accord rust vis, metal rule finalement effectivement on est toujours dans le thème euh, bonsoir benoît bonsoir à toi et bonne année euh, est ce que j'ai oublié des gens oh ox diablo je t'avais pas salué tout à l'heure je suis désolé bonsoir à toi en tout cas si tu es toujours parmi nous euh, et du coup, le dev container, c'est un peu le tournevis moderne du développeur versus le poste de travail où il est compliqué d'avoir des bonnes versions des soft. Tu ne peux pas tromper mille fois mille personnes. Ah, ça me fait penser à comment bien écrire un fort dans tous les langages. En plus, les langages évoluent énormément. C'est ça, c'est surtout ça en fait. C'est très très dur en ce moment de, de suivre. L'évolution va vraiment très très vite. Maîtriser l'informatique au sens large, c'est un rêve de toute façon. Oui! Tu peux pas. Il y a tellement de domaines dans, dans l'informatique aujourd'hui que c'est pas possible d'être un expert informatique tout court. Tu vas te spécialiser dans une branche, tu vas avoir des connaissances dans d'autres, mais tu peux pas. Moi, par exemple, voilà, je suis capable de gérer un petit réseau, de de faire un plan d'adressage, etc., pour que pour pouvoir accéder à des machines sur un réseau local et tout. Mais après, je ne suis pas un expert en réseau, par exemple, c'est un, 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 un métier. Et, euh, et c'est vrai qu'autant à une époque, pareil, euh, tu pouvais effectivement être un, un encyclopédiste et tout savoir sur tout, aujourd'hui, à notre époque, c'est impossible. Étoile des neiges permanentes. <laughs> euh, bonne année à toi, mais Voilà. Euh, voilà. Et quand la rosse s'incruse dans les vis, ah ben c'est mal barré. Euh, et on a Maître Yoren qui nous, qui nous revient, bonsoir à toi, renouvelé avec des vis. Et donc j'espère que tu as bien mangé à Léo. Et donc j'ai lancé un truc, je crois, tu as eu le temps de dîner du coup. Voilà, effectivement, <laughs> Lang Life, je crois, a lancé l'histoire des vis. Et ça a permis à Léo d'aller manger un petit coup. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que tu crois, ma chère amie, que je pourrais avoir un banquier, s'il te plaît Pardon Est-ce que je pourrais avoir un petit banquier Un banquier Oui. Oh, putain. <laughs> petit jeu de mots parce qu'en fait on a des financiers Et je dois dire que Je me ferais bien un petit financier là, Ça croque sous la dent Non merci pas pour moi, moi je mon verre d'eau ce sera très bien Merci infiniment ma chérie Donc, Un petit financier hein. J'étais en train de lire le chat Et je vois que oui ça n'a pas avancé Non et voilà, <laughs> voilà. Après hein. Ça c'est une résolution Que je garde des années précédentes hein. On change rien, en oh, plus un petit chocolat tu as fait du chip Oh. Il les manger, Alors, moi, je suis une experte en info. Je sais que let const égale p0. C'est pour faire une variable p en c. Hein oh. Euh... Non. <laughs> ah ouais, mon frère, tu jamais fait ni vu de, de Rust Eh bien, écoute, ça va être la surprise ce soir. On est parti puisqu'on attaquait tout à l'heure avec justement euh, l'API, on va dire file qui permet d'ouvrir de, de, un fichier. Et donc bon, on va attaquer ça ce soir. Là, as un premier exemple voilà, de, de ce que peuvent être ces choses. Euh, moi déjà je veux ouvrir un fichier en lecture. Donc vraisemblablement, read the content of a file into a string. Donc on va faire un file open notre fichier. Très bien. Le point d'interrogation, là, je ne sais pas encore à quoi il sert. Il y a sûrement une raison. Euh, ensuite, mais là, je sens qu'il y a des gens qui vont sauter... Euh, bon, une bonne année à ton chat. Alors, je sais, le, au chat ou au chat, euh, Louis <laughs> Ah bah, ben, c'est pas... Va être... Est, est déjà, euh, a déjà commencé à être intégré au noyau Linux. Hein. Euh, une experte en info. Oh là 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 là! Oh lumicode! Non too much, too much. <laughs> aïe 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 aïe! Euh... Ah, T'as une bonne année de cool freeze, ma chère ma chérie. Oui. Pas de spoil, pas de spoil. Comment ça pas de spoil? Salut, euh, ça va Jouzou. Bonsoir à toi. Chat chat. Oui bah oui voilà c'est ça. Euh, c'est pour gérer les erreurs au bloc plus haut. D'accord. Bon, on va découvrir ça de toute façon. Hein. Euh, on va découvrir ça. Euh, Désolé, je tourne sur Debian, donc je suis toujours en retard. Mais, mais non, mais il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je pars pleurer dans mon box de points new. Oh là là, mais vous êtes, vous êtes horrible. <laughs> tu veux un cours rapide pour le reste Non, 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 on va, on va le faire tranquillou, pas de cours rapide. On avance gentiment. On va voir après au niveau des syntaxes. Au début, on ne va pas mettre le point d'interrogation. En fait, je ne vais pas mettre dans mon code ce que je ne comprends pas dans un premier temps. Et ensuite, on va aller chercher, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, nous, encore une fois, ce qu'on veut, c'est ouvrir un fichier. Donc, on va s'occuper d'ouvrir un fichier. Donc, vraisemblablement, alors, le let mute file, est-ce que c'est vraiment... Important de faire un mute file Est-ce que c'est parce qu'on va devoir se déplacer dedans et que du coup ben, l'interface va être modifiée Ou est-ce qu'on peut faire un let file égale fopen sans faire forcément un mute Voilà, je ne sais pas. Donc on va, on va découvrir un petit peu toutes ces choses. En tout cas, la première chose qui est certaine, c'est que il, nous, il va nous falloir utiliser donc la stdfs file. Donc ça, je comprends bien qu'on va faire un use. Voilà, donc pas de problème. Use. Euh, mais du coup j'ai oublié ici, si. std 2.2.fs 2.2. donc ça, jusque-là, très bien. Je mets mon parent un hein, langage avec des points virgules. Oh que je t'aime déjà toi. Voilà. <laughs> Objectif, ce soir, ouvrir un fichier. C'est exactement ça. Euh, ok, je pars plus euh, ah non, mais on, on est pas mal. Je pense que ChatGPT c'est faire aussi pour le coup. Ah, oh, et ça va avec ChatGPT là. Euh, let Must Const. Oh, vous m'avez trollé. Je vais arrêter de vous lire parce que c'est too much. Lis Il manquait la série de points d'exclamation à la co Euh, D'accord, à quoi ça correspond Apparemment, c'est pour traiter. Ah, viens, on va aller voir, voir les docs. Ah, elle me fait rire, Anako, elle me fait rire. Euh, what is on a ship Est-ce qu'on a quelque part quelque chose Est-ce qu'on voit un point d'interrogation quelque part dans la doc Ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu dire, voilà, ouais, le point d'interrogation, ça fait quoi Moi, je vais mettre un point d'interrogation tout court. Qu'est-ce qu'on dit No search results for point d'interrogation. Donc, ça n'existe pas. Non est-ce qu'on a un truc qui nous parle des erreurs, la façon de gérer les erreurs Le match control flow, consist package, create, un, 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 common collection, error handling. Voilà. Donc, euh, with panic, panic abort, abort, abort. Euh, donc là, je, je, je regarde juste rapidement si à un moment je vois un point d'interrogation. with result, bla 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 bla. Donc là, typiquement on a le file open, bla 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 bla. mettent pas de point d'interrogation. Hein. Voilà, J'ai l'impression que c'est un sucre syntaxique ce point d'interrogation, ou pas On va voir. Euh, propagating. Euh, ah là, il est là. A shortcut for propagating error the interrogation opérateur donc c'est bien ça c'est un shortcut c'est un sucre syntaxique sa mère donc si on reprend un petit peu plus haut quand ils font le file open qu'est ce qu'ils font les loulous ils nous font un, un, un. donc erreur waouh c'est moche match username file result ok file d'accord donc je regarde ce que j'ai là-dedans si j'ai ok je renvoie file si j'ai une erreur, je retourne l'erreur. Oh. J'avoue que cette syntaxe, quand même, me, 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 me newfe un peu. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Ce n'est pas, pas la syntaxe que je préfère. Hein. Mais bon, on, 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 on va s'y faire. On va s'y faire. Il n'y a pas de raison. Donc, on, on, va, on va aller checker tout ça un petit peu plus tard. Euh, vous écrivez <laughs> euh, Tu prends pas le livre en français. Non, mais jamais. Euh, N'existe pas je pas, cherche pas le, le rust est très verbeux et théorique et la première fois j'ai pas accroché à rust à cause de ça puis avec rust by exemple j'ai direct accroché il aurait dû faire comme moi la demande à chat gpt <laughs> générer le code qui convertit en noir et blanc une image je suis choqué <laughs> ah là 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 oui ben voilà un sucre syntaxique, demande Aléo, en fait, c'est quand justement tu rajoutes une syntaxe qui te permet de... Euh, bah en fait, de gagner du code avec, en, en faisant... Euh, c'est un raccourci. Voilà, le, le raccourci au niveau du code, souvent on appelle ça un sucre syntaxique. Et ça te permet, bah voilà, avec soit juste un caractère ou avec trois caractères, de remplacer peut-être une dizaine ou une quinzaine de caractères en temps normal. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai... <laughs> le sucre syntaxique, point d'interrogation. Tu aurais dû mettre des guillemets, j'aurais mieux compris. Euh, et j'ai pas dit que j'aimais pas pour le moment. J'ai dit qu'il y, y a des, des syntaxes qui, voilà, qui me plaisent moins que d'autres, que je trouve pas... On dit que c'est verbeux, mais pour le coup, c'est verbeux, mais peut-être pas compréhensible. Ça, c'est dommage. Euh, c'est un truc que... J'ai pauvre... vu que ça parlait de sucre. Ah, voilà, d'accord. Ah, je, je, je suis... Bon, allez, je me concentre. Je me concentre. Donc, je veux faire, moi, ouvrir un fichier. On va y arriver, hein. il, y a, il, y a, il y a trois lignes. Je, je pars de ce, de ce livre totalement absconce. Et donc, on nous dit, on va créer donc un fichier en faisant, alors pas un file.create, mais un file.open, parce que nous, on ne veut pas écrire dans un fichier, on veut lire un fichier déjà existant. Donc jusque-là, on est sur quelque chose d'assez facile. Un let mute file. Alors, peut-être file, voilà. Est égal à file.open. On utilise notre petite interface et là on a dit on donne le chemin du fichier qu'on souhaite ouvrir. Notre fichier, il est où Il est là. Donc euh, on va faire ça. Anti-slash. Alors est-ce que les anti-slash... Hein, on va les doubler, je pense, certainement. Et donc ensuite, le nom de mon fichier, c'est ce truc-là abominable. .fits. Ok, ensuite, une fois qu'on a ça, normalement, on peut supposer que tout s'est bien passé. Nous, pour le moment, on va supposer que tout s'est bien passé. On ne veut pas faire de tests de choses comme ça, cela ne nous intéresse pas. Par contre, on ne veut pas faire un read-to-string du content. Ça, c'est non. Euh, nous, on veut lire partiellement. Donc, par contre, là, c'est là où ça va être intéressant, c'est de regarder un petit peu dans, cette, euh, dans ce file, justement qu'est-ce qu'on a exactement comme méthode, comment est-ce qu'on est qu peut lire partiellement un fichier, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, on qu'on a des options, certainement des options pour la lecture ou des choses comme ça. Euh, on a le 5 all, on a le 5 data, euh, set length, enfin, apparemment c'est pour définir la taille, je suppose. f.metadata, try clone, set permission, set time, set modified... Ah, truc, ah bah ben, putain je suis con c'est là euh, try clone, donc les traits implementation file ext from read bla 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 function, alors read, read dir, read link read to string, alors si je fais read to go qu'est-ce qu'on nous dit à euh, read ça nous prend un path ok This is a convenience section for using file open and read to end. Oh, fuck. Read link, remove. On est obligé de lire la totalité. Non quand même pas, c'est pas possible. On peut forcément lire partiellement un fichier. Alors, hop, petite recherche. Rust. Read. File. Euh, partially. Must idiomatic way to read a range of bytes from a file. Mm, OK. On est bien sûr du Rust. It seems to be. Donc, on ouvre. Et ensuite, on a un seek from, point Start, start. OK. Et ensuite, read. Ah, on peut faire un read exact. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et donc, le buffer... Donc vraisemblablement, on pourrait faire un truc dans ce goût-là. Ok. Euh, il y avait SIC. ouais mais SIC, ça te permet juste de te déplacer. Donc, tu vois, on le voit bien, hein, le F.SIC. Par contre, ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout le read exact. Et il ne me semble pas avoir vu là-dedans le read exact. Tu vois Si je fais un read exact, ça nous sort quelque chose. Alors, STO read. Alors, c'est dans le read. C'est pas dans file. Ah si, là, read. Ah non, c'est read at. Et donc ça, ce serait dans stdo read. On a le read exact. Oh. Mais ah, parce que le open, quand tu fais un file open, ça te retourne un read, en fait. C'est ça l'idée. Oui, oui, oui. Voyons voir un petit peu. Open. Where are you? You are here. Et ça, ben non, ça me résonne un result file. Attempt, attempt to open a file in a read-only mode. See the up, open options open method for more details. Error examples. Putain, tu peux pas dire c'est quoi la valeur de retour parce que c'est pas c'est pas votre truc là. Est-ce que je peux savoir de quel type est file unknown? Ok. Euh, wow. Alors. Voilà. Voilà, dans le chat, ça y va, ça y va, ça y va. Vous avez écrit des milliers de lignes depuis que j'ai pas regardé. Euh, moi, je remercie Physics pour m'avoir aidé en Rust pour ma libre Meilleur prof. Mais bien sûr que Physics, il est incroyable. Euh, ensuite, euh, Bernard de la vitre arrière. Bonsoir à toi. Bienvenue, Caria, Bonsoir, bonsoir. Ah, Karia, il veut savoir c'est quoi le projet. Je vais te le redire, bien évidemment. Euh, alors là le rust est clairement au top pour le truc verbeux difficilement sur tous les lifetimes. Ici il ne manque plus que la centration. Merci Monsieur Naek Sec! <laughs> <laughs> Merci beaucoup! Alerte aux deux points manquants! Il euh, y a des deux points manquants? Non, pas, pas chez moi. Euh, CH mode plus concentration et LMD. J'ai vraiment l'impression que la commu parfois se comporte un peu comme une secte super relou. Mais non, ils sont pas super relous. Euh, ils comprennent pas qu'on les comprenne pas. C'est tout. De rien, tu auras un nouveau prof maintenant. Ouais, bah attends, attends. Avant que les moulins deviennent profs, hein, il, va se passer, il va se passer du temps. Euh, sur le broad checker, j'aime bien l'idée, j'ai l'impression. Euh, de ne pas vouloir le cours. Ouais, 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 toujours. Moi, tu sais, je, là, j'aime bien tatouiller un petit peu. Je me mets à la place de tous les gens, en fait, qui, qui vous fait comme moi, c'est-à-dire qui essayent et qui disent Oh la vache euh... <laughs> uh, Read exact, c'est une méthode du trait interface read et file imprimante ce trait. Ok, d'accord. Ouais, on est les témoins de Jéhovah du dev, on vient voir les streams de dev et on fait ça serait plus optique en Rust. Tu veux pas ici Rust? Allez viens, on est bien en Rust. <laughs> ok, donc effectivement. Donc ça veut dire que moi je peux faire un truc pour lire exactement tant d'octets dans mon petit bordel. C'est très très bien. Donc il faut malgré tout je pense que je fasse un use std de point read. Bêtise, est-ce qu'il est là? Non, il était dans IO. Voilà. Si je fais un truc dans ce goût-là, euh, ensuite file. Oh, je... Est-ce que j'ai vraiment besoin lui hein, de le faire? Je sais pas, me pas dit. Je vais, je vais le commenter. On va voir. Donc, si je fais ici un file.read exact, très clairement, là il m'envoie me faire chier et me faire foutre. Hein on est, on est d'accord. Donc je reviens un petit peu, en... est-ce que j'ai mon read exact, hein, qui est ici, blue 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 bloup, et un buffer. Donc on fait un let buff, parce qu'on va le modifier après, qui est un vec point d'exclameur, oh, putain. Bon, hein. on ne va pas critiquer tout de suite, on n'en pense pas moins, mais on ne va pas critiquer tout de suite. Donc buffer est égal à vec point d'exclamation crochet, 0.count. Ah donc tu toi qui définit le 0. Bon, je ne sais pas. Euh, on va lire 20. On va supposer... Mais c'est avec de quoi Avec i32. Je veux pas avec de i32, moi je veux avec de avec de avec de euh, Et donc est-ce que ça veut dire qu'il va s'auto-machiner avec par inférence de type quand on va l'utiliser Oh tu me diras c'est possible. Et donc là, on nous dit émute buffer, buber, buffer, buffer. Il rajoutait des trucs. Je suis sûr qu'il y a un point d'exclamation. Non, non, juste un point d'interrogation. Point d'interrogation, on s'en fout pour le moment. Point d'interrogation, on s'en. Et après, est-ce que moi, je peux faire genre un truc euh, print euh, ln, non, Je sais toujours pas ce qu'est le point d'exclamation. Euh, une macro, mmh, pourquoi pas Et donc euh, buffer, il serait d'accord pour me faire un truc comme ça oh. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça Il y a des gens qui doivent être dans cinq ops dans le chat. Je fais exprès de pas regarder le chat, juste parce que je sais que ça va vous faire tourner, euh, tourner de l'œil. Euh, alors, déjà on a des erreurs. La première un uh, object providing access to an open file on the file system. Oh, bon, ça d'accord. Files also implement seek to alter the logical cursor. Oh, on nous donne plein d'informations, c'est incroyable. D'accord, mais pourquoi tu, tu, tu n'es pas content en fait Problème. Alors, expected value from strict file use the path separator to refer to an item. Ah, c'est ici en fait, il aurait fallu que je fasse ça Oh, sérieusement j'ai pas l'impression que ça corrige mon souci. Attends, est-ce que moi, j'ai merdouillé à ce point-là Ah oui, c'était bien file de point de point open. OK, autant pour moi. Euh, du coup... Ah, il me rajoute des trucs à la con. Ça, je suis sûr que c'est l'extension de... de... de Sukato, ça, qui me fout ces, ces rouille là No method named read exact from result in the current scope. Donc, peut-être que si je rajoute ça, il serait plus content je n'en ai pas l'impression. Ok. Open, n -n 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 -n, let mute F. Pourtant, à aucun moment, on fait un truc haute euh, chez eux, là. Pourquoi t'es pas... Alors, ah, je sais pas read exact comme ça. Read underscore exact. Read underscore exact. Alors, oui. Euh, <laughs> oh, je fais quoi, moi Salut, Sukato. <laughs> Comment ça va euh, tu dois extraire le file du wrapper result. Et alors tu l'extrais comment euh, ton file du wrapper résulte Parce que... Ah c'est le fameux point d'interrogation, c'est ça. Ok, c'est pour ça que sinon ils font un match. Et donc là si je mets le point d'interrogation, automatiquement, bah, s'il y a une erreur, ça dégage, mais sinon ça me retourne mon file. Oh. Alors, ouais, bon, d'accord, ok, faut le savoir. Du coup, blablabla. ensuite, le buffer, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que You might be missing a string literal to format with. Et là, le buffer, c'est pas une. Voilà, est... il n'est pas content, forcément. Donc, est-ce que je peux, genre, imaginer avoir un string de point, de point, ou est-ce qu'on peut faire un string à partir d'un buffer euh, Touk, 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 Rust. As to buffer to string euh, donc j'ai un truc comme ça et je veux obtenir une string donc il y a un from utf-8 alors nous ce sera pas du l'utf-8 du coup hein. que ni que ni std str alors ça on n'en a pas besoin use std de .str point virgule. et est-ce que je peux faire un truc du genre std R de point de point from. On n'a pas de suggestion. C'était pas c'était pas from. C'était pas si euh, Ils font que du TF8. Là, vous êtes désagréable, jeunes gens. Premier TF8, bon, 8 on va le faire autrement. On va faire Rust avec to thing. Donc, un vecteur de 8 en string. Dis-moi dis qu'il y a un truc easy to do. Oh ben, mais moi, c'est pas du UTF-8, ça va me faire chier ça. Mmh, alors, le truc va. <laughs> vachement relou, mais non, ce pas vachement relou. Il euh, faut rajouter un point une vraie... Ah pour passer des résultats faits. trop rapide. Ou un noir. D'accord, je vais faire un point unwrap, ça marche. Vous avez vu, hein, je vous écoute quand même. Avec du temps, hein, mais je vous écoute. Pas qu'on remette un hein, petit truc qui fait que vous pouvez me m'alerter ou m'écrire de manière orale. Euh, donc point unwrap. Ok. Donc ça, ça marche aussi. Bon, tout ça ne dit pas que euh, là j'ai mon vecteur machin. Avec ah ben, le read exact il le trouve plus qu'on a, du coup. Est-ce que c'est parce que j'ai viré le use std 2.2.io 2.2.read. Eh bien il semblerait qu'éventuellement ce fût la raison. Alors, je renregistre. Et donc là, expected virgule, buffer, Expected virgule. Oui, c'est toujours ça qui te plaît. Ah oui, mais parce que j'ai mis un. Oui, parce que j'ai mis une merdouille ici. Et donc ça, il n'aime pas. Est-ce que je... Est qu'il n'y a pas un truc tout string euh, Non. Non. Euh... Alors, la fonction qui retourne à... 1, la macro println attend une chaîne littérale en premier argument. Ouais, imagine ne pas utiliser UTF-8 en 2023. Bah, en fait, le problème, c'est que le fichier... Contient à la fois du texte et du binaire et il n'y aura certainement pas du TF8. Euh, bonjour, personne ne m'a prévenu qu'il y aurait du RUS, Bon alors bah Lilbou Mais bonne année à toi quand même Écrire de manière orale. Bah en fait vous écrivez et puis ensuite j'ai une synthèse vocale, quoi tu comprends. Oh, <laughs> euh, t'as pas eu, oh, eu l'alerte Twitch Bon alors, mais en fait tu follow pas la chaîne, Lilbou, c'est pour ça euh, accolade, accolade, virgule. Bah, J'adore, l'énervement d'Anaco. Ah, c'est, un bonheur pour moi. <laughs> ok, donc si je fais un truc comme ça. Et alors, est-ce qu'il faut mettre aussi des points d'exclamation, euh, Anaco, dans le code que tu mets? <laughs> Pardon. Euh, et donc, ah oui, non, euh, 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 et ça c'est entre guillemets. pourquoi, euh, pourquoi entre ça fait quoi, les, les accolades Alors, vec u8 doesn't implement std fmt display. The thread display is not implemented for bana. In format strings, you may be able to use the… Tu veux que je fasse ça C'est ça l'idée oh! oh Result, that must be used. This result may be an error, variant, which should be handled. Handled. Blue. By default. Oui, ok. Bon, on va le faire comme ça quand même. Incroyable. Alors, imaginons. Incroyable. Je run. Oh, c'est de la grosse bouse parce que ça, c'est la valeur des octets. Et oui, mais il n'y a pas de conversion sous la forme d'une chaîne de caractères. Ah. Euh, ah, vous avez vu le deux points pour l'interrogation, j'avais trouvé tout seul Alors, plein de câlins Comment ça, plein de câlins Qu'est-ce qu'il veut faire, plein de câlins, Louis Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Pas eu l'alerte Twitch, tu n'es pas sur le Discord Oui, parce que sinon, effectivement, Lil'Bou, tu as l'alerte sur le Discord Salut à Jean-Cobra, bonsoir à toi Ah, puis j'ai pas dit, du coup, au nouveau, c'était quoi le projet Mais oui, parce qu'effectivement, on fait un projet en Rust. Mais on fait pas juste un projet en Rust, avec du Rust et que du Rust, non Il y a un objet qui a... Il y a un objectif, il y a une volonté de faire quelque chose. Alors je vous le dis tout de suite, ce projet va s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, très clairement. L'objectif, c'est quoi C'est de récupérer les fichiers bruts du JWST, à savoir le James Webb Special, Special Telescope. Récupérer donc ces fichiers bruts, les analyser et ressortir des fucking images de fous. Voilà, on va faire des superbes images. Euh, sans passer par je ne sais quelle intelligence artificielle. L'intelligence ici, c'est nous. Alors je sais que je peux paraître un petit peu con quand je me confronte à du russe parce que. Je ne peux rien encore de trop pour le moment. Il va falloir du temps, il va falloir que je m'imprègne de tout ça. Mais petit à petit, vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, je vais progresser, je vais m'améliorer. Et à un moment, vous allez dire, wow, mais en fait, Moulin, mais il maîtrise le rust, quoi. Alors qu'en fait, non, j'étais un trou du cul euh, aujourd'hui. Je veux te faire un cours, mais il ne veut pas, ça va me rendre chauve, je suis trop jeune pour ça. <laughs> oh, en parlant de se rendre chauve. Actu. Alors, j'ai pas lu l'actu, j'ai juste vu un titre, etc. Euh, chauve. Coca-Cola. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Le courrier des Balkans. Euh, non, c'était pas ça. Euh, voilà, le coca en chauve. Alerte. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette connerie. Mais on va aller voir la, 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 le truc, voilà. Alors, non, Twitter, machin, le monster, ça passe. Heureusement, pas vu Bois Gladière. Euh, mais j'ai vu un article. Alors, si, peut-être si je cherche dans l'actualité. Euh, bon, ça devait être juste être une connerie parce qu'il n'y a pas beaucoup. <laughs> euh, Coca-Cola. Rancauve. Ça proposait quand même Coca-Cola cheveux tout à l'heure. Dans mon truc Dans la recherche Google. T'as vu Coca-Cola cheveux bah, Ça t'a proposé cheveux. Cheveux Où est-ce que tu veux que ça me propose cheveux Quand tu recherches dans ton Google, oui. que tu commences à taper. Coca-Cola. Moi, J'ai mis rang chauve. Oui, mais... Ah, est-ce H... ah, est que le coca ah, fait perdre les cheveux Voilà le syndrome du mot. Voilà. Tac. Alors, pourquoi appliquer du coca sur ses cheveux Non, mais ce n'était pas ça, en fait, qui, sont, qui était dit. C'est les gens qui buvaient un verre de coca par jour avaient plus de chances de devenir chauve. Alors, en ce moment, en fait, on voit plein de petits articles de cons comme ça, qui, à mon avis, ne sont pas des causes à effet, mais des corrélations. C'est un petit peu comme quand on disait, je sais pas, moi, le, la, la, la migration des manchots, quand la migration des manchots s'effectue avec une semaine de retard, ça augmente le nombre de divorces. Tu vois Et bah, ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation. -à -dire, bah, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des courbes qui est vraisemblablement simultanée. Et on, on a l'impression qu'il y a une, un, 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 une, de, comment, une relation de cause à effet, une relation de causalité. Sauf qu'en fait, non, c'est juste une corrélation, c'est du hasard, c'est comme ça. Et je pense que typiquement, ce genre d'études qui te disent que euh, si tu bois un verre de coca par jour, tu as plus de chances de perdre tes cheveux, je pense qu'on est dans la corrélation. Enfin bref, voilà. Pure, ah bah voilà, « curious correlation », on dit, euh, est-ce est -ce, est -ce que c'est là-dedans <laughs> bon, bah voilà, c'est d'autres trucs. Bon, bah voilà, c'est un exemple, effectivement. Suicide si par hanging, strangulation and suffocation. Hanging, suicide, US pain... pending and sense. Et d'ailleurs, au en fait, si je. Une question que je. Ah, bah, c'est une image. D'accord. C'est une image Non, c'est pas une image. Pourquoi je peux pas sélectionner là ah, en fait, euh, Non, mais. Ouais, si tu passes sur les suites des chiffres. J'ai des, des chiffres. Non, mais là, d'accord. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je voulais sélectionner le texte. Je ne peux pas sélectionner de texte. Je suis extrêmement déçu. Ah, mais on peut rien sélectionner sur leur site. C'est pas bien, c'est pas gentil. Bref, en gros, voilà. Vous voyez qu'il y a des, des courbes. En fait, on a l'impression qu'il y a une relation de causalité. Nicolas Cage, Swimming Pool Drowning. Et, et en fait, bah non, non, pas du tout. Il n'y a, a, a pas de lien. Il n'y a aucun lien. C'est juste, voilà, ce qu'on appelle une corrélation. C'est, ouais, un coup de peau ou de pas de bol en fonction. Ouais. Euh, ça me fait penser qu'il y a une corrélation entre le taux de mortalité en France et le nombre de recherches de raclette en France. Le réchauffement climatique et lieu à la disparition des pirates. J'aime bien, c'est le de <laughs> Pays le plus heureux du monde, mais aussi pays avec le plus de suicides par an. Coïncidence, je ne crois pas. Seuls les heureux resteront. Ah là 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 là, c'est pas marrant, mais bon. Bref, euh... Euh, je sais plus. Je sais plus ce que j'étais en train de, de dire, de penser, de faire. Oui, moi, ce que je veux, c'est juste avoir un fucking... Donc, on a effectivement un fucking buffer. Alors on va essayer de faire le, euh, le str. Bon, je crois que c'était deux points from utf8 de buffer. str est toujours là. Non, str en n'est pas là. Bon, ça pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Ah, si, quand même. Donc, use std de points de points str. Bon, toujours pas très très content. Et alors, pourquoi tu pas content et pas content uh, You might be missing a string literal to format with. Ah. Ben, Est-ce que tu veux un truc du genre... Tac, 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 tac. That's better. Pas du tout. You might be using a string literal to format with. Mais vous me... Ah, c'est lui qui veut un truc. Pardon, autant pour moi. Il Faut juste que je comprenne. Voilà comment fonctionne la fonction println. Voilà en fait, il faut ça là. Ça va péter de ça. Voilà, et là on enregistre. Et là, le monde est heureux. Sauf qu'en fait, non, parce que quoi, parce que expected et 8 funvec u 8 global. Oh, Oh, mais c'est désagréable. Euh, attention, les petits gars, la plupart des morts surviennent dans un lit. Alors pensez-y avant d'aller vous coucher ce soir. Euh... <laughs> Ah, From it feed html. et tac, tac 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 Donc j'ai un vec nanana, et sparkle hurt point unwrap. Oh oh oh. Donc il faut faire un truc comme ça. Donc il faut déjà que je me donne vraisemblablement une adresse et ensuite que je fasse un point unwrap. C'est vraiment c'est comme ça qu'il faut faire. faire oh, ça a l'air. Alors là qu'est-ce qu'il me dit Pourquoi il n'est pas content On s'en fout en fait qu'il soit pas content. Bah ben oui, on s'en fout. Euh, on run. On run parce qu'on est dégueulins. Et là, et là, et là, et là. Simple oh, Merde, ça marche Bon, bah même si on traite en UTF-8, ça a l'air de fonctionner. Bon, ça c'est cool. Euh, ok, donc on est capable de lire une portion du fichier. Et effectivement, ça commence par Simple. C'est incroyable. Hein. Euh, pourquoi certains mots sont soulignés C'est une bonne question. Ça, je pense que c'est à cause de. C'est à cause de, de Sukato, ça. Sukato va revenir, hein? Mais quoi Mais qu'est-ce que j'ai encore fait Sukato, l'autre coup, il m'a fait installer une extension qui rajoute des types, des machins et tout. Euh, mais je sais plus ce que c'est. Euh, c'est toutes les erreurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas des erreurs dans le code souligné C'est quand c'est mutable. Ah, d'accord. Ok. Rust Analyzer. Évidemment, c'est ma faute. Je viens sur son Mais oui, le coup, tu m'as parlé d'une extension. Tu m'as dit Ah, attends, il y a telle extension sur, euh, sur, euh, sur Visual Studio Code. Euh, tu verras, ça te rajoute les types des, euh, des variables. Alors, normalement, c'était un truc pour TypeScript. Hein, donc, ça n'a aucun lien ici, je pense. Euh, mais je me souviens un peu lequel c'était. Euh... Bah Je sais pas. Je peut-être pas installé, en fait. Donc, non, ce n'est pas de ta faute, Sukato. <laughs> C'est Rust Analyzer. Ok, qui fait ça. Super. Non, mais j'adore accuser les gens à tort. C'est un truc que je trouve absolument incroyable. Euh, Est-ce qu'on a extension settings Est-ce qu'on peut éviter d'avoir trop de trucs soulignés euh, Je ne sais pas si, si ça fonctionne. Workspace, per workspace. User euh, Check on save. Check, check, check. Et si euh, éventuellement là-dedans je fais un underline. Enable underline. value is using... Bon. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça Ça ne change rien. Alors on le remet. Ouais bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, on a plein de trucs soulignés, bon, les types, tout ça, ça me... Enfin, c'est intéressant mais c'est ça peut être chiant aussi quand même. Trop, ça fait trop d'informations, je trouve, là. Euh, Mais je me souviens pas de l'avoir conseillé. Euh, non mais c'était par rapport à du, du TS, c'était pas en Rust. Euh, cherche mutable. Ah, attends, je retourne dedans dans la doc. Ah, en fait, si que les mutables encore soit souligné why not un, ça, ça peut être intéressant, ça peut identifier éventuellement des choses. Euh, qui euh, qui sont, sont peut-être pas forcément comme, comme on voudrait. Mais c'est euh, surtout d'avoir les types qui, qui tapent qui pareil c'est tout, je trouve ça chiant. Non, on ne va pas s'emmerder avec ça ce soir. Je chercherai plus tard. C'est pas grave. Euh, non, maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est de revenir dans la doc du fit, euh, de regarder donc l'entrée donc voilà, les des versions etc, on va pas dire qu'on s'en fout mais un peu complètement, donc blou 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 les acronymes on s'en fout, blou 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 le fit file organization, voilà le primary header and data unit HDU euh, voilà, donc vous voyez qu'on est déjà à la page 10 hein. on est à la page 10, on commence vraiment la doc là donc sur les 75 pages on a déjà plus que 65 euh, donc le fit file est composé euh, d'une euh, HDU, donc voilà, header and data unit, en fait c'est dire que c'est le, les fichiers FIT sont composés par blocs, et à chaque fois il y a une en tête suivie d'un bloc de données. Euh, données qui va être un blob en fait. Hein, Ce n'est pas des données euh, texte, ça va vraiment être des données binaires. Donc en fait, le fichier FIT, c'est un mélange de données texte et de données binaires. Euh, donc on voit que chaque bloc en fait va être constitué au niveau des données de 2880 bytes donc 2880 octets euh, par euh, par bloc si je ne m'abuse et, et ensuite donc on peut avoir un certain nombre de blocs euh, ce qui amène à des fichiers qui peuvent faire jusqu'à 2 puissance 31 octets ça fait beaucoup voilà euh, ensuite 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 moi ce que j'aimerais connaître c'est la taille de l'entête ça, je pense que ça devait être fixe. Ouh, un every extension should consist on one or more 2880-byte header blocks immediately. Ah non, alors hop, hop, hop. Regardez bien. Donc en fait, on a une entête qui fait 2880 octets. Ça me semble beaucoup. Et ensuite suivi par 2880 octets de données. Et je vous avoue que par rapport à ce que j'ai vu, ça me semble énorme, 2880 octets d'entête. De, euh, donc euh, on va voir ça. Tu as modifié underline dans Bitcher, par rasterizer. Sinon, on peut disable l'extension. Oui, non, mais c'est pas grave. On va le laisser pour le moment. On va le laisser. Euh, mais si, ce serait drôle. Qu'est-ce qui serait drôle Qu'est-ce que veut faire Louis encore Désactive. Mais non Mais non euh... <laughs> Mes fils pourraient être non mutables. Mes files pourraient être... Alors, lui, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire... À mon avis, comme on doit pouvoir se déplacer dans le fichier, euh, je ne suis pas certain. On ait le droit, ouais, tu vois, du coup, la, la read exact euh, parce que, en fait, dans file, en gros, le, le, la manière dont fonctionne ce genre de choses, hein, je pense, c'est pareil en, en C, en C, dans n'importe quel langage. Un, un fichier, en fait, c'est un pointeur sur le fichier, bon, en tout cas, tu vas avoir des informations sur le fichier avec un pointeur, notamment que tu vas déplacer dans ton fichier pour savoir où est-ce que tu en es et dire, bah voilà, je fais ma lecture à partir de mon pointeur courant. Donc, forcément, ta structure au niveau de ces données internes elles sont amenées à évoluer dans le temps en fonction de l'utilisation que tu fais du fichier. Donc ça serait surprenant d'avoir quelque chose qui soit immutable euh, et qui soit purement constant. Donc là effectivement dès qu'on le remet en mutable, euh, sur ces aspects-là, ça fonctionne. Donc ce qu'on va tenter de se faire, c'est de se faire un hein, 2880. Et on va euh, lire read exact buff. Par contre, quand je fais read exact, ah, ça me lit forcément tout. Ok. Ça me remplit le buffer. Ah bah c'est bien. Allez, on va remplir le buffer et on va voir qu'est pas ça. Hop là, run. Bim Et effectivement, jusqu'à 2880, on voit qu'à la fin, on termine bien avec du texte. Il n'y a pas de souci. Donc on a que du texte. Donc là, ce que vous avez en bas, c'est l'entête du fichier. Donc on voit que c'est du texte avec euh, à chaque fois une clé égale une valeur. Et en plus de ça, on a des commentaires. Et ensuite, on retrouve une clé égale une valeur, hop, les commentaires, etc. Alors, le traitement de l'entête, on va pas se mentir, ça va être pénible. Ça va être pénible parce qu'il va falloir qu'on parse cette bouse. Euh, alors, je ne sais pas si là, typiquement, on a des tabulations, on a des choses comme ça, mais très clairement, au niveau de la structure, ça va être chiant. Euh, parce que ben, on n'a on on, on a pas vraiment de séparateur pur et dur. Euh, clairement, le T. Le, encore le slash aurait servi de séparateur. On aurait eu avant, euh, on commence par l'indication et ensuite on a le champ. On aurait pu splitter comme ça et ça aurait été intéressant. Mais là, du coup, pour splitter les champs, euh, je ne sais pas. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils me disent dans la doc notamment sur le, la constitution de l'entête, est-ce qu'il y a un, un code précis, est-ce que par exemple euh, chaque valeur euh, occupe tant, euh, tant de bits, etc. Donc, the header blocks show contains only the restricted set of ASCII text characters. Donc en gros, la partie euh, header, elle, elle contient uniquement des caractères ASCII, dont le code va aller de 32 à 126. Il y a uniquement des caractères ASCII qui sont affichables et qui correspondent à des caractères. Euh, hexadécimal 20 sur 7e, donc euh, conversion décimal hexa, ok. Euh, ensuite, the first component of a fit file shall be the primary HDU qui contient toujours la primaire adder et peut être suivi de, data, de données, mais ce n'est pas obligatoire. Si the primary data, donc si la, les données primaires, euh, le, le tableau, à une longueur de 0 ce qui est déterminé par la valeur de naxis. Donc là on peut retrouver d'ailleurs cette valeur naxis, elle est ici, et on voit qu'effectivement on a 0. Donc là typiquement, ça veut dire que cette en-tête-là ne sera pas suivie de données normalement et on repartira sur un nouveau bloc euh, avec en-tête suivi de données. naxis n keyword the primary HDA should contain no data blocks. Voilà. Ensuite, le primary header. Donc, the, the header, donc l'entête d'un primary HDU, donc elle consiste en un ou plusieurs header blocks, each containing a series of 80 caractères. Donc, ça veut dire, qu'on a euh, donc, 80 caractères keyword records containing only the restricted set. Donc, ça veut dire qu'apparemment chaque bloc fait 80 caractères. Et là, d'un seul coup, ça devient plus intéressant parce que ça veut dire qu'en fait tous les 80, là, je devrais avoir 80 caractères. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que je peux voir la taille de ma sélection Non, je ne la vois pas ici. Euh... Si je fais ça. J'avais ouvert tout à l'heure euh, notre pad. Hop, on va rouvrir notre pad parce qu'on a des guenins. Nouveau fichier. Bim. Or, oh, je pas 80 caractères là. Ah oh, si, colonne 80. On a 80 caractères. Ok. Donc déjà, on va pouvoir lire par paquet de 80. Ça c'est cool parce que justement ça va nous permettre de déterminer, de switcher, enfin de, de séparer chaque information de l'entête, en sachant donc qu'on lit à chaque fois tac-tac des blocs de 80. Euh, ensuite, on, alors ça aussi c'est pareil, si on a des blocs de 80, ça veut dire que 2880 est un multiple de 80. Voilà, on a 36 blocs de données. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que les 36 blocs sont systématiquement remplis Ça, je ne sais pas. Et puis ensuite, pour déterminer les valeurs, bon ben on sait qu'on supprime tout ce qui est après le slash, slash compris. Et qu'ensuite, on a la clé qui est à gauche et à droite, la valeur à droite du égal. Donc après, on peut splitter les choses comme ça et donc on peut retrouver des informations cohérentes, sachant qu'en ben fonction de la clé, on va, ça va fournir plus ou moins telle, telle information. Euh, ouais, 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 ouais. Donc, il va falloir voir un petit peu comment est-ce qu'on interprète ça. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose de, de gérable. Euh, alors, là, par contre, vous voyez, j'ai un truc où je me pose la question. Ici, on a quelque chose qui est assez long. Voilà, là, ça va bien. Et par contre, le hand stable avec le nom du fichier, on a un slash. Name of the Hunt Program Information et après on va jusque là. Et là, très clairement, on fait bien plus que 80 caractères. Alors, est-ce que si on fait plus de 80 caractères, on a moyen de dépasser sur une deuxième ligne Et dans ce cas-là, après, on occupe à nouveau 80 caractères. Là, je pense que ce que j'ai sélectionné, vraisemblablement, ça devrait faire 160 caractères. Si je ne dis pas de bêtises, si je mets tout bout à bout, euh, si je. Tu vas jusqu'où là voilà, tu vois jusque-là, oh putain ça fait carrément plus. Donc ça ferait 240 caractères. Si je fais ça et que je vais jusqu'à la fin de ma ligne... Euh, FN, voilà. Donc, là non c'est pire que ça, je suis à 400... Ah non 288. Ah, 288 c'est pas un multiple de 80, mon loulou. Hein. Euh, donc là typiquement ça ça être une ligne à la con. Ouais, Excusez-moi par contre je ne, je ne vous ai pas lu depuis un moment. Ouais, donc ce sont des champs de longueur fixe, ce serait trop simple, pourquoi ne pas utiliser le, le crat image plutôt que file euh, qu Qu'est-ce qu que le crat image euh, live long Ah non, non, non attends, il n'y a pas d'image dans le, dans le fichier, c'est un fichier fits. Hein. Que faites-vous avec des fits Salut Coco. Eh bien en fait, Split comme de la fonction built-in de JavaScript ou avec regex. Ah, je ne sais pas encore, dis-vous euh, Coco. donc, je t'explique un petit peu. Euh, ça fait un moment que je veux me mettre à Rust, sauf que pour apprendre un langage, moi ce que j'aime bien faire, c'est monter un projet, euh, développer un projet, etc., Sauf que j'aime bien faire des projets, tu vois, pas simplement reprendre un algo ou un truc comme ça, mais voir un truc un petit peu plus sexy et puis un peu plus euh, un petit peu plus euh, couillu entre guillemets pour aller chercher un peu plus loin dans le langage et puis essayer de découvrir plusieurs aspects, euh, parce qu'on ne découvrira pas la totalité, mais en tout cas couvrir plusieurs aspects. Et euh, là, l'objectif ce soir, enfin pas ce soir, mais en tout cas on démarre ce soir un nouveau projet en Rust. L'objectif, c'est de récupérer les fichiers du, euh, du télescope spatial James Webb. On peut récupérer les fichiers RAW directement, euh, les fichiers de données qui sont, euh, qui sont open. De les analyser, de les traiter, et ensuite de faire de l'affichage euh, d'images, générer des images à partir des données qui sont dedans, euh, avec de la coloration, avec des choses comme ça. Donc voilà un petit peu l'objectif. Et pourquoi pas, peut-être un jour, euh, parvenir à obtenir une image comme ça, voire carrément plus belle, parce que. On le vaut bien. Euh, voilà un petit peu, un petit peu l'idée. Et Lumicode qui a offert un abonnement à Perrococo. Merci Lumicode, merci beaucoup euh, pour, ce, pour cet abonnement offert. C'est très gentil, merci infiniment. Euh, bon, alors effectivement les regex, mais euh, je ne sais pas comment on splitterait là. Enfin, en tout cas déjà voilà, je vois qu'il y a quand même des choses qui sont un peu, un peu cheloues. Le title, là je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, on, a, on se retrouve bien avec nos 80. Le p name, euh, on n'a pas de problème, on se retrouve avec nos 80. Par contre, il y a cette ligne-là que je ne, ne m'explique pas. Alors est-ce que cette ligne, est-ce que jusque-là, est-ce que ça, ça ferait 80 Ça, ça fait... ça fait 80. On voit qu'il y a une troncature ici. Donc là, c'est coupé. Paf, yeah coupé. Ensuite, jusque-là, est-ce qu'on aurait à nouveau 80 Donc là, pif, si je viens à la fin de cette... Et là, on n'a pas 80. Là, on n'a que 70. On n'a que 70, sauf si peut-être... Ah, il y a plus de 10 caractères, là. Program Information. Ça, ça pue. Là, j'ai combien si je prends ça là Ça, ça m'ennuie beaucoup. Là, j'ai 101. Ou alors, ça voudrait dire que ça jusqu'à programme, ça fait 80. Euh, mais, waouh, qu'est-ce que j'ai fait oh, tenez, Je vais effacer tout ce qui est après là. Hop. Ça, ça, non, là, ça fait 97. Voilà, 80, il est là. Euh, Qu'est-ce qui se passe SN17, salut SN17, euh, tu pourrais faire ça Rest euh, primitive slice, method chunks. J'ai fait beaucoup de fits. Pour... Oh, c'est vrai, euh, Perro Coco Intéressant, intéressant. Euh, ah, bah là, tu vas pouvoir nous être d'une aide incroyable. Euh, tu pourrais faire ça. Alors, vas-y, c'est quoi tes chunks? Slice chunks. Retourne un over chunk size element of a slice at time. Oh, alors attendez, moi il faut ah, offrir un abonnement à SN17. Non mais l'Umicode, il faut faut se détendre sur les abonnements là, c'est très gentil, merci beaucoup, mais mais quand même, euh... <laughs> merci infiniment. Ah. Euh... Bon là par contre ça part un peu loin pour moi pour le moment avec les chunks etc. Je regarderai euh, peut-être après. Uh, SN qu'est-ce qui nous dit la test fit uh, library to pass fits file <laughs> j'avais pas vu qu'il y avait un truc qui était déjà prêt et là, non nous on le fera pas on va le faire à la mano voilà non mais dis dedans uh, salut Gandalf on fait quoi de beau ce soir eh bien ce soir mon cher Gandalf on attaque l'année avec un nouveau projet ce projet sera en Rust et ce projet constituera euh, en l'interprétation des fichiers du télescope spatial James Webb, euh, suivi par la génération de belles images, potentiellement, peut-être qu'on arrivera à faire des choses comme ça. Voilà un petit peu pour l'idée. Euh, ce, ça, c'est l'objectif final. Donc là, en fait, on commence à travailler à lire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de, des fichiers FITS. C'est le format de fichier qui est. Euh, auxquelles on a accès et qui contient les données brutes, on va dire, qui sont fournies par le télescope. Et euh, donc on va on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut traiter tout ça. L'idée pour moi, ce serait de faire appel le moins possible à des bibliothèques extérieures. Bien évidemment, euh, ça va déclencher le train. Bah oui, bah ça à force, on n'est pas loin. Hein. Il a tué le game euh, S17. <laughs> Non non mais je me fous de savoir qu'il existe une bibliothèque. Je, ce projet-là, son objectif, c'est pas d'utiliser une bibliothèque, c'est d'apprendre à utiliser Rust. Ça, c'est le euh, c'est le, le premier euh, le premier truc, de découvrir petit à petit, de tâtonner, de transpirer. C'est ça qui va être assez intéressant. Et puis euh, bien évidemment de temps en temps faire appel à vos connaissances, même si je sais que Anaco est en train de, de de perdre patience derrière son écran Elle se dit « putain moulin. Rin, rin. <laughs> À taper. Je, je pense que s'il y avait une fonctionnalité au niveau du bot, euh, frapper moulin ou électrocuter moulin, euh, je, je, je pense que Anaco euh, dé, n'aurait déjà plus de points de chaîne de disponible. Euh... <laughs> ah bah l'Umicode, micode il est plus que royal là. Euh, format de fichier fétichiste, menant oh, tout de suite vite parce que les pires oh là là, oh, genres les vis dans l'univers. Euh, pour pirater le satellite Non, piraterie, il y a du tout. On travaille uniquement avec des données accessibles, il y a pas de souci. Euh, J'ai ce qu'il faut en point de chaîne. <laughs> Lui aussi, je sais que tu serais, tu serais le premier à utiliser ça. Non, je suis pas violente, t'inquiète. Non, non, t'es pas violente. C'est après, je vais te taper. <laughs> Dans le deux points de point de chaîne. Ah, oh, c'est beau, Léo, Bravo. <laughs> Bon, splitons ça gaiement. On va déjà splitter en 80. Et on va voir ce qui se passe. Rust, split, string. Alors, on voit que il y a une méthode split qui existe. Et qui vraisemblablement vient directement de la chaîne. Donc, moi, si je reprends un petit peu ce code. Pour le moment on a fait ça on va le sortir d'ici on va faire un let je vais l'appeler header est égal à ça et du coup point unwrap voilà donc ça ça me donne ma header et c'est une string nous tout à l'heure on affichait le header donc on va pas l'afficher tout de suite et là normalement alors vous me direz en même temps non, je, suis, je suis un peu con parce que Qu'est-ce que tu fais comme horreur, ma chérie Qu'est-ce que c'est que ce rire démoniaque Ma chérie a fait quelque chose d'horrible sur Minecraft. Je vais retrouver un serveur, ça va être tout cassé. J'essaie de faire ma moissonneuse. C'est toi qui le demande après tout. Je dis ça, je dirais. Moi, je demande pas à me faire taper, Anako. Euh, Bonne année à toi, Jean Cobra. <laughs> l'œil du chat. Non, l'œil du chat ne fonctionne pas. Faut que j'enlève. Pour le moment, j'ai pas, pas reconnecté sur le nouveau, euh, sur le nouveau, le nouveau bot t'as fait pivoter le champ avec, avec le moulin Tout va bien, tout va bien. Donc, euh, on disait euh, est-ce que. Oh, mais oui, puisqu'en fait, on fonctionne hein, Normalement, on peut faire une boucle fort extraire blablabli. Oui, parce que là, en fait, moi, il faut que je fasse surtout un substring, c'est pas tant un split qui m'intéresse dans un premier temps. Donc Rust string substring. Voilà. On a forcément quelque chose dans la doc. Avec un slice. Qu'est-ce que c'est que cette bouse Excusez-moi, je ne devrais pas dire ça, mais ça, j'aime pas. Oh, ça, j'aime pas du tout. Par contre, substring, ah, ça, ça me parle. Tu vas de temps à temps. Alors, par contre, ça prend quoi en, en paramètres euh, oh, C'est une, une crate. Usix, substring. Ah, c'est. Oh, oh, on est obligé de passer par un truc comme ça. Ils auraient pas pu intégrer ça dans string directement, sans déconner. str, il y a quoi dedans Non, mais euh, for du Rust, voilà. Hop, il ah, n'y a pas. Il a pas remonté. Substring. Ah, mais je ne veux pas être dans substring. Je vais être... Ah, mais. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette doc? Oh mon dieu! Euh, S STR. Search. Euh... Ah! C'est une cratte aussi. Ah, mais c'est l'STR machin. Non, 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 non moi, je veux la STD STR. Je veux me rester sur des choses simples. Voilà, ça, on aime ça. Bon. On a des escapes, on a des lines, on a des matchs. C'est dans, dans STR ça Ça a du sens. Euh, oh putain, on n'a rien en fait. From STR, first value from a string. On a du split. Euh, split inclusive, split terminator, split white space, split ASCII white space, split. Wikid with the method split. Hmm. Hmm. explique mmh. Ah ouais. Oui, c'est ça, c'est une caisse, effectivement, Léo. La joie du Rust, la moindre fonction est dans un paquet. Si on ne met pas unwrap, ça compile pas. Il faut gérer les cas d'erreur, c'est ça Oui, c'est un petit peu ça. Tu devrais changer les, les cas d'erreur. Et donc, euh, potentiellement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si on prend euh, open ici, ça ne te retourne pas euh, un fichier. Ça te retourne ce qu'ils appellent un result. Le result, donc, il dit voilà, si tout s'est bien passé, tu as le file. S'il y a eu un problème, tu as une erreur. D'accord Donc, quand tu fais le unwrap, considère que ça se passe toujours bien en gros si je comprends bien et donc si on, va, on va dire voilà tu récupères le file sauf que si ça se passe pas bien par exemple tu as un nom de fichier qui est pourri ou quoi comme tu gères pas l'erreur ça va te péter à la gueule on, on va regarder hein, qu'est ce qui se passe si je fais un, un point unwrap et qu'ici je mets euh, fits 532 ce qui n'existe pas voilà j'enregistre je reviens à mon terminal je fais un joli petit run et là pendant tes dents euh, pouf ça pétouille Hein, donc là, on a une exception. Du coup, le programme s'arrête, voilà, parce que ben, on n'a pas capturé l'exception. Donc techniquement, théoriquement, il faudrait capturer tout ça. Et donc, si je dis pas de bêtises, normalement, on, il faudrait utiliser match pour ça. Euh, donc ici, je pense qu'il faudrait faire un match, si je dis pas de bêtises. Alors après, il faut juste que je regarde. Je me souviens plus de la syntaxe de match en, en Rust. How to match, non pas match comme ça, euh, euh, c'est pas match, c'est matching. Je me que c'était match. Match, euh, match, 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 match result. Oui, okay, quoi. Avec un accent que même moi j'ai pas compris ce que je disais. Voilà, match. Donc on obtient quelque chose. Oh, donc le file open machin. Donc là, en fait, d'abord, on a un résultat Ah, d'ailleurs, qui est en let, puis on voit euh, on pourrait faire ça tiens on, on, on va faire ça on va faire bon, c'est sûr que c'est plus embêtant euh, de base donc on doit on devrait faire file let file result est égal à notre file open puke puke voilà ensuite on ferait un let file est égal à match de file result on ouvre une accolade et donc là normalement si je dis pas de bêtises, soit on a OK. Et dans ce cas-là, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça la syntaxe. Ah oui, c'est une petite flèche qu'il faut. Ah oui, ok avec file. Et dans ce cas-là, en fait, on retourne file. Alors comme eux, ils font rien, moi j'aime pas, donc je le mets comme ça parce que je suis un gueudin. Ça fait chier tout le monde, mais je m'en fous. Euh, je vais mettre file, et donc euh, je vais mettre ici fit file, voilà, donc return file. Soit on a une erreur, et dans ce cas-là, bon, je suppose qu'on nous fournit euh, l'erreur, qui est un use core error, et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est euh, panique, Alors, carrément, les gars ils paniquent, les mecs. Euh, et donc on se Alors, panique, moi j'ai peur quand même que panique ça pète, ça, ça, ça pète un peu tout. Oh, pourquoi pas Et donc là moi je mets erreur. Et là il n'est pas content avec la petite flèche que je lui ai mise là parce que parce que parce que parce que return peut-être Non, c'est sûrement pas ça. Là il y a... ou c'est erreur le problème Ah c'est r et pas erreur. Quoi de voilà. Est-ce que return c'est nécessaire Non, toujours pas. Qu'est-ce qui te plaît pas mon Ah, c'est une virgule ici. OK, Et du coup, je suppose pas de point d'exclamation. Voilà. Donc là, pif paf pouf, on récupère notre fichier, sinon tac, on gère l'erreur. Alors par contre, le panique. on est d'accord que en Rust, panique. pense bon, ça arrête l'application, non Qu'est-ce que ça fait donc panique Tu panic en note tu panic. Or not donc, so, how do you decide when you should call panic? On a pas un truc avant, voilà, with panic. Sometimes bad thing happens in your code. Parfois, il y a des choses pas folles qui arrivent dans votre code et il y a rien à faire à propos de ça. Dans ces cas, on a la la macro panique, alors pour exclamation, parce que c'est une macro. Euh, et donc, en gros, si je comprends bien, ça va, on est d'accord que ça va stopper l'application. Display the call stack. Uh, you can also have, uh, via another, you can also have Rust display the call stack when a panic occurs to make it easier to track down the source of the panic. Uh, okay, panic abort, board crash and burn. The call to panic cause the error message contained the, in the last two lines. The first line shows all the panic message is place in... A... Indicative de place, blah, blah, blah. Mais est-ce que, est que, est que on peut supposer pouvoir continuer après un panique euh, Vraiment pas ouf cette syntaxe. Ah, attendez, c'est on... parce, parce qu'on ne connaît pas. C'est parce que c'est nouveau. Euh, non, pas return, ça ne va littéralement pas marcher. Return, c'est ce... que pour la fonction... Pas les expressions. Euh, D'accord. Il y a aussi la méthode expect oops euh, sur le résultat. Non. Euh, if let est très élégant pour capturer l'erreur. En gros, la lib std est useless au possible. vous Tu peux avoir des chunks de 80 sur les bytes. C'est pour ça que la euh, première NACO proposait les chunks. Euh, tu peux avec les ranges let's start Tadamع, primitive ester ok nah, il faut, pour le moment il faut pas cracher sur la syntaxe c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude c'est tout il hein, n'y a que ça merci pour détour je pense qu'il y a un coup à prendre mais c'est quand même pas super intuitif en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pdp euh, c'est pas intuitif parce que la syntaxe de Rust ne correspond pas au, stand, entre guillemets, au standard de syntaxe qu'on a eu sur les langages des 20 ou on va dire des 20 ou 30 dernières années. Tu prends le C, tu prends le C, tu prends le Java, tu prends le PHP, tu prends le JavaScript, tu prends le TypeScript, bref, tu prends tous les langages de cette, qui ont été créés entre les années on va dire, 70 et jusqu'à 2020, en gros, ou 2010, en dehors du fonctionnel, tous vont avoir une, une syntaxe extrêmement proche. Tu vas toujours te retrouver avec à peu près les mêmes syntaxes et tout. Après, ce qui se passe derrière, que ce soit compilé, interprété, tout ça, on s'en fout. Le fait est que la syntaxe est à peu près identique. Rust, ils ont décidé de dire on se. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On arrête d'être tributaire d'une syntaxe existante pour dire on crée notre propre syntaxe et on se concentre sur les fonctionnalités qu'on veut mettre en place, quitte à ce que ça perturbe tout le monde. Et effectivement, c'est assez difficile de rentrer dans Rust parce que. Cette syntaxe-là, bah, moi, elle ne me parle pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que, ce que je vais faire, pourquoi ça se fait comme ça, etc. L'histoire des returns, etc. ou des returns automatiques et tout. Bah, tout ça, c'est des choses qui me, que je n'aime pas. Ce n'est pas que pas, ou je n'aime pas, pas des masses, mais il faut le temps de s'y habituer, il faut le temps de les comprendre. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, d'un seul coup, je pense que le brouillard se lève, ça, ça s'éclaire et tu t'en et tu, et tu sors très très bien. Simplement, il faut accepter de prendre le temps de euh, Et. Moi, je pense que c'est à la fois une bonne chose que Rust ait fait ça parce que ça leur a permis de se concentrer vraiment, je pense, sur les fonctionnalités qu'ils voulaient mettre en place, sans être tributaires d'une syntaxe qui aurait peut-être limité leurs leur possibilités, leurs choix. Euh, et en même temps, euh, je pense que ça peut être un problème pour Rust de dire, ben bah voilà, il y a beaucoup de développeurs qui vont se sentir en panique face à cette syntaxe-là, qui vont la trouver absconce, qui vont la trouver pas pratique, etc., et qui vont peut-être dire non. Euh, mais du coup, pour une mauvaise raison, juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps de. Euh, voilà. Mais, mais ça, encore une fois, c'est parce qu'il faut, faut juste prendre le temps de comprendre comment se passent les choses. Moi, j'attaque là-dedans bien en tête, je vais ouvrir des fichiers, je vais faire ci, je vais faire ça, alors là, là. là, là. Et, euh, et voilà. En JS, comment est-ce que tu paniques euh, Tu fais un throw Tu fais un throw que tu captures pas Et puis, ça va te faire paniquer tout seul, hein <laughs> Il ne fait jamais de catch. Non, sinon je ne sais pas. Est-ce que tu n'as pas le exit en, en JavaScript euh, Est-ce qu'on peut exciter un Pourquoi JavaScript JSON to string. J'ai tapé exit. Espèce de tête de fion. Euh, exit function. Parce que À exit, ça, non, qu'est-ce qu'on a Parce que return, bon, tu vas virer, tu vas quitter ta fonction. Mais de là à stopper purement et simplement euh, break to exit function, donc break 1, 1. Euh, stopper purement et simplement l'exécution le, de ton code, Je vais lui interdire d'aller plus loin. dans le throw, hein, faut, effectivement, s'il n'est pas capturé. Mais apparemment, il ouais, n'y a peut-être pas forcément d'autres trucs. Après, sachant que, est-ce que ça a, une, ça a du sens de bloquer complètement l'exécution d'un code JavaScript Normalement, c'est parce qu'on veut faire, on veut toujours qu'il y ait quand même une base des fonctionnalités qui reste persistante. De toute façon, si tu si as un throw et puis que tu ne le captures pas, euh, tu vas dépiler jusqu'en haut, puis de toute façon, il n'y a plus aucun script qui marchera sur ta page. Euh, ils ont juste fumé avant de faire le Rust. Non, non, encore une fois, je ne pense pas que c'est une histoire de fumée. Si je faisais un cours, j'en suis sûr que ce serait plus simple le Rust, franchement. <laughs> <laughs> euh, ouais, non, mais voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est une étape à franchir. En faisant buffer.chunks80, tu as un itérateur de 80 bytes en tableau, en gros, tu peux ensuite mapper sur ces bytes. D'accord. Euh, throw new error. Non, mais voilà, c'est ça. Euh, moi, le JS, c'est la panique. Mais il n'y a pas à paniquer. En fait, il ne faut jamais paniquer. Il faut simplement prendre le temps. Euh, quand on panique... Euh, c'est que euh, c'est que justement on doit faire quelque chose et qu'on n'a plus le temps. Et là on se dit, ah putain, c'est vachement plus compliqué que ce que je pensais. Ah. Euh, voilà, mais en fait si tu prends le temps de faire les choses et que tu prends le temps de te former tranquillou, il n'y a pas de raison de paniquer, il faut, faut, faut y aller. Et faut... Mais encore une fois, il faut accepter la différence, il faut être tolérant, il faut se dire, bon ben ce truc là il n'est pas conçu comme les autres, euh, on, on va voir comment on peut faire. Alors on me dit que oui... Euh, euh, le writer n'y faut pas parce que tu n'es pas dans une fonction, tu es dans une expression, machin et tout. Euh, ok, mais moi, ça, j'ai n'ai pas du tout envie de le faire. Alors, ce que je veux savoir, c'est que prend match, en gros. Comment fonctionne match Voyons voir un petit peu. Rust, match, tout court. Match, Rust by exemple. Ah, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Donc. Match la valeur que tu... Donc en gros c'est une espèce de switch case, mais en vachement plus plus. Quoi. Donc tu fais ton match number tes accolades. Jusque-là ça on a fait. Si number vaut 1, alors tu fais un print de ça. Si il vaut 2 ou 3 ou 5 ou 7 ou 11, alors tu dis c'est un nombre premier. Si il vaut entre 13 et 19, a D'accord. Try adding 13 to the list of prime values. Match an inclusive branch. Mmh. Handle euh, the rest of case. Donc, si tu mets un underscore, c'est tous les autres cas. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle de l'anti-verbeux merdique, entre guillemets. Je trouve que avoir un underscore plutôt qu'un default, euh, ça n'apporte rien. Le underscore, pour moi, il n'est il est pas lisible dans un ensemble de codes. Je ne trouve pas ça terrible. Moi, j'aurais préféré un default. Ça ne coûte rien. Et euh, je trouve ça beaucoup plus clair dans un code c'est mon avis, mais, euh, mais, mais en tout cas, voilà, moi, ma façon de, de voir un peu les choses, c'est bien quand je suis un vieux con, mais vous avez raison, hein, mais je, là, je trouve que le, le underscore, ben, ouais, bon, pourquoi pas, mais euh, je trouve c'est plus d'Affinantis qu'autre chose. Euh, alors, euh, côté navigateur, on peut pas, oui, il faut pas niquer, se demande, alors, VLMAT, après, chacun chacun a son truc, hein <laughs> euh, je suis pas tolérant alors. Non, mais si, je suis sûr que tu es quelqu'un de très tolérant. Euh, c'est une variable. Tu peux mettre A ou B. Hum, c'est pas un default. Ah, c'est pas une variable. Comment ça, ce n'est pas, pas un default Handle the rest of case. Ain't special. Euh, pourquoi, pourquoi underscore serait une variable hum On peut remplacer par le mot default. Ah, d'accord. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est bizarre. Bon, pourquoi pas D'accord, dans ce cas-là, je n'ai rien dit. Ça marche pareil, mais c'est pas, pas un default. Bah ben oui, mais c'est tous les autres cas. Ah, ou alors ça veut dire que quand tu arrives à la fin de la liste, comme ça n'a pas été traité avant, forcément c'est tous les autres cas. Ah ou non, là c'est parce que... Ben non, c'est bizarre. Underscore, ça ne peut pas être une valeur testée, sinon ce sera entre cotes. Try commenting out this coach all arm. Mmh. Donc boolean true, match binary, fall through, ok. Et donc, ça, ensuite, c'est la valeur qu'on retourne. Ok. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de retourner quelque chose avec un match Alors oui, parce que c'est pas un switch. Donc là, en même temps, il n'y a rien qui récupère le résultat du match. Euh... Ouf. Ouh là là, là j'ai cliqué trop loin là. Le bot veut pas. Comment ça le bot veut pas? Qu'est-ce qu'il veut pas le bot? est euh, yeah. Ah oh mince, il y a quelqu'un qui s'est fait kicker. Oh Anako Yeah, piece of kick. Stop spamming cat. <laughs> je veux expliquer, c'est tout. <laughs> oh ma pauvre Anako, je suis désolé. Je sais que c'est extrêmement frustrant. Salut Ako, Aqueuse, pardon, bonsoir à toi et bonne année euh... Le égal, c'est... Pourquoi oh post -washer. Je verrais mieux un très oui je sais pas pourquoi il y a un égal mais euh, je sais pas donc il y, a, il y a sûrement de toute façon il y a des trucs qui fera qu'on teste etc pour découvrir tout ça. Euh, bravo le crabe <laughs> tu peux faire euh, if let file open parenthèse parenthèse égal file tu utilises ici file euh, ça y est ils sont partis sur les sur, sur les ils péter des feux d'artifice Aqueuse qui achète des pixels <laughs> <laughs> 13 Ah d'accord avec le 19 du coup est inclus si tu fais un 13.19 tu vas de 13 à 18 en réalité ok ok j'ai compris le underscore c'est l'évaluation euh, explicite supérieur à implicite moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime les choses explicites. J'aime pas quand, euh, quand tu es face à un code et que tu, tu comprends pas ce qui s'y passe parce qu'ils ont décidé de mettre euh, d'enlever des caractères, de faire des trucs plus courts ou de mettre un purée d'underscore un comme ça. Et là, j'avoue, je, je sais pas à quoi il correspond. Alors là, je suis pas dans la doc. Peut-être que si je vais dans la doc Rust doc match, peut-être qu'on a plus d'explications. The match control flow construct match to court. Ah, forcément, il y a Anako derrière qui dit Putain, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Ah, ah, tu vois, all other numbers. C'est bien quand même un default, techniquement. Ou alors, ça marche que pour les nombres Non, ça marche aussi pour. Euh, Allons-y, quoi Sur un double. Underscore panique. Alors, ah attendez, qu'est-ce qu'on nous dit Match can be used to run code conditionally. Ok, jusque-là, ça me va bien. Every pattern must be handled exhaustively, either explicitly, or by using wildcards like underscore in the match. Since match is an expression, values can also be returned. Oui, jusque-là, j'accepte. Donc match est une expression. Et donc il peut retourner quelque chose. Et alors le underscore, c'est un wildcard. Très ah bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je sélectionne. Et je fais mon contrôle Q. Caractère de remplacement. En quoi le underscore, c'est un caractère de remplacement Wesh. Non. Je peux t'expliquer juste là. Allez Anako, on va se faire un. On va se faire un vocal parce que sinon je sens que tu vas péter une durite. Ah euh, c'est comme étoile. Ah oui, tu veux dire... Ouais, mais. Euh, euh, donc, donc, ça veut bien dire. Oui, ça veut bien dire tous les autres, en fait. Elle, et oui, c'est mon langage de cœur, MDR. Euh... Il est au taquet. Elle. Ah, il faut suivre. Anako, c'est une fille. Non, mais dis dedans Mister Giroud, bonsoir à toi. Allez, je, je lance Discord. Et on va entendre la douce et, et suave voix de. Ou suave, peut-être pas. Mais. Pas exagéré. De, de, de Anako. Anaco, que, que je mets en PLS depuis tout à l'heure. Pas, pas en PLS, mais en stress, en stress intense. Euh, on va où bah Sur Discord. T'es sur les moulins, ma chère Anaco. Je vais essayer de t'ajouter en ami. Ami. Par contre, je ne sais pas ce qu'il va prendre comme son, euh, le père Discord. Oh, mon Dieu. Jérôme a essayé de me contacter. Petite question. Il euh, y a un template pour la rédaction des sujets. Oh non. Oh non, non, tu rédiges ton sujet comme que tu veux. Euh, Anako est chaud, lol, go MSN, Wiz, viens dans le salon attente. At -at 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 -at. on, on va éviter de se mettre dans un salon. Euh, on, va, on va le faire en direct, euh, En direct, nous, ma chère Anako. Euh, alors ce problème, c'est que comme je ne connais rien à Discord. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, comment j'invite quelqu'un en ami, etc. Anna. Alors j'ai Anna 9076. Euh, je ne sais pas si c'est toi, Anako. <laughs> j'ai une Anna. Au pire, tu sais quoi Invite-moi en, invite en ami. Et euh, en attente. J'ai personne en attente. Et puis comme ça, je... Ah c'est toi, Anna. D'accord. Alors c'est parti. J'arrive, 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 j'arrive. Tac, Anna. Hop, donc de Anna. Et en fait, c'est Anna que je veux ici. Voilà, je fais peut-être quoi Un clic droit, copier identifiant. Ah non mais c'est incroyable. Je, je, suis, je suis une brède là-dessus. Je ne sais pas. Je peux faire épingler le message, marquer copier, supprimer l'identifiant. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire hé, euh, hey, euh, Anna, euh, tu veux être mon ami <laughs> Je suis mauvais, je suis tellement mauvais Ah <laughs> Je me sens vieux. Je... Pas <laughs> euh... pas trouver. Alors, si je fais ça, j'envoie un message à Anna. Voilà. Donc, ajouter. Ça fait ajouter quoi euh, Trouver, trouver. Normalement, j'ai une conversation avec Anna qui est démarrée, qui a débuté. Bravo, les vieux. Merci, Carilla. Va dans... Qu'est-ce qu'il me dit Va dans le salon live. Non, je ne veux pas aller dans un salon. Il n'y a pas de salon ici. Dis-donc. Je crois pas que je mette tout le monde en vocal. Non, Anna, je l'ai. Du coup, je vais démarrer un appel vocal avec Anna. Ya! Yeah. Et là, attention. Bonjour Anna. Ouais, alors, attention, parce que là, tu passes pas du, coup, du tout, du tout, du tout sur le bon son. Attends voir. Ça, c'est Discord qui me fait des siennes. Je te balance sur l'autre son. Euh, voix, voilà, périphérique de sortie, speaker. Voilà, je pense déjà que ça va être beaucoup mieux si tu parles. Je vais activer le son l'audio aussi pour que les gens t'entendent. Est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Ok, c'est parfait. Le périphérique d'entrée, qu'est-ce qu'il a pris Il a pris le bird. Si je prends le bird aussi pour lui. Est-ce que vous m'entendez toujours sur, euh, sur, euh, sur Twitch, entre guillemets Est-ce que Discord est... Est-ce que je peux partager mon micro entre Discord et Twitch Oui, parfait. Donc, merveilleux, nous avons Anako. Bonjour Anna. Bonjour. Comment ça va, ah bon, ça va plutôt. Ça va, et toi? Eh ben, écoute, super bien. Bon, alors, du coup, je te mets en stress incroyable depuis tout à l'heure. Hein, je sais que tu es en panique sur ton clavier, que tu transpires à grosses gouttes en disant, mais qu'est-ce qu'il est con. <laughs> oui. Euh... Voilà, il confirme, il confirme, il confirme. Voilà, on est bon, on est bon. <laughs> oui, bon. je suis à grosses gouttes. Ah là là. Alors, euh... donc, oui, parle-moi un petit peu de ces matchs, justement. Alors. Tu as pu voir normalement que un match ça marche comme les switches en amélioré. Ouais. ouais et euh, c'est une exp une expression donc tu as le droit de l'utiliser comme étant euh, d'utiliser le retour. Ouais. Et de pouvoir le stocker dans une variable. D'accord, ça j'ai vu. On a, ça on a bien vu. La particularité c'est que euh, tu vas avoir une expr tu vas euh, mettre ta condition donc comme un switch et tu vas avoir une, la liste donc, euh, comme ce qu'on a vu, par exemple, 1, 2, etc. Ouais. Euh, pour dire que c'est les valeurs que je prends en entrée. Euh, on est d'accord. Et si c'est ces valeurs, j'exécute tel code. Ça marche. Euh, il ne faut pas mettre de return, puisque si on met un return, ça va euh, stopper la fonction. Ah, parce qu'en fait, as fait ça va être comme un return de ta fonction dans laquelle se trouve oui. ton expression, du coup. D'accord. Voilà, okay. c'est euh, si on est dans un bloc donc euh, comme en C ou en C++ ou si on est dans un if etc. Si on met un return ça va returner la fonction. Ouais. Okay. Donc tu ne peux pas euh, return, tu es obligé d'utiliser le principe de c'est la dernière, euh, euh, dernière qui, qui est renvoyée. Est, voilà, c'est la dernière qui sera renvoyée et toutes les autres il faut un point virgule après. Il faut qu'il n'y ait pas de point virgule sur celle qui va être renvoyée. Ok, ça marche. Et pour le coup de euh, underscore, si on met un underscore simple, ça va fonctionner comme euh, comme si c'était euh, un default. Sauf qu'en réalité, il y a le Rust Analyzer et le compiler Rust qui, dès qu'on met un underscore devant le nom d'une variable, euh, si elle n'est pas utilisée, il ne générera pas de warning. Et c'est le principe, c'est on met juste un underscore, c'est une variable, le underscore. Donc on peut très bien mettre a et utiliser ce a. Et c'est tout, tout le principe, c'est qu'on peut arriver à utiliser, si on, connaît bien, euh, si on connaît bien la syntaxe du match, on peut arriver et écrire des choses dans le style. Euh, J'écris le code sur Discord. On peut. On peut tout à fait obtenir des trucs dans ce genre-là. Euh, en imaginant... A, euh, ouf, euh, Comme ça, tout le monde voit en même temps. Et on peut dire... sur les modos pourquoi qu'est ce qui s'est passé avec les modos merci de soutenir les modos lmd 2023 est là le son de la voix est fort ah oui oui pardon pour vous c'est fort aussi excusez moi là à la fin c'est fort le son parce que pourtant non ça devrait pas être super super badass merci de soutenir les blim blim je comprends pas on pense à vous les modos mais oui bien sûr qu'on pense aux modos alors, match 2, donc A. Donc là, je récupère une variable que je vais nommer A. Et après, on peut, euh, si on a des euh, cas complexes, on peut mettre le mot-clé if devant. Et on peut y mettre une condition pour dire que ce match-là va respecter soit une valeur précise, on ne met pas de if, soit si on y met une variable, on peut mettre un if pour dire je veux que ça contienne telle condition. Donc ça veut dire qu'on est... on estime que A. Euh, contient la valeur du coup le, la valeur qui a, été, qui a été fournie au match et ensuite on teste si a modulo 2 est égal à 0 et dans ce cas là on voit on un vrai et on, effect, on exécutera le print -pair. donc ce qui veut dire que en fait tu, re, tu réinjectes la valeur qui est en entrée du match dans une nouvelle expression pour faire un test oui, c'est ça ok Okay, okay. Et il y a un truc que tu as pu voir, euh, c'est que tu peux utiliser, donc euh, tu peux avoir... Alors, je vais modifi... Je vais modifier le truc directement. Youp. Euh... Tu peux avoir des trucs... Alors, ça n'aura plus aucun sens, hein, mais... <rire> 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 Ah, oh, mon pauvre Xen C'est Xen qui dit, oh, alors, voilà, Nako en une soirée, elle a réussi à avoir un call avec euh, les moulins du dev. Moi, ça fait 15 jours que j'attends. <laughs> en fait, c'est mais... le break, si je ne m'abuse, Ganon. La virgule, c'est de quoi Dans le match Ouais. Dans le match, ça permet juste de terminer... Euh... Euh, le truc ça, si ça, on met une virgule c'est pour de dire de je passe euh, à la suite euh, à la suite oui. ça, ouais. donc là voilà j'ai modifié le truc si alors il y a les euh, il y a deux euh, rapidement il y a euh, deux énumes qui sont très spéciaux euh, dans Rust c'est le résultat qu'on a pu voir avec le file ouais. et euh, c'est le option vu qu'il n'y a pas de nul il n'y a pas de valeur nulle. Euh, on passe par, une, par un enum option qui va prendre soit euh, la somme, qui va prendre une valeur précise, soit qui ne prendra non. Donc ça permet de, de, typer, de forcer le type de quelque chose. Soit ça aura une valeur, soit ça en a pas. Et euh, les deux ont les mêmes op ont euh, les mêmes euh, les mêmes fonctions. Donc mwrap marche avec les options et les résultats. Mais alors là, tu vois. Donc, donc... Ça peut... Dans le bout de code oui, que oui. tu ami, donc tu as un somme de. Donc oui. euh, ça veut dire que là justement, ça nous dit soit c'est un nombre, soit c'est euh, rien, en fait. L'objectif c'est d'obtenir so cette rien, information. Soit c'est un nombre, ouais. et donc du coup, le match, euh, il peut prendre donc euh, quelque chose en entrée. Et euh, vu que euh, la particularité des énumes, c'est qu'on peut euh, leur donner des valeurs, c'est pas simplement hein, une liste de valeurs possibles, ça peut être tel type ou tel type. On peut ajouter des valeurs. Et donc on peut dire par exemple cet enum là, euh, il va avoir une valeur qui est une fonction. Et cette fonction, elle va prendre tel type et tel type. Et avec les matchs, on peut euh, entrer dans une variable, donc comme ce que j'ai fait avec A. On peut entrer et dire ben euh, je veux récupérer le contenu qu'il y a dans cet enum. Et on peut faire pareil avec euh, des objets. D'accord. Donc ça normalement tu verras plus tard. Mais voilà, par exemple, le match, je peux dire si j'ai un somme. Et eh bien, avec ce somme, je récupère A, et après, je peux aussi m'amuser à faire si A est modulo 2 et que c'est alors j'affiche quelque chose. D'accord. Alors, c'est vrai que tu vois, dans, dans les syntaxes que nous, a montré euh, soit celle-ci, mais surtout la, la précédente, euh, si veux, je comprends la puissance du match par rapport à justement tout ce qu'on peut faire avec, mais en même temps, je trouve que ça rend le, le code difficilement lisible. C'est-à-dire que quand tu quand es en train de le faire, tu es dedans. Il n'y a aucun problème, tu comprends bien ce que tu fais, tu vois bien de quoi on parle, etc. Et moi, si tu veux, je me projette, tu vois, sur des projets où tu reviens six mois, un an après, et que tu reprends une syntaxe comme ça. J'ai l'impression, a priori comme ça, que c'est extrêmement difficile de re ce qui se passe parce que justement, c'est pour le coup, tu vois, je trouve pas ça verbeux du tout. C'est-à-dire qu'il y, y a trop de, de simplification et de d'entrelacement, on va dire. Euh, qui certes permettent d'apporter de la puissance, mais en même temps, je trouve qu'on perd beaucoup en lisibilité sur, sur, ces, sur ce type de syntaxe. Alors, c'est peut-être aussi parce que pas l'habitude, etc. Mais c'est la chose qui me fait un peu... Euh, qui m'effraie un petit peu. J'ai vu un, un, une remarque, je crois, dans le chat un peu plus haut tout à l'heure, euh, qui disait, oh là là, c'est la syntaxe qui me fait peur. Euh, mais, mais voilà, j'essaye de faire attention par rapport à ce truc-là, parce que je me dis, voilà, un code, il faut quand même que ça reste maintenable, il faut que ça reste compréhensible dans le temps. Et c'est pour ça que je suis pas trop fan, tu vois, des, je disais tout à l'heure, des, des langages qui veulent être absolument le moins verbeux possible. Et on voit des fois des syntaxes qui sont tout à fait fonctionnelles euh, avec des séries de crochets qui s'enchaînent, de machins comme ça. Et qui, d'ailleurs, qui s'approchent euh, souvent de, 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 de langage fonctionnel. Et où tu dis, waouh, mais alors à la fin, comment tu maintiens ça quoi Comment tu as un mec qui a jamais travaillé sur ce code-là, qui doit reprendre le truc et qui se dit, bon, bah voilà, là, je vois qu'il se passe exactement ça. Et ça, c'est le truc qui m'inquiète un peu, des fois, dans les nouvelles syntaxes que je vois aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce que ça, c'est vraiment pérenne dans le temps, euh, en termes de maintenabilité euh, Voilà. Mais bon, en tout cas, merci pour, pour, cette, pour cette explication sur le match. C'est un peu plus clair, je dois dire. Euh, notamment, bon, ce fameux underscore qui me semblait un peu... Euh, euh, Trivial, mais, mais voilà, du coup j'ai mal compris ce que c'était et en fait c'est simplement une variable. En l'occurrence, par contre sur le dans le match, donc tu me dis c'est une variable euh, mais qui ne contient rien du coup. Et du coup, dans l'exemple que j'ai donné, non, elle va rien compter. Mais si euh, je change et qu'à la place de somme 2 j'ai none loop. A priori, le underscore contiendra le none. Ok, d'accord. Mais donc, vu que je n'en fais rien, ah, euh, oui. le compilateur optimisera et donc je cette variable est inutile. Ça y est, je comprends, parce que effectivement, euh, le. Comment Oui, oui, oui. Quand on met une variable dans le match, automatiquement, il prend la valeur euh, de, 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 la... de ce qu'on a passé en paramètre au match, entre guillemets. Comme underscore, c'est une variable, automatiquement, il vaut none. Euh, par contre, comme ça vaut non, est-ce que le print, cet impair, va s'exécuter Non, là, on n'aurait rien du coup. Le print, il va s'exécuter. Si tu euh, lances ça, ouais. il va aller faire le match, il regarde non, il vérifie ah, si bah c'est oui. un somme. Vu que ce n'est pas un somme, il vérifie s'il n'y a pas d'autre instruction. Ouais. La dernière instruction, c'est un underscore, donc il va stocker dans le underscore le non. Et comme vu le vu non en... est none, bah Du coup, c'est bon, quoi. Et comme le non, c'est non, le compilateur est suffisamment intelligent pour tout simplement le jarcler du exécutable. Et donc, ça va juste faire un print de ces impairs. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Ok, je, com je comprends un petit peu mieux, du coup, le fonctionnement. C'est plus clair. Sinon, pour la syntaxe que tu as pu voir avec le... Point d'interrogation, ouais. c'est un sucre syntaxique qui euh, vaut à faire un match, ouais. donc dans lequel tu mets euh, ton instruction, tu récupères donc du coup le OK ouais. qui est euh, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur et euh, ça va aller directement euh, passer la valeur dans la nouvelle variable et s'il y a une erreur, ça va aller return cette erreur directement. D'accord. Donc... C'est utile quand il y a beaucoup de beaucoup d'erreurs qui s'accumulent. Si ouais. t'as pas beaucoup d'erreurs, ouais, tu peux la gérer partic... entre guillemets, manuellement avec un match, mais voilà. c'est quand on a plein qui s'enchaînent, et... ton code devient illisible à force de mettre euh, donc, ce genre de. Jeu. Il va y avoir il va y avoir beaucoup d'indentation, donc avoir un point d'interrogation, ça réduit beaucoup. Hmm. Il faut le savoir. Et aussi, euh, il est très très très. Euh... Le Rust fait très attention euh, au type, donc c'est vraiment du typage très strict. Euh, donc, ça peut arriver que euh, tu tentes d'utiliser le point d'interrogation et qui te génère une erreur disant que ce n'est pas possible. C'est parce que l'erreur, le, ou euh, le, en général, c'est l'erreur, euh, l'erreur que tu vas utiliser, que euh, ton programme euh, va générer, ce n'est pas une erreur qui va être prise en compte par le retour de la fonction. Par le retour de ta fonction. De, donc, du si coup... Si ce n'est pas le même type d'erreur, il ne va pas autoriser le point d'interrogation. Et heureusement. Ok. Ok, ok. Cool. Eh bien, écoute, Donc... ça, fait, euh, ça fait plein de, plein de petites choses qui, euh, qui viennent. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, de reformuler un petit peu justement tout ce que tu nous as dit à travers l'exemple qu'on a là, justement, où j'ai repris le, euh, le, la, la gestion, on va dire, de l'erreur. On va voir si je le fais mieux, du coup. Et puis, euh, en réexpliquant un petit peu les choses, et puis je vais reprendre ton exemple, justement, de, de tout à l'heure, ou voir même l'exemple euh, qui est donné dans le, dans le bout de code qu'on a vu là sur Rust, uh, for example. Et puis, euh, et puis, comme ça, si jamais je, je dis des horreurs, eh bien, bien évidemment, tu pourras à nouveau t'énerver dans le chat ça sera avec plaisir, <laughs> non, ça va, parce que je dois aller manger. Ah ben, bah, ça marche. Bon bah écoute, en tout cas, je te souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup Merci. Pour, euh, pour ton intervention. Euh, et puis euh, je n'hésiterai pas à, à te à te taquiner de temps en temps si jamais j'ai des, des petits soucis, je, je reviendrai t'embêter. <laughs> oui, oui, N'hésite pas si tu as des erreurs, je peux tout à fait euh, t'aider. Si tu as des incompréhensions, ouais. euh, bon, je bon. devrais pouvoir euh, t'aider. C'est top. Bah, écoute, merci beaucoup encore. Et puis, bah, un très bon appétit à toi. Euh, merci. A bientôt, salut. Au revoir. Voilà, jeunes gens, dépannage en direct euh, avec Anako. Merci donc, euh, merci pour Anako hein, pour, euh, pour ces explications-là. Donc, en gros, si je reprends un petit peu ce qu'elle nous a dit, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais mettre cette partie-là de côté pour le moment. On va repartir sur un match tout simple. Euh, imaginons donc qu'on ait une variable, alors, pour le coup une constante, hein, euh, comme on avait dit tout à l'heure, je l'appelais n, et euh, qui va être initialisée, on va dire, à 25. Donc derrière, si je veux tester la valeur de ma variable, ce qui a été saisi dedans, bah, maintenant ça réfléchissait qu'avec le ref, là, effectivement, ma femme me montre le thermomètre, on a 24,5 dans le bureau, parce qu'il faut savoir... Là, vous allez dire, voilà, ouais moulin, euh, et la sobriété énergétique dans tout ça, euh, ça va pas, pendant que nous on se gèle le cul à 18, euh, toi tu es à 24 degrés, euh, c'est pas normal. Je vous explique un petit peu les choses. Euh, nous ne chauffons pas notre maison avec du fuel, avec du gaz, ou avec du... Euh, euh, avec du quoi Avec de l'électricité. Nous chauffons au bois, c'est-à-dire que nous avons... Un seul moyen de chauffage pour toute la maison, c'est un insert, donc une cheminée, voilà. Euh, et ce qui se passe, c'est que on chauffe avec cet insert 60, euh, 120 m carrés. On chauffe 120 mètres carrés avec cette, euh, cet insert, un petit peu plus, on va dire 150 m. Et donc euh, là, si je vais en bas, euh, à l'étage, au niveau de la cheminée, il va faire 19 degrés. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une bouche d'air chaud qui est directement connectée à la cheminée, qui se trouve derrière moi, derrière la cloison, mais pas loin derrière moi, et qui chauffe juste ce bureau-là, c'est-à-dire 15 mètres carrés. Et donc, bah forcément, là, il y a les lights pour le, pour le live, il y a les deux PC, dont ma femme qui joue à Minecraft avec le PC qui souffle de l'enfer, qui lui-même sort déjà ses 35 degrés. Euh, et donc, bah, on a cette petite pièce qui est en plus extrêmement bien isolée et qui se prend bah, une bouche d'air chaud qui envoie, euh, qui envoie de la chaleur. Donc, globalement, la maison oscille entre 12,5 et demi et 19 degrés et le bureau, c'est la pièce qui va. Alors, quand je dis 12,5, c'est la cuisine, la cuisine qui n'a pas d'accès direct à la chaleur. Euh, quand il y a fait très froid, quand il y a fait moins 6, moins 8, on avait 12,5 dans la cuisine. Là, en ce moment, on a plutôt 16 degrés en général dans la cuisine. À 19 dans le 18, entre 18 et 19 en bas euh, la chambre doit être entre 17 et 18 et puis le bureau bon voilà bah voilà on a une poussée à 24 quand j'ai remis du bois tout à l'heure mais après c'est pas vous savez le, la cheminée ça libère énormément d'énergie d'un seul coup et après ça redescend jusqu'à la prochaine la prochaine charge c'est pas une chaleur constante donc voilà je, je vous rassure <laughs> donc je reprends mon explication par rapport à ça donc là j'ai une variable Enfin une constante n qui est initialisée à 25. Si je veux faire un test dessus et donc j'utilise le fameux match n, ensuite là je vais pouvoir tester différentes valeurs. Je vais pouvoir dire voilà est-ce que n vaut par exemple 10. Si n vaut 10 alors je vais pouvoir dire bah, tiens euh, tu vas me faire un print ln. Euh, n vaut 10, voilà, sans sans autre, sans autre forme de, de, de comment dire d'explication de, de, ou autre et, euh, alors pourquoi là, il souligne, peut-être parce que c'est inutile, euh, unused variable header, non c'est peut-être pas ça qu'est-ce qu'il me dit, ah uh, oui intentional prefix is at an underscore bon, bref, on, on, on verra donc ça après, donc j'ai mon disque qui est ici euh, ensuite je peux tester Plusieurs valeurs simultanément, c'est ce qu'on avait vu dans la documentation de, de tout à l'heure. Donc, je pourrais tester est-ce que ça vaut 1, euh, ou est-ce que ça vaut 2, ou est-ce que ça vaut 3. Et dans ce cas-là, bah, euh, j'aurais un print euh, ln point n vaut euh, 1 ou 2 ou 3. Voilà, tac, tac, tac. Et donc la virgule, en fait, par rapport à un switch standard, euh, bah, en fait, ça vaut le break. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets une virgule on passe au test suivant. Si le premier test, le test courant n'a pas été rempli, virgule, on est à la fin du code. On pourrait mettre plusieurs lignes de code dans un seul, dans un seul truc. De ce que j'ai compris, c'est en ce cas-là, il faudrait que je mette un point virgule, peut-être, et ensuite que je remette un print ln point d'exclamation. Euh, ligne 2, apparemment c'est pas ça donc ça c'est le point que j'ai peut-être pas encore compris euh, tout à fait, euh, c'est que ben, on peut peut-être pas, ou alors est-ce qu'il faut pas que je mette tout simplement, non il faut quand même que je mette un truc est-ce qu'on peut exécuter plusieurs instructions, ça du coup c'est la question salut euh, S-Freeze, bonsoir à toi euh, les matchs doivent être exhaustifs sinon warning, ça d'accord donc exhaustif, c'est à dire qu'ils doivent couvrir tous les tests, tous les, toutes les valeurs possibles et donc effectivement, le underscore euh, int ln up autre chose ce serait comme ça alors par contre là il est pas content il est pas content on est d'accord que j'ai pas envie de mettre mon point virgule ici alors est ce que je peux mettre ça j'ai pas checké donc rest match several lines match close ah, il faut mettre une accolade. Il faut mettre une accolade si vous voulez mettre faire un bloc en fait, d'instruction. Et dans ce cas-là, à partir du moment où on fait un bloc, j'ai l'impression que là, il faut mettre le point-virgule. Et dans ce cas-là, il faut mettre un return. Ou alors, il ne faut pas mettre de point-virgule tout court. Voilà. Donc, soit vous ne mettez pas de point-virgule, soit si vous mettez un point-virgule, dans ce cas-là, vous pouvez mettre un return, mais parce que vous êtes à l'intérieur de ce bloc-là. C'est comme ça que je comprends les choses. On va faire le test quand même pour être sûr, mais euh, je dirais que c'est du JavaScript, ça Non, 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 S-Fritz, là nous sommes sur du Rust. Euh, on s'essaye un petit peu à Rust. On va démarrer un gros projet avec ce langage de programmation, qui est un langage compilé euh, et qui a une syntaxe un petit peu particulière sur différents aspects. Donc, le fonctionnement je compare la valeur qu'il y a dans la variable n avec ce qu'il y a avec 10. Si ça match, j'exécute ce bout de code-là. Sinon, je compare avec le deuxième. C'est vraiment le, le principe du switch case. Sauf que là, déjà, on voit qu'on a une, une possibilité supplémentaire que je trouve super intéressante c'est de pouvoir faire des tests sur plusieurs valeurs. Je compare est-ce que c'est égal à 3, est-ce que c'est égal à 2, est-ce que c'est égal à 1. Voilà, je vais pouvoir faire ça. Et dans ce cas-là, j'exécute ce bout de code-ci. Dernière étape ici. Je copie la valeur de n dans la variable qui est déclarée ici, puisqu'en fait quand vous commencez par un underscore, vous déclarez une variable. On voit d'ailleurs que là il nous dit que underscore c'est un entier i32. Euh, donc on copie la valeur de n dans cette variable. Et comme on compare n avec le, co le contenu de cette variable-là, bah, n étant égal à n, bah, du coup on va rentrer là-dedans. C'est la façon euh, qu'ils utilisent de gérer en fait le default sur, euh, sur ça. Et ça permet d'avoir la fameuse notion du code exhaustif. C'est-à-dire que là... Match exhaustif, on, on a forcément toutes les valeurs qui sont gérées, euh, puisque là derrière, bah, c'est forcément la valeur qu'on a passée en paramètre. Donc, comme ça, là, on est tranquille. Euh, plusieurs instructions, truc code. Bah, la se seule question que je me pose, c'est maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire un, un let raise est égal à match de n. Et dans ce cas-là, ici, je vais retourner. Euh, on va dire qu'en en fait, c'est une opération qui soustrait. Donc là, ça fait 15. Ah oui mais non non là ça va pas aller non bon, je vais pas faire ça je vais mettre je vais mettre je vais renvoyer une chaîne de caractères je vais mettre ça vaut 10 ensuite là je vais faire un return up entre guillemets ça vaut 1,2 ou 3 voilà et là je vais mettre ça vaut autre chose Voilà. Et donc là, normalement, sous mes yeux et booby, si je fais un print euh, ln point d'exclamation, tac, avec un littéral virgule euh, rés, normalement, il est censé m'afficher, ça vaut autre chose. Moi, je vais changer, je vais mettre 2. Et donc là, ça devrait m'afficher, ça vaut 1, 2 ou 3. Alors là, il est pas content, le bibi. Euh, expected parenthèse parenthèse, fund et str. Un clic full compiler diagnostic expected parenthèse parenthèse donc là il est pas fifou fifou que je fasse ça alors ça veut dire quoi je suis obligé de passer par cette notation là ah merde oui donc faut vraiment pas faire de return faut, sinon pas content parce que lui bah effectivement je pense qu'il attend la valeur de retour de main et puis bah là on lui donne pas donc euh, donc là et dans ce cas là si je fais ici un run, j'ai bien, ça vaut 1, 2 ou 3. Donc ça, ça marche bien comme ça. Donc si vous faites du multiligne, euh, comme ceci, donc euh, première ligne, vous mettez bien le point virgule donc, pour passer à la ligne suivante. Mais par contre, la dernière, vous êtes vraiment obligé de passer par la syntaxe où on ne met pas de point virgule, ce qui veut dire qu'on retourne. Ça, je trouve franchement... C'est pas top. Moi, je trouve qu'au niveau de la syntaxe, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Euh, je trouve pas ça clair. Il euh, n'y a pas à chier, je trouve qu'un bon return ou un bon mot-clé qui dit effectivement quelque chose qui montre que tu retournes quelque chose, je trouve ça quand même vachement mieux que l'absence d'information. Mais après, euh, voilà. Euh, Peut-être des accolades pour plusieurs instructions. Là, c'est exactement ça. Euh, ouais c'est JavaScript JS 2023, mets-toi à jour. Ah les écoute pas les lbous, les écoute pas, ils disent des bêtises. Oh, C'était basé sur JS, pas du tout. <laughs> ah là là. Le truc bien avec Rust, quand ça compile, ça marche. Ou alors, ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein. Euh, je ne pense pas qu'avec Rust, on soit au niveau dada en termes de, de sécurité de compilation. On ne peut pas faire de multi-cas genre match et test s'il est multiple de 2 ou 3 ou 5. Ah, bah si Si, si, tu peux. Euh, je pense que là, tu pourrais mettre certainement euh, un truc. Euh... Alors, je. Je pense qu'il faudrait faire un truc du genre euh, A euh, modulo. Alors, c'est ce que disait tout à l'heure euh, euh, Anaco. Je ne sais pas s'il faut mettre des parenthèses sur les if ou pas. Euh, du coup, A modulo 2 égale égal à 0. Ou je pense qu'on peut mettre un pipe comme ça. A modulo 3 égale égal à 0. Donc si je suis un multiple de 2 ou un multiple de 3, alors ça vaut euh, enfin je vais dire c'est un multiple de 2 ou 3. Voilà, hop, c'est un multiple de 2 ou de 3. J'enregistre, est-ce que j'ai une erreur Apparemment j'en ai pas. Je run. Hop. Donc là ça me dit c'est un multiple de 2 ou de 3. Si je mets par exemple 99, je run. C'est un multiple de 2 ou de 3. Si je mets alors par contre, putain, pour être ni... bon, si je vais mettre 97, hop, ah, ça va mettre, ça vaut autre chose. Donc oui, on peut le faire, euh, on peut faire ce genre de choses. Euh, il peut entrer dans le cas 2 et 5 si la valeur est 10. Euh, ouais, tout à fait. Ah, en trois fois, tu veux dire avec trois lignes différentes Ah bah oui, dans ce cas-là, euh, je pense, bah, tu dois de pouvoir faire... Euh, bah, après, tu le séparerais dans ce cas-là. Euh, tu ferais le A if A modulo 5 ou un truc comme ça. Genre, après, je ne sais pas si tu peux tester un multiple autrement qu'en faisant un modulo. Peut-être qu'il y a une syntaxe qui existe avec peut-être un x5 ou quelque chose comme ça. Tiens, essayons. Qu'est-ce qui se passe si je mets justement x5 euh, Tac-tac euh, est un multiple de 5. Hop. Bon, apparemment, non. Là, euh, non. Ça, ne, ça ne marche pas si je mets 5 fois. Non plus, pas content. Apparemment, ça ne lui plaît pas. Non, 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 donc ça, ça ne passerait pas. J'ai manqué, d'où vient le A Alors, le A de tout à l'heure, je vais revenir tout, tout, tout en arrière. Voilà. Le A en fait, il n'existe pas dans notre code. Enregistrer ça. Uh, il n'existe nulle part, il n'est pas déclaré. En fait, quand tu mets des, des lettres, si je puis dire, si tu mets le nom d'une variable qui n'existe pas ici, en fait, à l'intérieur de ce bloc-là, du, du bloc match, on va créer une variable locale, même je dirais une constante locale, dans laquelle on va recopier la valeur de n. Et ça va permettre tu vois, de faire des traitements pour regarder si n, la valeur qu'on passe en paramètre, est-ce que justement elle est paire ou est-ce que c'est un multiple de 3 Donc ça te permet de faire des traitements directement dans le match et en fonction du résultat du traitement, de pouvoir euh, bah, exécuter tel ou tel type d'instruction ou de retourner telle ou telle valeur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec Anaco. Euh, c'est extrêmement puissant. Mais en même temps, je trouve que ça peut nuire à la lisibilité. Alors effectivement, est-ce qu'on peut utiliser n euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si par exemple je supprime... Merde. Je vais, je vais supprimer le A. Et si je fais N modulo ou N modulo 3 Donc là, typiquement, ça, ça ne lui plaît pas. Euh, Est-ce que je peux faire un truc comme ça A priori, non. Est-ce que je peux faire un truc comme ça mmh... Non, je n'ai pas l'impression. Tu vois, ça ne lui plaît pas. J'ai vraiment l'impression que là, quand tu mets une variable, tu vois, il recrée une variable qu'il appelle n et dans laquelle il va recopier ça. Et donc là, bah, typiquement, si je mets juste n, imaginons, quoi qu'on mette comme valeur, on rentrera forcément dans cette ligne-là, puisqu'on a copié le contenu de n dans cette variable n-là, que le test qu'on réalise, c'est est-ce que ça, c'est égal à ça et dans ce cas-là, bah, ça, ça va marcher. Alors, soit est-ce que ça, c'est égal à ça, soit quand on met un if, donc une expression complète, est-ce que le résultat du if vaut vrai Voilà, on a les deux, les deux possibilités. Euh, quel est l'avantage euh, oh, Honnêtement, je pense que ça offre vraiment des possibilités très intéressantes en termes de, de complexité de test. Par contre, je pense qu'en termes de lisibilité, de maintenabilité, c'est le genre de truc qui te met une. qui risque de te mettre une poubelle à merde euh, assez violente. Alors après, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, peut-être que demain, euh, je serai le premier à mettre des trucs à la con là-dedans, et je dirais ah Non, mais en fait, les gars, ça passe très bien. Quoi. Une fois qu'on a compris comment ça marche, YOLO. Quoi. Euh, voilà. Donc euh... donc oui, Alors ça on, est, on, on se rejoint à tout là-dessus. La, la syntaxe est particulière. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de l'appréhender, de la manipuler avant de se faire une idée plus poussée. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, moi j'ai toujours dit, Rust est un langage intéressant. La seule erreur qu'ils ont commise, à mon avis, c'est d'avoir justement une syntaxe tellement différente de tout ce qui se fait à côté, que ça va être très difficile pour les, les développeurs qui ne sont pas des développeurs chevronnés et qui ont travaillé avec. Euh, avec qui ont eu l'habitude de travailler avec d'autres langages. De se mettre dessus. Quelqu'un qui commence la programmation et qui rentre directement dans Rust. Ça passe. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre le temps, je pense, de se familiariser avec cette syntaxe-là. Ce qui est une erreur. Mais, euh, mais après, c'est pas une erreur. Il faut aussi avoir le temps. Est-ce que vous êtes déjà tiens, un tiens J'aurais besoin d'un match avec des variables locales qui recopient la valeur gna gna. Franchement. <laughs> Alors. Euh... On est d'accord, on est d'accord. Il, il y a des fois, je suis d'accord que le truc qui recopie, non. Par contre, le fait de pouvoir faire, tu sais, le 1 ou 2 euh, ou 3, des fois... Non, alors, ça, tu me diras, tu le fais aussi quand tu fais le 1, 2 points, 2, 2 3, 2 points, puis ensuite tu mets ton code. Voilà, tu pouvais effectivement le faire comme ça. Euh, Peut-être de pouvoir faire justement d'avoir des expressions... À l'intérieur qui te permettent de tester des valeurs un peu plus complexes ou de faire des calculs sur la valeur qu'on passe en paramètre pour être tranquille, voilà. Après, le fait que n soit recopié dans une variable, ça, je pense, ça vient aussi de la logique de, de Rust, de travailler au maximum avec des constantes et pas avec des variables, et donc de travailler avec des éléments qui sont non mutables pour justement éviter les effets de bord quand tu travailles dessus. Euh, le coup du if dans le match, c'est quand même cool. Voilà, je pense ça peut vraiment apporter des trucs et ça peut vraiment être sympa. Après, on n'a pas forcément besoin toutes les 5 minutes. Mais voilà, là typiquement, tu vois, c'est avec le match, euh, je pense que OK, euh, c'est une méthode, que error, ça doit être une méthode aussi, je le vois en tout cas comme ça, qui prenne un paramètre. Et, et là, en fait, on se retrouve avec une lambda, hein, ni plus ni moins. C'est deux lambdas qui sont fournis, euh, qui sont appelés par euh, le, le résultat. Euh, quand on match le résulte, et donc si on est sur euh, tout va bien, bah, du coup c'est là ok, et on lui passe le file en paramètres et on le récupère. Euh, S'il y a un problème, bah, on passe dans cette section là. Et là en fait, on revient dans des choses qui sont très proches des promesses euh, qu'on connaît, euh, qu connaît dans le JavaScript par exemple ou le TypeScript. Pour le coup, vous êtes dur avec Rust en JavaScript, on peut faire des choses très crado. Mais de toute façon, techniquement, tu peux faire des choses très crado dans. Les langages. c'est pas le langage qui fait qu'il y a des choses qui sont, qui sont faites de manière crado. C'est ce qu'en font les développeurs. Tu peux, euh, avec du JavaScript, avoir une syntaxe qui est nickel chrome. De la même manière, qu'en C, tu peux faire un truc immonde. Ou en Rust. En Rust, je suis certain que tu peux faire également des choses très dégueulasses. Bah, D'ailleurs, tu fous des mutables partout. On va dire, mais ton code, c'est une grosse merde. Donc, ça, c'est la dégueulasserie d'un code. C'est dû au développeur, c'est jamais dû au langage. Ça, je, 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 je serai toujours à, à, du côté du langage par rapport à ça. Euh, c'est comme quand j'entends des gens qui disent oh ⁇ Ouais, non, mais attends, le C, le c++ ou alors le C, euh, euh, c'est un langage, il faut être vachement rigoureux, sinon tu as plein d'emmerdes. » Non, mais c'est pas parce que tu es en C qu'il faut être rigoureux. ⁇ faut être rigoureux, point quand tu développes, c'est tout. C'est quel que soit le langage que tu manipules, il faut être rigoureux. C'est pas au langage de d'avoir de, de, toute la rigueur, euh, de t'imposer toute sa rigueur qui est des garde-fous. Que le langage t'offre des garde-fous pour éviter de faire des erreurs, oui, c'est très bien, mais à toi aussi de faire les choses correctement. Euh, ah, oui, alors sur somme et non, alors là. Là, 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 on est sur une autre sphère, mon cher PDP Maker. J'espérais bien que tu ne me poses pas cette question. Là, j'ai besoin d'aller reconsulter un petit peu la doc parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la partie somme, justement. Donc, rest, somme, on va se faire une petite recherche. Euh, donc, on arrive effectivement, ah, 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 comme par hasard, euh, dans les options, euh, ce dont nous parlait à, euh, Anako tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui pose la question sur Stack Overflow et qui nous dit voilà, What are sum and none Et donc, on a des réponses. The signature of get. Alors, apparemment, c'est deux valeurs possibles de option. Option qui est un énumérable, soit qui vaut none, on ne sait pas ce que c'est, soit somme et qui prend un type. Donc, en fait, quand tu fais somme 42, j'aurais tendance à déduire que fou, euh, ben, en fait, si il vaut, c'est une option qui vaut 42. Je. Euh, il y a alors, that it returns an, an option which is an enum defined like. Ok, donc quant à get self index option, en fait, je pense que c'est quand tu as une méthode qui est censée retourner une valeur. Si jamais elle n'est pas capable de retourner la valeur, il faut qu'elle puisse retourner none. Et en fait, le options est de t, ça à dire soit je retourne effectivement la valeur que j'ai trouvée dans mon tableau, dans mon vecteur, dans ce que tu veux. Soit je ne l'ai pas trouvé, dans ce cas-là, je retourne none. Mais je retourne toujours quelque chose. Je vois un petit peu les choses comme ça. Et après, avec le match, bah, tu dis est-ce que j'ai quelque chose ou pas euh, Je ne sais pas si c'est clair. On, on va faire l'essai. On, on essaye des choses ce soir. On a réussi à ouvrir notre fichier on a réussi à. Pardon. À récupérer l'entête. Il a fait beaucoup de choses hein. c'est incroyable il a presque fini le projet. <laughs> Donc si on reprend un petit peu ce qu'ils nous ont dit, si je mets un L let N est égal à somme 42, par exemple, que vaut N N, c'est une option type I32. Ok Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais un match N et que je mets, par exemple, 42 Est-ce que ça, je peux Apparemment, il n'est pas d'accord parce qu'il va me dire que 42, c'est du type... I32 et que je teste avec un option. Donc là, je serais obligé, vraisemblablement, de mettre un SOM42 pour tester n, et là, il serait d'accord. OK. Donc, c'est vraiment un énumérable générique avec un, une généricité sur la valeur. Qui permet de dire ouais on a quelque chose ou non on n'a rien je, je vois que ça comme ça après dans quel cas ça s'utilise concrètement euh, je sais pas rust Alors après c'est vrai que c'est ce qu'on c'est ce que nous sort quand on fait un rust sum le truc de la doc qui ressort c'est les options justement donc le type option représente un optional value every option is either sum And contains a value or none. C'est-à-dire, soit c'est rien, on n'a pas la valeur, soit c'est somme avec la valeur associée. Donc euh, là, j'ai. Ah bah tiens, c'est vrai que voilà, là, c'est intéressant. Typiquement, ici, tu as ta fonction divisée, numérateur, dénominateur. Euh, techniquement, si, si ton dénominateur vaut 0, tu ne peux pas retourner de résultat. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait dans les, dans les langages comme le C, le Java ou autre bah, tu vas lever une exception pour dire bah, là, tu fais une division par un zéro, tu es un gros con. Donc, hop, ça dégage. Et au-dessus, à toi d'avoir un try-catch qui va permettre de faire ça. Euh, tu as des gens qui disent bah, on retourne 0 ou on retourne moins 1. Sauf que non, euh, 42 divisé par 0, ça ne fait pas 0 et ça ne fait pas moins 1. Il faut retourner quelque chose ou en tout cas dire qu'il y a un problème qui s'est passé. Donc, habituellement, on va avoir tendance à faire un throw, à lever une exception et dire maintenant bah, tu as passé 0, tu es un abruti, on ne fait pas de division par 0, ça dégage. Si il est différent de 0, alors je retourne le résultat de la, de la division. Ce que permet de faire, de ce que je comprends, l'option, c'est de retourner quelque chose dans tous les cas sans lever d'exception, et de dire bah, je retourne une valeur qui est euh, le résultat de la division ou l'absence de valeur parce qu'il bah, n'existe pas de valeur correspondant à une division par 0. Et ensuite, à toi derrière, de matcher le résultat et de regarder si ton résultat il vaut non, alors ça dégage. Si il vaut somme de quelque chose, alors ta valeur, c'est le fameux quelque chose qui est dans la somme. Voilà, c'est comme ça un petit peu, si je comprends le truc. Est-ce que... Euh... Voilà. Est-ce que c'est indispensable Est-ce que c'est vraiment pratique Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que derrière, bon, là où tu faisais une exception, tu faisais un try-catch, et donc tu gérais ton exception, là, dans tous les cas, tu es obligé quand même de gérer un match. Euh, alors, peut-être que justement... On va reprendre cet exemple là avec la, la fonction de division. Euh... Mais je ne sais même pas en fait si c'est si c'est judicieux. Attendez, je vais commenter tout ça. Euh... Hop, on va faire ça. Je vais... Oh ça m'a tout commenté, commenté. Ah oui, parce que le commentaire est considéré comme... Est bizarre. Euh, donc je vais, je vais prendre juste... Ah non, bah, pas ici. La Fn Divide. Hop, on va le mettre là. Je ne sais pas s'il faut mettre les méthodes avant ou après. C'est une importance en Rust. Et donc nous, on va faire un divide. Alors avec un let V est égal à divide de 5,0. Ah, oh, c'est moche ça. Euh, ok, donc on se fait un truc comme ça. Et alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est intéressant de mettre un point d'interrogation D'accord Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je fais un print ln, point d'exclamation, tac, tac, euh, virgule, euh, v. Là, techniquement, il se passe quoi si je fais ça Alors là, il n'est pas content parce que divide, argument are incorrect, pas euh, oh bon, numérateur f64, alors tu sais quoi, tu veux des points zéro peut-être C'est mieux, that's better, run. Non. Alors, cannot use the point d'interrogation in the function that returns parenthèse parenthèse. Donc, ça, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, euh, Anako. C'est que là, en fait, le point d'interrogation, le problème, c'est que soit il retourne euh, euh, la valeur, soit techniquement, il va me retourner, alors, soit une, pas, une, pas, une, pas une erreur, mais en tout cas, il va me retourner quelque chose qui ne correspond pas à la valeur de retour de main. Parce que du coup, c'est un return qui va être exécuté par ça. Donc, là, effectivement, je ne peux pas utiliser le point d'interrogation pour ça. Et donc, je suis vraiment obligé, dans ce cas-là, déjà de faire un. Ah, je suis obligé de passer par un match. Donc, est-ce que c'est vraiment super intéressant Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut obtenir la valeur d'un options Est-ce qu'on a un truc du genre value ou... ben, Rust get some value. Ah, en fait, tu, 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 le, tu le prends directement. C'est-à-dire que là, normalement, si je mets V, ça doit marcher. Donc, si je fais ça, V, il n'est pas content parce qu'il me dit Option doesn't implement display. OK. Euh, ah bon, C'est là où il faut que je mette un deux points pour interrogation. Oh, si, c'était ça. OK. Et donc là, si je fais un run, donc il me met none. OK. Par contre, si je mets quelque chose divisible par, euh, par A et que je refais un run... Est-ce que si... Ah non, ça me met somme de 2,5. Moi, je ne veux pas somme de 2,5. J'aimerais avoir 2,5. Comment est-ce que je peux avoir le 2,5 Ah, il faut que je le unwrap peut-être. Donc là, si je fais ça, point... Ah oui, là, j'ai bien le unwrap. Donc si je refais ça, ça me met 2,5. Mais si je divise par 0... Ah là, ça pète. Là, je ne vois pas l'intérêt du coup. Euh, salut Night Camper, bonsoir à toi. Je de salut également. Ro 98 il y a 14 minutes. Bonsoir à toi également. Euh, les options, c'est pour éviter les comportements de DeFi, Donc si on est d'accord. Ok, l'exemple de Divide est clair, j'ai compris. Euh, bon code à vous, je vais aller prendre une douche après. Dodo, debout 4 heures. Aïe, 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 aïe. écoute, Bon courage à toi, mon cher cool freeze. En fait, les options, c'est un peu comme les promises en JS. Le sum, c'est le zen. Et le non, c'est... Ben, euh, le problème, tu vois, c'est que j'arrive pas à le capturer, entre guillemets, euh, proprement. Euh, je n'ai pas de souci avec la syntaxe, la flamme. Euh, on peut ne pas être fan de la syntaxe, je pense que c'était ton point. Ah, okay. J'ai dit, comme je te dis, compliqué, alors c'est dans quel domaine Le borrow, ah oui, oui avec le, le borrow et puis les runners, ouais. L'avantage, c'est que tu peux faire un unwrap or default, et c'est toi qui choisis ta valeur par défaut. D'accord. Donc, unwrap or default. Et donc là, je suppose que, par exemple, bah, tu peux dire, euh... ah non, pas content, pas content, faut que ce soit du même type, non un unwrap or default self. Oh, chier. <laughs> Pardon. Euh, mais tu mets quoi alors Dans le unwrap or default, tu mets rien. Et il se passe quoi dans ce cas-là Zéro. Et qui a défini que 0 c'était le valeur par défaut ah, oui. euh, D'accord. alors, t default sum D'accord, bon, je, je sais pas. Alors je crois qu'il faut voir le something comme la définition opposée des autres langages qui fixent le nul non-something. Oui, c'est exactement ça. Hein. Euh, salut Cotard, bonsoir à toi. Pour le coup, Zig est très light dans la memory management comparé à Rose. Du coup forcément le borrow peut apparaître comme une contrainte. Unwrap. C'est pas apparaître ça en est bien une. Euh, pour moi, c'est une opportunité de faire bien, plus qu'une contrainte pour le coup. On est d'accord. Euh, Zig c'est l'un des deux qui apprend 80% des feuilles de... Soit tu mets match, soit tu fais pour un pour par default. D'accord. En vrai, ça me donne presque envie de réussir. Ah, ben voilà, je suis content avoir, de, de lire ça, mon cher Echo. Tu as plusieurs possibilités pour extraire la valeur d'un sum avec un match, avec un if let sum... Égal opt ou alors sur la méthode expect bien, ou les méthodes unwrap. D'accord, d'accord. Et je me suis trompé de fonction. Tu peux utiliser des méthodes d'option. Je crois que c'est unwrap or else. Peut-être. Alors, unwrap, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre Unwrap or else. Effectivement, j'ai quelque chose. Et là, le unwrap or else. Et là, par exemple, je pourrais mettre moins euh, 1. Ok, nice. Non, pas nice. <laughs> uh, could not compile the three warning emitted. Oui, 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 ouais. ça suffit, warning emitted, là. On n'imite pas de warning, par exemple. Uh, ah, c'est qu'il n'aime pas le else, alors pourquoi uh, Const FN1 required by this bound in option of wrap or else. Mm ne fonctionne que sur les types qui définissent le thread default dans lequel des anti-flottants, la valeur est de zéro. 0. Ok, donc c'est automatique. Ça prend une closure, je crois. Ah oui, c'est ce que je voyais euh, tout à l'heure dans, dans, dans la doc. Donc en fait, tu fais un, et donc c'est là où ils font un pipe-pipe comme ça. Ça représenterait la closure. Ok, alors... Bon, ça c'est pareil, tu vois. Ça c'est le genre de syntaxe où on te fout deux pipes comme ça qui sont censés représenter dans tous les langages du monde un hein, ou logique. Et là, bim, on te fout un truc qui en fait te dit, bon, c'est une closure. <tousse> ah, voilà, ça c'est la partie que j'aime pas dans cette syntaxe. C'est ce que je disais tout à l'heure, sa hein, non-verbosité qui, euh, qui... Voilà. Alors après, or. Mais après, je comprends aussi de ne pas vouloir alourdir le code avec moult trucs. Euh, c'est pas facile de trouver le bon compromis. Euh, et, et je comprends. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des syntaxes où je me dis, ça doit être quand même compliqué quand tu reprends un code comme ça où le mec il est à fond en Rust. Toi, tu... Ouais, t'es à l'aise, mais voilà quoi. Et tu tapes des codes comme ça et tu fais, ah, je comprends rien à ce qu'il a fait. Je sais pas. Je, je sais pas et là tu es obligé de reprendre chaque ligne en débugage pour comprendre ce qui se passe dedans et tout et une modif qui devait prendre euh, allez une heure va te prendre 12 jours parce qu'il faut que tu recomprennes le code quoi euh... les rustiques pas les rustaciens euh... merci cotard pour le, le unwrap or oh. Merci beaucoup. C'est pas inné non, 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 clairement. Mais encore une fois, parce qu'on sort vraiment des syntaxes habituelles. Euh, Safe System Development de Jimmy Blundy. Il euh, y a eu une question qui a été posée. Aiko, euh, les Rustaciens, vous conseillez quelles ressources en dehors du Rustbook. Book Ah, voilà. Je viens du C, mais je note la F. <laughs> ok. Bon. Si jamais il y a d'autres questions là-dessus, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du. Bon, on n'a pas fait le tour du match, mais je pense qu'on a un peu mieux compris quand même certaines choses qui se passent. Ça va nous aider de toute façon pour la suite. Hein, ça c'est clair. On va revenir sur notre petite ouverture de fichier FIT, hein, puisque c'est quand même ça à la base qu'on essayait de faire. Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, voilà, c'est que là ici, ce qui se passe, c'est que euh, quand on fait donc le, le FIT file de cette façon-là, si on arrive à ouvrir le fichier. Tout va bien. si Je n'arrive pas à ouvrir le fichier, on va avoir une panique et donc on va s'arrêter, on va arrêter l'exécution de notre programme. La question que je me posais moi, c'est est-ce qu'un panique arrête réellement l'exécution du programme ou pas euh, Pour information, euh, si je mets un test comme ça, euh, est-ce que quand je fais ça, est-ce que ça l'arrête est-ce qu'on sort de, du programme directement Et là, où là, il n'est pas content, coule notre copile, parce que parce que parce que parce que il y a peut-être ce truc-là qui doit l'embêter. Il euh, y a ce truc-là qui l'embête parce que... vite pareil, oui, j'ai tout changé. J'avais changé les noms, c'est pour ça. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit Bon, il me dit qu'on s'en fout. Euh, non, toujours. Ah. The two il y a encore des words... Euh, hein remontons, voyons un petit peu. Un notable statement. Donc, il y a un point virgule ici. Et en fait on n'a pas besoin, c'est ça que tu es en train de me dire Ensuite on a besoin, mais dis donc. Pourquoi tu dis que tu n'en as pas besoin Here. Voilà. Et euh, ensuite, qu'est-ce qui nous dit le std ou read qui est pas utilisé, je pense. Voilà. Là, hop, on va le virer. Comme ça, il va être tout content. Uh, could not compile due to previous error to warning limited. Mais pourquoi previous error For information. pas de... Qu'est-ce que j'ai comme previous error Ah, j'avais pas mis un return là-dedans. Non, j'ai pas mis de return. Donc là, j'ai mis file. j'ai mis un panic error. Euh, je sais pas. Non, enfin bref, tout ça techniquement, on peut le remplacer. Alors, je vais refaire un truc. Ah, mais c'est sûr que c'est pas. Non, je pensais plus une erreur qui se. Qui... Ah non. Qu'est-ce qui me fait? Not a function. Ah oui. Bah oui, 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 oui Ok. D'accord. J'ai. Faut un point d'exclamation ici. C'est une macro. Ce terminal process terminé bien. Et là, je comprends pas trop ce méthode des a file here. Donc, si je remets mon bon vieux point d'interrogation, non pas file result, mais fit file comme ceci, que je vire ce morceau là, et que j'enregistre, et que je run. Là j'ai encore des erreurs. Mais pourquoi diable Use... Ah là ah, il me dit que maintenant il faut que je remette le use std read. Alors, use std de point io de point read. Avec une majuscule, ce sera mieux. Et et là, il n'est pas content parce que justement, le point d'interrogation ça nous retourne quelque chose qui ne doit pas être compatible avec main. J'en déduis est ce que c'est. Ça donc, au lieu de faire ça, on fait un wrap et comme ça, là normalement, sous nos yeux ébahis, tac, on est presque bon, mais on n'est pas bon parce que, parce que, parce que, parce qu'il a décidé que il nous casser Rouston jusqu'à la fin euh, fit file. Read exact. C'est quoi son problème Cannot borrow. Ah oui, parce que oui, 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 faut il faut qu'il soit mutable, évidemment. Et évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, tout y est bien. D'accord, bon. Donc, le point d'interrogation permet de remplacer ce qu'on a vu tout à l'heure avec le match sur euh, ce que va nous renvoyer open, donc le résultat. Donc, il peut être soit OK, soit erreur, ce que je disais, qui ressemble à une promesse. Le problème, c'est que... Erreur va renvoyer quelque chose. On va avoir un return qui va se déclencher et on va avoir un return qui ne sera pas forcément du type de retour de main, puisque là on est dans main. Si on est dans une méthode qui éventuellement retourne justement un certain type d'erreur, qui accepte de retourner le, le, la valeur d'une erreur, etc., ça pourrait se gérer. Et là, du coup, ça ne se gère pas. Ce qui fait que le point d'interrogation ne peut pas l'utiliser, donc on va faire un unwrap. Et si jamais il y a une erreur, là il y a baleine sous gravillon, c'est qu'à un moment, cette heure là est-ce qu'on peut la capturer Est-ce que, par exemple, le try, c'est quelque chose qui fonctionne en Rust ou pas euh, Est-ce que je peux imaginer faire un truc comme ça, et avec un catch, c'est pas gagné. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment le match hein, qui va être utilisé pour gérer ça. C'est-à-dire que tu fais ton match sur le résultat, et puis ensuite, ben, en fonction du truc, ça remplace ton try-catch. Euh, physix est-ce que, est que tu, tu serais, euh, serais d'accord avec cette explication C'est-à-dire que finalement, en Rust, on ne va pas forcément gérer les try-catch sur les parties open, donc les, les résultats qui sont envoyés par open. Mais par contre, on fait vraiment systématiquement un match pour regarder est-ce que oui ou non on a un problème. Et si on a un problème, pouf, on dégage. Généralement, on préfère utiliser un point expect mais plutôt qu'un unwrap. Euh, message d'erreur. Alors non, c'est toujours un match non sum value. Euh, le panic s'arrête le programme comme un exit failure. Ok. C'est quand même bizarre le panic dans un match unreachable euh, panic. Euh, le compilou indiqué avec le panic sur la ligne sur une seule ligne provoque un code unreachable après cette ligne si j'ai bien compris. Euh, c'est toujours un match non sum value. Hein. Euh, non on peut faire soit match soit if let soit unwrap or tu as aussi le point d'interrogation qui revient à la throw en déléguant la gestion de l'erreur à la plante de la méthode voilà mais quand tu es dans le main tu es, es couillonné en fait euh, perrococo si je comprends bien ça te permet de gérer les erreurs ça j'ai bien compris euh, mais par contre le point expect dans le cas présent j'aurais tendance à dire que non parce que si je mets euh, met ça imaginons Là, il va se passer quoi concrètement? Ok. Si je mets 532. Là, j'ai une erreur, forcément, parce que, parce que, parce que. Euh, il a paniqué. Euh, at Toto. -to, paniqué d'être to Toto. Ah, oui, d'accord. Donc, en fait, tu fais ton, ton point expect. Donc. Si tout va bien, ça te renvoie le truc. Sinon, bim, ça te met une, un message d'erreur ici avec la stack qui s'affiche après. Mais du coup, ça, je trouve ça pas terrible parce que tu as toujours une exception quand même qui est gérée. Et une exception qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas, euh, pas maintenue. Donc le expect, du coup, je serais tendance à ne pas être fan euh, de ce machin-là. Et du coup, il ouais, n'y a, y a, a pas photo. Il faut vraiment faire le file result ici. Ensuite, faire son match tranquille. Donc, avec un let mute file. Alors, par contre, lui, il n'y peut-être pas besoin qu'il soit mute. Euh, let mute file est égal à match de file result accolade. Donc, si j'ai un OK avec file, donc là, effectivement, on retourne file, tout, tout va bien. Et sinon, si j'ai un error, alors là, je suppose avec une erreur, euh, dans ce cas-là, je fais un ah, du coup de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin donc tu fais un panique en marquant euh, le fichier n'existe pas Ouais. et puis fin du fin du truc en tout cas ça c'est une possibilité là je pense qu'il va manquer ça ma femme est tombée vous l'aurez entendu ou alors elle s'est pris un creeper c'est au choix. Ah, hein, hein. Euh, et t'es d'elle Non, mais je ne ah. m'attendais pas. J'ai ah. été concentré sur machin. Bien. Euh, dot. Fine. Du coup, normalement, ensuite, là, je peux reprendre ça. Et. Zou. Ah, alors, sauf que là, forcément, qu'est-ce que j'ai J'ai. Panic, le fichier n'existe pas, bon, on dirait que ça change pas grand chose. Ah, panique, c'est vrai que c'est pas, pas fifou en fait. Le, le try, -catch per try catch, pardon, te permet vraiment de gérer. Je trouve ton On peut faire un try catch avec, euh, avec un throw ou quelque chose. J'avoue, je suis pas super super fan. If let file open equal file result, traitement de ton ah, d'accord pour du code où tu es vraiment sûr qu'il y a un contenu, tu utilises ce que tu veux pour extraire la valeur d'une option résulte. Il n'y a pas de trade catch, d'accord. Donc, alors On va essayer le if let file. En revanche, si tu n'es pas sûr avec le point d'interrogation, match et if let. ou euh, voilà. Salut Bebenzer, à la place de ton panique, tu peux sans doute un print talent. Ouais, mais tu vois le problème, c'est que là, si je fais mon print talent, comme tu dis, ensuite, je vais quand même aller à la suite. Et donc, je vais m'attaquer à ça. Et, euh, et donc là, ça va forcément me déclencher des erreurs parce que mon fichier n'est pas ouvert. Voilà. Donc, du coup, ça, ça m'embête un petit peu. Alors, effectivement, sinon, il y a l'autre solution. Alors, oui, si. Ce qu'on pourrait faire, si, on pourrait faire effectivement un println suivi d'un return. Ça, j'ai le droit, normalement. Le fichier n'existe pas. Et là, au moins, tu quittes sans avoir toute une stack qui se dépile. Là, là finalement, ça, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Euh... Non, parce que imaginez, vous développez une application, c'est un client qui l'utilise, qu'il a un message d'erreur, son application s'arrête, un message d'erreur qui correspond à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a arrêté, parce que bah, tu as fait des conneries ou ton fichier n'existe pas, etc. Ça c'est normal. Par contre, quand tu commences à lui dépiler la stack, le mec il prend peur et il panique. Justement, il panique. Donc, euh, donc voilà. Euh, à la place de ton panique, tu... voilà. Donc print LN. Ah, pardon, j'avais pas vu le point virgule euh, return. Euh, Excuse-moi, Bebenzer. Oui, en effet. Else, là tu mets ton catch. Et effectivement, sinon, donc il y a ce que disait Chaton de Carte avec le iflet e ou là on peut le faire comme ça aussi. Le panique, voilà, c'est vraiment pour les devs. On est d'accord. C'est un peu le Assert pour les tests unitaires ou des choses comme ça. OK, bon, donc là on a fait ce morceau-là. Euh, on peut pas trop bien mettre du code dans le chat de Twitch. <laughs> ouais, ouais, mais je sais, bien. je sais bien. que ça peut être un petit peu compliqué. Mais, euh... mais bon, en tout cas, voilà, j'arrive à comprendre euh, comment ça se passe. Même pour print sur la sortie d'erreur, tu peux faire un println. Ah oui, d'accord. Plutôt que println. Et comme ça, ça te permet de rediriger sur le flux de sortie. D'accord. Voilà, voilà. Mais vous voyez, on apprend plein de choses. Voilà, voilà, voilà. OK. Euh, bah, là, tu es au début de la fonction main. Donc, tu peux paniquer. Oui, c'est vrai qu'on peut paniquer. Après, le seul truc de panique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là la, la, le nombre d'informations qui, qui sortent, qui sont intéressantes en temps de dev, mais qui ne seraient pas intéressantes en, en production. Alors, est-ce que quand tu que as des options de build euh, qui te permettent de dire que le panique, finalement, ne te sort pas d'informations de la stack, mais juste le, juste le test qui a été mis ou pas, par rapport à est ce qu'il y, qu y a des options de configuration là-dessus ou, ou pas du tout euh, ok, donc là, nous, de toute façon, on a notre header qui est ici, qui est une chaîne de caractères, et donc tout à l'heure, vous me parliez... Oui, il y en a. Ok, ça marche. Vous me parliez de chunk. Alors, oui, on parle de chunk, avec like slice. <laughs> Pardon. Donc, on a un Let's slice qui est un tableau, le REM. slice iter slice.chunks 2. Alors ça, ça c'est ça c'est vraiment le truc. Je suis Désolé un peu à la con, tu pourrais donner qu'est-ce qu'il qu y a dans qu'est-ce qu'il y a dans iter. Du coup à la fin, putain c'est quand même pas ah peut-être qu'il faut que je fasse run. Qu'est-ce qui se passe quand je fais run Est-ce que je vois des choses par rapport à iter ou compiling, playground, finish dev, bla bla bla, bla. Est-ce que je peux mettre des points d'arrêt Non, des bugs. Euh, ouais, des bugs. Stable, run. Oui, bah, c'est cool, mais du coup je vois pas. Euh alors, un iterator over uh, slice chunks chunk size element at a time starting at the beginning of the slice when the slice length is not even divided by the chunk size the last slice of the iterator will be the remainder the strict is created by the chunks method and slices. Donc en gros, quand je fais un slice point chunks de 2, ça va me regrouper les éléments 2 par 2, donc j'aurai un nouveau, une nouvelle liste, on va dire, avec l'eau, avec rem et avec m tout court. Je, je, je l'interprète un petit peu comme ça. Avec les types hint de VS Code, tu peux voir. Euh, je crois qu'en prod, les gens utilisent des outils pour pas compiler s'il y a panique. D'accord, ok. Et essaie de renvoyer une erreur depuis ton main. Euh, ok. Et comme ça, du coup... Là, effectivement, on peut utiliser le point d'interrogation, des choses comme ça. Donc si je mets un truc comme quoi mon main est susceptible de lever une erreur, là, du coup, ça me permet de plus qu'avoir mon file ici, un point d'interrogation là, et tout ça, piouk, ça peut péter si j'enregistre. Alors j'enregistre, mais il est pas content. Euh, alors comme j'ai mis un use, ah non j'ai pas mis du use. Alors pourquoi il n'est pas content ce blairon encore euh, Result is a type that uh, success hein, is match. Est-ce que non Je pense que est-ce que ce serait pas plutôt un stdio error euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer ou non non, parce que là en fait il n'est pas content dans le sens où euh, mismatch types result expected enum. Ah, attends, faut que J'ai pas enregistré. Non, toujours pas bon. Euh, à la fin de ton main, je vais mettre un OK. Ah, c'est à dire que là il faudrait que je mette un OK par comme ça. Et donc là, ça veut dire qu'il faut que je remette le result de tout à l'heure. Et non, pas mieux. Expected enum result. Alors, implicitly returns at its body as no tail or return expression. Ah, parce que j'ai mis un point virgule. Voilà, that's it. Ok, donc là on est bon. Donc là mon file, c'est un file. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que quand j'utilise ça, là, ah parce qu'il est, il est pas mutable. Donc là voilà, juste que je fasse ça ici. Et dans ce cas-là, on est bon. Donc là, si j'ai un fichier qui existe ou pas. Alors là, mon fichier il est merdique ou pas ah, mais Mon fichier est 2 Donc process didn't exit successfully. Le fichier spécifié est introuvable. Là, on a bien l'erreur qui se produit. Et si je fais ça et que je run à nouveau, là, cette fois-ci, j'arrive à lire mon fichier et tout va bien. Ok, 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 ok. Je reviens un peu sur la gestion d'erreur. Comment aurait-on pu distinguer un fichier absent d'un fichier verrouillé euh, par un autre process pour effectuer des traitements différents, par exemple euh... pas de point virgule pour l'auto mais moi j'aime pas les urikim donc je mets un return <laughs> c'est pour ça mais effectivement ouais moi je préfère mettre le point virgule et un return devant que, que pas de, de truc euh, avec un match tu as la possibilité de rajouter plusieurs cas des d'erreur Ouais, c'est ça c'est que tu peux tester du coup différents types de différents types d'erreurs je pense et, euh, et ça te permet de voir euh, effectivement est-ce que c'est un problème de verrou est-ce que c'est un problème de fichier qui n'existe pas ou autre d'accord ok 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 donc on a notre fichier qui est ouvert alors ces fameux chunks maintenant que j'ai une chaîne de caractères si je fais un let euh, je vais l'appeler header_port est égal à header point slice et donc on a dit 80 ok. Jusque là, on est content. Je mets un petit point d'arrêt ici. J'enregistre et on débug. Ah non, slice pas content. Pourquoi pas content Ah non, c'est slice. Bah si pourtant. Ah c'est chunks. C'est pas slice, c'est chunks. Donc, chunks. Chunks, il n'est pas content non plus. Euh, Est-ce qu'il f... oula Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise std slice chunks Un crat. Create donc si j'essaye de mettre ça, std, alors, il faudrait peut-être que je mette un use devant. Ah oui, mais ça c'est un slice alors que ça c'est pas un slice, c'est un string. Ah. Alors est-ce que le buffer, est-ce que du coup non, non, non. ici je travaille directement avec buffer. Buffer.chunks, non, il n'est pas content non plus. Non, c'est sur le buffer qu'il faut faire le chunk. Voilà. Donc, effectivement, on est d'accord. Euh, le problème, c'est que mon buffer, c'est des octets. Hein, et puis après, je reconvertis en string. D'accord. Faut imaginer ça. Ça je vais le mettre comme ça. Alors par contre le buffer.chunks il est pas content parce que parce que parce que returns the iterator chunks size element bla 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 et donc l'erreur euh, no method name chunks found for reference str oh wow, c'est parce que j'ai pas enregistré ah ok c'est juste ça euh, ça marche donc là bloop, 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 on a nos chunks et donc techniquement si là je fais un debug cette fois-ci Si je regarde à l'intérieur de Hello effectivement, j'ai... Euh... Ah ben j'ai pas du tout ce que je veux. Ah oh C'est bizarre. Parce que buffer. C'est un vec machin SIMP, blablabla. Crochet 0CS, crochet 1CI et tout. Mais par contre, les chunks... pas l'impression qu'il me les ait, euh... il m'a pas regroupé les choses euh, mais un char parenthèse avant le chunk donc là tu ferais un point un .chunks. alors apparemment il doit manquer quelque chose ah bah, je suis encore en débugage je pense bla bla bla... No method named Charles found on Vect U8 in the current scope method not found. Mm -mm. Uh, quand c'est le file. Ah, attends, voir. Wow. Tu bosses sur des images satellites. Salut, Tommy Tutu! Presque! On va travailler sur les images du, euh, du James Webb Spatial Telescope. Uh, quand c'est le file. m'a dit mais un point chars avant le point chunks quand c'est le file ah, je comprends plus euh, peut-être avec as slice euh, pour ma question sur la gestion j'ai vu un match sur le résultat qui contient un match sur error kind intéressant d'accord chars c'est pour les str ok ah, alors est-ce qu'il faut que je fasse un truc genre header que j'utilisais tout à l'heure et là ce serait mieux. Mais non, chunks toujours pas. Donc c'est pas pour celui-là. Là je reviens sur mon bon vieux buffer point chunks. Euh, la méthode chunk ne fait pas le découpage. Il te renvoie une structure qui va te permettre de parcourir le buffer par chunk. Il faut itérer dessus. Oui, ça d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que là, tu vois, j'ai un j'ai un vec. J'appelle ça un vecteur, du coup, qui contient euh, deux, 2880 éléments. Et de ce que j'avais compris, c'est que quand tu appelles la méthode chunks, il te retourne, entre guillemets, un nouveau vecteur, si je puis dire, constitué d de, de 80 éléments qui sont mis côte à côte. C'est un peu ça que j'avais compris. Est-ce que c'est pas du tout ça, en fait, qui se passe Agent Cobra qui lance un raid avec une personne Merci, Agent Cobra Merci à toi. Euh, il te faut un collect, sinon. Oh là là là. Oh, sans déconner, le truc de fou. Des fois, je me dis, j'aurais dû faire, me fait faire une boucle forte sur ma string. C'était bon. Hein. <laughs> il prend le vecteur et un indice qui l'incrémente de 80 à chaque itération. D'accord. Si tu veux convertir en VEC. Alors, Rust. Collect. Merde. Pas collection, c'est collect que je veux. Euh, Iterator, alors du coup, tu le... ton collecte, tu le... Tu veux le convertir en vec. Alors, j'ai un vec. Je, je sais pas si... En fait, euh, en, en gros, je vous explique. Quand on lit le fichier, donc là, on le lit dans un buffer. Je suis capable de transformer ce buffer en une chaîne de caractères. Et ce que je veux, c'est découper cette chaîne de caractères en portions de 80 caractères. Alors, est-ce que je peux découper mon buffer, qui est un tableau de 2880 octets, en groupe de 80 octets Ou alors, est-ce que je prends ma chaîne de caractères et puis je fais du substring à la chaîne en fait c'est un peu ça. Bon. Ça ne fonctionne pas avec Header car c'est une chaîne de caractères en UTF8. Et comme les caractères ne sont pas forcément la même taille, tu ne peux pas les appeler chunk sur EdoS. Ok, ça je comprends. Euh, la méthode charge permet d'itérer sur les caractères UTF8. C'est pour ça que ça ne marchait pas non plus. Chunk est fait pour manipuler un tableau dont tous les éléments font la même taille en mémoire. Ok. Pour convertir le chunk en vec, c'est collect. D'accord, donc ça veut dire qu'une fois que j'ai fait mon buffer chunks machin. Là, je fais collect et transforme an iterator into a collection. Ouais. Yep. Let chunks 80 collect. Alors pourquoi là il me le fait pas tout seul euh Consider given an explicit type underscore. Hein Putain, ça c'est chiant les trucs quand tu scrolls et puis tu vois plus ce qu'il y a dedans. Euh Consider giving header parts an explicit type. Donc il faut vraiment que je lui donne le type. Parce qu'en fait il est un peu perdu, si je comprends bien. Donc si je fais ça... D'un seul coup, il se sent mieux. Mais là, il se sent pas bien. Pourquoi il ne se sent pas bien Parce que je fais un vec de machin. Alors qu'en fait, c'est pas un vec de machin, mais c'est un vec de U8. Et là, d'un seul coup, tout va mieux. OK. Donc là, si je rerun ça, et que je regarde dans ports. Ah Voilà Là, on a bien nos blocs. Cool Cool, 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 cool. Bien. Maintenant, c'est un vec. Comment est-ce qu'on parcourt un vec euh... Bon, je vais mettre parcours euh, vec. Voilà. Voilà. Euh, vector Rust by example. Donc j'ai mon vec, blablabla, je push, je it alors point bla 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 bla. Pop machin. Fort. Oh les for j'aime bien moi. For x in xs. Ça ça me plaît. Allez hop, on est parti. YOLO. FOR Headerport in HEADERPORTS.ITR print ouais cool enfin, print Headerport ah alors non print c'est ce qu'on avait tout à l'heure euh, std 2.2.FROM from UTF8 de et de Headerport euh, point unwrap Yo. Et là, il est pas content. Il est pas content parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. De points, pour d'interrogation. Pas du tout. C'était pas ça. Euh, from hut fuite. Waouh, 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 Bonsoir à toi. Merci pour euh, ces cinq abonnements. Merci pour euh, pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, il faut que tu déférences. Et Niliam... Ah bah, voilà, bah soyons fous. Allons-y. C'est euh, l'argent de Kyle. <laughs> merci beaucoup Lior. merci beaucoup Niliam. Ah, vous êtes, vous êtes top. Merci infiniment. Euh, le collecte ITER un peu redondant. Euh, Smoosh. Ah oui, bah forcément, du coup. Euh, tu peux utiliser le joker à la place de E8. Ok, donc je mets ça directement. Comme ça à un moment il est censé trouver tout seul comme un grand. Alors par contre, tu me dis il faut, il faut que je dé, que je déférence. Euh, mais les underscores, ça emmène les pinceaux quand on débute. Ouais, 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 je suis d'accord. En plus, bon, voilà. Euh, euh, euh... D'ailleurs, il régale à chaque fois. <laughs> y a... Ah oui, on en s'est fait, expliqué tout à l'heure. Voilà, merci pour le, le follow en même temps, Lior T'es incroyable euh... Donc meilleur vœu pour 2023, bah oui, ça c'est clair. Bonne année, ça, ça commence bien. Étoile. Ah Le headerport, tu mettrais. Ah non. Euh... Il veut pas. Alors attends. Lisons ce qu'on nous dit. Forcément une erreur très claire, très précise sur le pourquoi. Ah, continue printing. One of these items, use core, str str from etf8. Mais ça je l'ai fait tout à l'heure. Prefer it. Ah c'est juste... Bah non Qu'est-ce qu que j'ai fait Ah j'ai mis std Je suis un gros... excusez-moi, je suis un blaireau. C'est surtout ça. Voilà, et là content si je mets le et moi j'avais vu un et tout à l'heure on va tenter on va voir ce qui se passe attention attention ça va euh... j'allais dire un truc qui rimait avec attention mais ça va pas le faire au oh, nom d'un petit bonhomme regardez moi ça regardez moi ça si c'est pas absolument magnifique non truc de ouf oh ça marche oh, 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 oh ça veut dire quoi VEC et U8 Alors, je dirais, et là j'attends, euh, quand tu fais un VEC U8, tu dis bon, je vais dire vector, je ne sais pas si c'est vector, mais en gros c'est un vector de euh, unsigned 8, donc en gros des, 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 des octets, hein, des, des, des valeurs sur 8 bits, des valeurs entières sur 8 bits non signées, qu'on peut assimiler ça à des bytes directement. Si j'ai un VEC de et crochet U8, j'aurais tendance à dire que c'est un vector de tableau de U8. Alors le E, si j'étais en C, j'aurais tendance à dire c'est référence, mais là je dirais simplement que c'est euh, des. outils, si, c'est un vecteur de référence sur des U8. C'est plutôt un tableau de référence sur un tableau de U8. Est-ce que, est que vous soyez d'accord avec ça? Un vecteur de slice de byte. Euh, le E est inutile. Le E est inutile, non Alors c'est lequel Celui-là, selon vous, qui est inutile dans headerPort » Ou c'est celui-là qui est inutile Je vais ici, hein, si je run. Voilà, bon, ça marche pareil. Ok. Si j'enlève celui-là, là ça pète. Donc dans celui-là, il le faut bien. Le et », c'est comme une super référence euh, vector de slice. Voilà. Ce serait équivalent à ce buffer void étoile data std size size. Oui, donc c'est bien ça. C'est l'adresse d'un tableau de U8, ou la référence vers un tableau de U8. Au final Donc là, du coup, le header qui est ici, ça dégage. Et donc là, on a notre petit bout de, notre petit bout de code qui va bien. Ah, par contre, le et, et U8. Euh... Ah oui, parce que header part c'est déjà un et de 8. Ok, donc c'est pour ça que le et commercial qui est ici n'est pas nécessaire. Euh... Est-ce que étoile et part ça marche Et crochet, crochet, on a une référence d'un tableau et on connaît sa taille. D'accord, il y a les deux. Euh, bah, si tu mets le et étoile, je ne sais pas. Oui, ça marche aussi. Les deux fonctionnent. Tout fonctionne. C'est incroyable. Unbelievable. Tu n'as pas besoin du Iter. Ah, parce que c'est déjà... Quand tu fais un collect, c'est déjà un Iterable, c'est ça Donc, si je fais ça... Alors là, par contre, cette fois-ci, ça, il ne faut plus. Voilà. Et donc là, si je run, on est rebond. Ok, on simplifie, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on euh, enlève aussi le collect. Ah, le collect, selon vous, ne sert à rien Alors, tout à l'heure... Non, tu vois, alors là, on n'est pas content si j'enlève le... Alors, c'est parce que du coup, c'est plus ça, je pense. Donc là, on serait pas mal. On enlève plein de trucs. Et ça marche aussi. C'est incroyable. On a enlevé plein de choses et finalement, on s'en sort bien. Ok, OK, chaton de carte, oui, c'est le type qui est attendu, mais le compilateur déférence automatiquement, c'est pour ça que ça marche aussi avec le et devant. D'accord. Enlève euh, aussi le collecte. En soi, tu n'as pas besoin de collecte non plus. Oh là là, incroyable. Bon, du coup, ça nous donne quoi Eh bien, ça nous donne l'entête, la première entête de notre fichier. Donc, on sait que. Alors, on sait que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Naxis 0, ça veut dire que dans ce bloc-là, il ne sera pas suivi. Euh, d'un euh, bloc de données de 2880 bytes. Donc normalement, si je dois pouvoir relire juste après une nouvelle entête et après un bloc de données. Donc on va juste faire le test là-dessus et on s'arrêtera là ce soir parce qu'il va être, euh, être 10h. On va juste essayer de lire deux entêtes. Donc ça, on va essayer de le faire deux fois. Donc j'ai mon buffer. Manana. J'ai mon file.read exact. Alors est-ce que quand je fais le read exact, est-ce que ça me le décale ou pas Ça, ça va être la question d'un million de dollars. Est-ce qu'on peut faire un for, un bon vieux for en Rust? For loop. Loop expressions. Euh, le while, non. Le while non. Je voudrais juste faire un, 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 juste un for. Euh, in. Non, mais juste un non non je peux pas donc je suis obligé de faire n in achat donc for euh, n in 0.1 je suppose que là je mets mon accolade ensuite là je mets mon autre accolade voilà quelle horreur les accolades enfin une ligne il faudra que je corrige cette hérésie là euh, et donc je le fais deux fois et là, on va voir si il m'affiche deux fois la même chose ou pas. Alors là, il m'affiche. Il m'affiche, il m'affiche mon cul. Ben oui, m'a pas, mon... pas, pas fait mon fort. Ah, ben, est-ce que c'est parce que 0.1, ça va pas Faut que je fasse 0.2 parce que c'est... Ah, ou alors il faudrait que je mette peut-être 0.1 égale... Ah ah Non mais attendez, je deviens, je deviens, je deviens bon. Hein. Et là, là, on a deux choses. On a le simple, blablabla, bibi bi, Et ensuite, on a la deuxième en tête, je pense. Est-ce qu'on a un axis ici Il faut que, je, faut que je rajoute un. Je vais rajouter un truc pour séparer les deux blocs de données. Mais je pense qu'on est, je pense que, je pense que pas complètement con ce que j'ai fait. Donc là, si je fais un print ln, on fait un truc comme ça, hein, tuk, 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 hop, voilà. Non, vous allez me dire qu'en Rust il y a une syntaxe qui permet automatiquement de multiplier les caractères, j'en suis sûr. Alors, tiens, on va même essayer tout de suite. Si je fais ça fois 80, je suis sûr que ça marche. Non, ça marche pas. Je suis déçu. Je, vraiment, je suis déçu. <laughs> pas un truc qui permet il me semble qu'il y a un truc qui permet de multiplier uh, Rust, uh, display and char uh, ou several same char a variable number of time with println je pense que c'est pas forcément ça que je voulais. Ah c'est en Python. Ah ben oui les feignasses forcément c'est en Python. <laughs> voilà, c'était le seul truc que j'avais trouvé cool en Python je crois. Ah je suis méchant. Alors là effectivement on a voilà, on a une coupure ici et donc là on reprend avec la deuxième machin. Exposure, machin, 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 target fixed, etc. Bon, normalement, si je relis à nouveau 2880 euh, comment 2880 caractères, là, la troisième, ce seront des data et donc ça va être illisible, ça va être dégueulasse, ça va être immonde. Je, trompe -je? je me trompe, je me trompe, mince, Ah, ça c'est moche. Là, j'ai un time OBS. Targ. Oh fuck! Il y a combien lors des entêtes? Ou alors, j'en lis pas le 2880? C'est bizarre! Point repeat. Ah ah! The solution! Vous êtes incroyable! up Point .repeat 80 et bim a ah, perdu euh, qu'est ce que j'ai fait repeat in the scope vous avez fait quoi vous Point repeat apparemment il faudrait que j'importe le scope Ah, ou alors, comme si je fais ça, c'est toujours pareil. Il faut que je fasse un, un truc comme ça. Ouais, ça te cite. Et du coup, ça, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, ah, c'était ça. Et en fait, dès que, que tu as une expression, il faut utiliser un, je sais plus comment ça s'appelle, un, form un formateur, enfin un, bref, un truc pour que ce soit intégré dans ta chaîne de caractère. Sinon, t'es quitos quittos. Bon, en tout cas, ce qui me surprend, c'est d'avoir encore des données texte ici. On voit qu'il y a beaucoup de données texte. Euh, bon, on va, on va. Allez. Je vais essayer d'en prendre en choper 5, 6 même. Qu'est-ce qui se passe si j'en prends autant Fox M Putain, il n'y a pas de data, c'est que euh, c'est que du champ texte pour le moment. Il y en a combien Ah, Bitpix. Array Data Type. Mmh, est-ce qu'il y a un truc qui dit combien il y a de pages à lire Ça aurait pu être pratique, parce que moi je sais pas quand elle commence ces données du coup. Là je suis à 5, j'ai toujours rien. Alors, je sais que c'est du NIR Spec Camera Reference File Information. Blablabla. Ah par contre ça peut être cool ça. S'il donne des, des guides à aller voir ou quoi directement le fichier. Euh, tant que ça commence par guillemets, point, euh, Tomé Tutu, print, it, hein, la taille d'un header, c'est end le keyword. Ah Faut lire jusqu'à ce qu'on ait end Mais alors attends, parce que regarde, dans la, dans la doc, ils, ils nous auraient menti. Parce qu'ils nous disent que, donc, le primary header, c'est des blocs de 2880 octets, d'accord, qui sont suivis, par, éventuellement, euh, un bloc de données. Tu vois, each domain, hein, un bloc contains 20 keywords records. Euh, j'aurais peut-être dû lire jusqu'à la fin. Ah Ok. Which marks, alors. Euh, the last header block must contain the end keyword. Mais tu vois, moi j'aurais cru que la, le last header, c'était la dernière en-tête du fichier. Mais en fait, ce que tu es en train de. Parce qu'il me semblait que c'était par bloc, en tête data, en tête data, en tête data. Mais non, pas, pas forcément, mon cher euh, Péro Coco. Un accolateur. <laughs> Pourquoi ne pas déclarer le vecteur sans indiquer la taille ah, Parce que justement, euh, j'ai besoin. Moi, je lis par morceau de, de 2880 octets. Comme c'est précisé dans la doc. Oh, Pff, moche. Un header est fait de plusieurs blocs, ok Un bloc, c'est 2880 bytes, on est d'accord. Donc en fait, il faut lire les blocs jusqu'à ce qu'on ait un end dedans. Ok. Alors imaginons, tiens, j'en prends... Euh, moi, je suis un dingue, pour le moment, je vais le faire comme ça. Sans chercher à savoir si... Après, on va faire un while, mais... faire enfin, ça bien, mais si j'en mets 10. Ah, là, ça y est, là, on a le end. Ok. Donc, la question que je me et c'est bien ouais c'est et ensuite on a 80 et comme de toute façon le bloc fait 2880 alors on est bon alors par contre ça veut dire que là je l'ai lu dix fois si je le lis une onzième fois on est d'accord que cette fois ci le dernier bloc ça va être du caca merde c'est même pas du caca ah là il y a le naxis on nous dit il y a un tableau à deux dimensions donc deux tableaux normalement de données qui vont suivre donc 11e, c'est ça. 12e, le dernier, ça doit être les datas. Non Il faut encore attendre un end. Oh, c'est un truc de fou. J'en lis 20. Il faut comprendre le truc. quoi. Là, là, on a les datas. Ok. Ça, c'est cacateux. Ça, c'est cacateux. Ça, c'est cacateux, 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 cacateux. Et là, à nouveau, bim, on a un end. Ok. Oh, ça va être rigolo, c'est la description du bloc de données. D'accord, donc en fait, l'entête, elle est forcément constituée de blocs de 2880 octets. Par contre, il peut en avoir autant qu'on veut. Et ce qui détermine qu'on arrive sur le dernier bloc d'entête d'un bloc de données, un HUD, je crois, c'est le end. À partir du moment où là, on, on a le end, on sait que les prochains blocs, et là, techniquement, j'aurais tendance à dire que comme il y a marqué euh, un axis de 2, est-ce que ça veut dire qu'on est censé avoir deux blocs de données Maintenant, on en a beaucoup plus en fait. Donc, en fait, le 2, ça te donne la dimension. Et après, dans les Naxis... Euh, bon, ça, il faudra qu'on lise la doc la prochaine fois. Je suis remonté trop haut. Hein. Euh, voilà, dans les Naxis 1 et les Naxis 2, ça, ça aurait tendance à indiquer le nombre d'éléments qu'on a dans chacun des deux tableaux. Alors, est-ce que ça, c'est le nombre de blocs ou est-ce que c'est le nombre d'éléments à lire <laughs> C'est la question. Parce que ça, je sais qu'ils en parlent des Naxis uh, N keyword. The index count along each axis shall begin with one and increment by one up to the value of the Naxis N keyword. Euh, c'est une image de 14 517 par 12 431 pixels. D'accord. Ok, ok. Eh ben vous savez quoi Cette partie-là, c'est quelque chose que nous allons étudier la prochaine fois. Parce que sinon, j'ai ma chérie qui va me faire un cacatus nervus. Euh, parce qu'elle va vouloir manger, elle a faim. Et vous savez qu'une chérie vorace. C'est une chérie qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de live les prochaines semaines puisque je serai dévoré, mangé, je n'existerai plus. Vous ne voulez pas ça Non, personne ne veut ça. Et chaque pixel fait 32, c'est ce qu'on voit, je pense ici le array type, le array data type. Alors pourquoi ils ont mis un moins 32 selon toi euh, Pourquoi le bit s'il est en, en négatif Est-ce que ça a un sens particulier ou, euh... ou, ou pas c'est assez rigolo ça. Plus c'est des entiers. Ah, des flottants. D'accord, donc ça veut dire que c'est des flottants sur 32, sur 32 bits. Ok. C'est juste pour lire les headers pour l'économie de mémoire. Ah oui, oui, ça de toute façon c'est. Enfin, je sais pas. Attends, va. ok, c'est juste... pour lire juste les headers l'économie de mémoire le fait d'avoir euh, lu en, en, en bloc de 2880 à ton de carte oui oui c'est ça c'est vraiment pour avoir d'abord l'header parce que le fichier il fait 4 gigas hein, si je te le montre voilà il est ici mais il fait même 5 gigas il fait 4 gigas 935 donc clairement on va pas lire le fichier d'un seul d'une seule traite on va le lire bloc par bloc et puis on va aller chercher les informations qui nous intéressent à l'intérieur justement des headers pour ensuite pouvoir se balader dans les euh, dans les données et récupérer les informations qui nous intéressent ce qui me ce qui m'intéresserait de savoir tu me dire il y a 5 gigas donc euh, si je lis tout de toute façon je vais avoir des zéros des zéros des zéros des zéros on va essayer juste de se lire euh, allez on va se lire 200 200 blocs pour voir un petit peu ce que ça donne donc si je fais run de ça qu'est ce qu'on a comme euh, est ce qu'on a des datas qui changent à un moment alors, en même temps j'essaye de j'essaye de lire des données binaires avec du, du buffer comme ça donc forcément ça va pas marcher euh, oui, je, je pense que c'est assez logique que ça ne marche pas. Ça me semble quand même bizarre que ce soit que des anti-slash zéro, malgré tout, mais bon, on va voir. On va se faire dévorer. Euh... <laughs> bon, écoutez, en tout cas, voilà, c'est cool. On a attaqué Rust, on a commencé à comprendre certaines choses sur le fonctionnement. On était capable d'ouvrir un fichier, on est capable... <laughs> c'est l'espace, c'est tout noir, c'est clair. Euh, puis surtout, voilà, vu la résolution de l'image... C'est pas déconnant qu'il y ait beaucoup de zéros dans les zones où il n'y a, a pas grand-chose. Euh, Anti-slash zéro, ça veut dire que ce n'est pas du TFU. Voilà. Bon, bah, comme ça, au moins, c'est bien ça. Euh, donc, en tout cas, voilà. On a quand même vu pas mal de trucs ce soir. Euh, on a commencé à mettre les pieds dans le, dans le plat de, de Rust. On va continuer ça, tranquillou, la semaine prochaine. Alors, vendredi prochain, il euh, y aura peut-être une petite incartade par rapport à l'heure de départ. Euh, merci, euh, ça va être si euh, Je vais peut-être commencer plutôt à 18h30 qu'à 18h. Je vous explique, j'ai un rendez-vous à 16h30. Je ne suis pas convaincu qu'à 18h, le rendez-vous soit terminé. Je croise les doigts pour que oui, mais c'est possible que ça déborde un petit peu. Donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas à 18h pétante. Euh, vraisemblablement, c'est que j'arriverai plutôt sur le coup des 18h30. Euh, parce qu'il y aura certainement plusieurs choses qu'il faudra jouer avec, euh, avec pendant ce rendez-vous-là, et ça pourra durer un petit peu plus longtemps. Voilà, donc c'est juste ça, mais il y a bien live la, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, sauf contre-ordre sur Discord. Ouais, toujours Rust la semaine prochaine, maître, maître Yoren. En fait, ce, ce projet-là, il va durer un certain temps. Hein. Vous voyez qu'on avance, on balbutie, moi je balbutie complètement en Rust, donc on va avancer vraiment euh, tranquillou, on va essayer de, de, et aussi on va essayer de faire les choses bien. Donc euh, on va essayer de creuser un petit peu pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses au mieux, etc. Euh, et puis, donc ça va prendre du temps. Alors, ça ne veut pas dire que pendant les cinq prochains mois, on va faire que du Rust, mais euh, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de Rust sur les, prochains, sur les premiers mois de l'année. Et puis, de temps en temps, quand, je, quand je vous saturez un petit peu, ou que moi-même je sature, eh ben, on, on basculera et puis on fera un petit peu de TypeScript. Ou peut-être qu'on travaillera justement sur des aspects plus graphiques de l'application, euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on veut comme, euh, comme interface utilisateur, est-ce qu'on utilise du TypeScript, est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de voir si on ne peut pas combiner des choses avec Tori, hein ça a été cité un petit peu plus haut, et là je sais que Sukato, d'un seul coup, tac, 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 il se lève, l'oreille tendue, euh, le corps dressé, euh, en disant, t'as dit Tori, ah, oh, ça m'intéresse, et puis... Euh... <laughs> <laughs> et, puis, et puis voilà euh, avant de vous quitter ce que je vous propose c'est comme nous sommes quand même 41 sur la chaîne pourquoi pas de lancer, lancer un petit raid euh, chez les copains ça fait toujours plaisir on a eu deux raids aujourd'hui donc à nous aussi de, de rendre l'appareil euh, j'en profite pour saluer Nekrampos que je crois ne pas avoir salué tout à l'heure qui nous a rejoint il y a 12 minutes bonsoir à toi euh, à la fin du, du tirer il a tellement aimé le rust qu'il va en faire trois autres, les de l'année. C'est possible, c'est possible. Je ne, je, ne, je, ne me, je, je, je ne dis pas que ce ne sera pas le cas. Et, euh, et en tout cas, moi, ça me permet en tout cas de me former sur ce langage-là. Et euh, qui sait, peut-être ensuite de proposer des projets à mes étudiants ou de leur fournir des, des cours sur, sur du Rust. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Déjà, voilà, Bibi s'occupe de monter un peu en compétences là-dessus, sachant qu'il part de zéro. Donc, il y a une énorme marge de progression. Et, euh, et en plus, je pense que le sujet avec les trucs, les, les, les documents fit, ça va être vraiment cool. Et, et ce serait vraiment top, euh, Pérococo. Euh, je vais le mettre tout de suite. Euh, les petits nouveaux, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord. Euh, justement, bon, ça permet de suivre un petit peu les actualités de la chaîne, etc. Et puis, bah, du coup, tu vois, Pérococo, éventuellement, on pourrait imaginer que... Si jamais je coince sur un truc, je t'envoie un petit message de question si tu l'acceptes. Euh, si jamais je bute sur certaines, une compréhension du, euh, du document, bon, je pense qu'il n'y a rien de bien bien sorcier, mais sait-on jamais, tu vois. Déjà, j'avais pas bien compris le, le fonctionnement de l'entête, euh, j'étais allé un petit peu vite. En tout cas, ouais. merci à Lior pour le sub. Merci, vous êtes plusieurs à avoir fait des subs ce soir. Merci aussi à Niliam pour les, euh, les beats. Merci à vous. Euh, merci beaucoup pour votre participation. Et avant de se sauver, donc on parlait euh, d'un petit raid. Euh, voyons voir un petit peu qui est connecté ce soir sur, le, euh, sur le, la, Twitch, euh, la Twitch Game. Euh, et bien, à moins que vous vous ayez des gens que vous souhaitiez aussi euh, qu'on rencontre ce soir, on voit il y a Nashul qui est là, il y a Yordian, euh, bon Samuel et Etienne, ça c'est autre chose, il y a Xurey euh, qui a apparemment fait du Subnautica, on a Defmute qui est là également. Est-ce qu'il y a une de ces personnes que vous, que vous aimeriez qu'on raide euh, un coup ou est-ce que vous avez d'autres noms à me proposer parmi, euh, parmi les gens que vous, vous voyez et qui sont peut-être connectés ce soir N'hésitez pas, ça permet voilà de faire connaître aussi un un petit peu les autres chaînes et de faire vivre ben voilà aussi d'autres animateurs qui sont euh, qui sont là il euh, y a Willen Diffmuth Alizou Dilonvin et il y a Willen alors Willen je ne connais pas apparemment euh, euh, qu'est-ce qu'il fait notre ami Willen ma chère Aléo Uh, Willen développement on commence le projet Pure Fit. Et ben voilà, si vous voulez, comme ça, ça sera un petit nouveau. Euh, ça change un petit peu. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez Allez, on va aller voir un petit peu ce que fait Willen. J'attaque le raid chez Willen. Hop, raid démarré. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, de passer une très bonne semaine et donc on se revoit vendredi prochain. Je vous dis 18h peut-être, 18h30 sûrement. D'ici là une très bonne soirée à vous et puis ben, euh, plein de bonnes choses avec euh, cette nouvelle année. À très bientôt, ciao et on lance le raid. c'est parti et j'oublie pas YouTube, c'est noté, ciao. <laughs>